Il y a trop de monde sur Twitch, on n'a pas le transcodage. Est-ce qu'il est arrivé? Par magie? Oui! Il y a le transcodage! Bonjour à tous! On a relancé! Merci l'algo Twitch! Alors bien sûr, bon je me suis mis en 720p mais dans le doute on va le garder en 720p. Je suis désolé. Salut Agikio, salut Romain. C'est pas ton anniversaire. Pourquoi tu fêtes la fête? Pourquoi tu fais la fête? C'est vrai que c'est pas mon anniversaire. Je fais la fête parce qu'on a le transcodage. On l'avait pas. Attendez, il y a la télé qui s'allumait. Je dis transcodage, la télé s'allume. Écoutez, on a de la technologie, c'est nous. Ouais. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi bien sûr 5 janvier. J'en ai exceptionnel, pourquoi j'en ai toute particulière, bien sûr, puisque c'est le dernier soir de Flash in France, mesdames et messieurs. Bonjour Rolfi, bonjour Camille, c'est parti. Excusez-moi, tout va bien. Je ne suis pas du tout sous... je suis pas du tout sous coque. C'est quelle plaisir d'avoir 4 lives ouverts. Putain, Luke qui est chez... Je suis passé chez Quixi tout à l'heure. Luke qui est chez Quixi. Narvaya du coup. Et Nabro. Truc comme ça. Je connais pas trop. Excusez-moi pour leurs anniversaires. Nous, on est là pour fêter le départ. Alors, en fait, c'est un peu bizarre de fêter un départ. Parce que ça veut un peu dire qu'on est content qu'ils partent. Mais on est vraiment... voilà, sur le départ de Flash, ça va être... Petite soirée test en plus. Merde. De Team Flex en live pour voir un peu ce que ça donne, comment je m'en sors, comment vous appréciez ou non d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que ça me fuit Romain qui nous dit c'est l'événement spécial, ça m'a flash, il part, c'est la fin du monde, t'es genre tout le monde fait la fête. Hey, encore salut, il y a Soundback, Narbo, excusez-moi, c'est ça, t'as intérêt de win sinon je te défonce. Ah, je suis désolé, Emma m'en veut déjà. Et on va fêter le départ de Flash qui se couche pas ce soir, il joue à LOL toute la nuit. Toute la night, bien sûr, de ouf, wesh, les nulos. Moi, je travaille pas demain, I'm in. Fin du monde, ou plutôt, il se casse enfin. Ça, on sait pas. On a un peu de blabla à faire quand même. Il y a un truc dont il faut que je vous parle. Qui va faire plaisir à certaines personnes. C'est Rolfi le crack, qui nous a trouvé un logiciel sur GitHub. Vive GitHub, vive les open source, etc., etc. Pour caster... sans aucun problème, la Remarkable que je tiens dans ma main. Non, en vrai, c'est normal, on peut pas tout jouer tout le temps. Ouais, c'est on est trop. GitHub, bien sûr, GitHub. En fait, ça, c'est ma tablette, mais c'est... Alors, pour ceux qui ont des iPads Pro, blablabla, chut, d'accord. Je sais que vous êtes là. Ça, c'est une tablette qui est faite pour écrire. C'est-à-dire qu'on est sur un écran qui n'est pas une vitre. On va pouvoir écrire comme si on était sur du papier et pas sur une vitre en glissant comme une merde. Excusez-moi du langage. C'est un écran à encre, ce qui fait que ça utilise très peu de batterie, mais ce qui fait aussi que du coup ce n'est qu'en nuance de gris. Voilà. Et très pratique pour le travail, la lecture, puisqu'elle fait aussi liseuse, etc. Remarkable, exactement. Et en fait, sur la Remarkable, il y a un truc en bêta. Qui est du... attends, je vais vous le dire, c'est quoi le nom? Live View Beta. Donc c'est marqué Live View Beta. Et en fait, ça permet, avec l'ordinateur, il y a une application Remarkable, de, quand on écrit, ça montre à l'écran ce qu'on écrit. Jusque-là, encore une fois... Ouais, j'en ai pas eu trop, je suis connecté en HDMI, là, je le mets direct, enfin non, même pas en HDMI d'ailleurs, avec une boîte d'acquisition quelconque. Je suis connecté, j'ai mon truc, oui, de une, ce n'est pas un iPad, de deux, ça fonctionne sans câble, haha, et de trois, voilà, je m'en fous, je suis content, c'est tout. Oh mais qu'est-ce que tu gagnerais? Pas bien ta vie, toi, par hasard? Est-ce qu'il faut reparler du prix de cet objet? On taira le prix de cet objet, on en a parlé déjà dans une précédente vidéo. Développeur, voilà, développeur, choisissez votre voie, messieurs, dames. Développeur, tout le monde recherche des développeurs. On a 50 000 offres d'emploi par jour, que ça soit en France ou dans tous les pays du monde. Par peut-être les pays sous-développés. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer, juste avant de commencer, je vais vous montrer vite fait. Et merci Rolfi, on va trouver, et du coup le logiciel que Rolfi a trouvé, qui n'est pas fait par Remarkable, hein, mais par des indés ou je sais pas quoi sur GitHub, fonctionne 100 fois mieux que leur logiciel de merde de base. Voilà, excusez-moi.
Ce qui pourrait être pratique quand on reprendra des streams dev, quand on voudra faire des schémas, quand je voudrais vous dessiner un truc, etc., etc., sans fil, sans rien, etc. Il y a quand même un beau marché de l'emploi pour les devs, effectivement, on a un très très beau marché de l'emploi pour les devs, tout à fait, et quand on commence à être un peu indispensable dans une entreprise, en fonction de comment est l'entreprise, bah souvent ils veulent pas nous lâcher, et du coup c'est très très grave pour eux, pas avant 2022 quoi. Pas avant 2022 ? Ah, j'ai pas suivi. J'en ai fait 8 Remarkables derrière l'écran de quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, Romain ? Ouais, trop beau. Que j'ai arrêté, trop compliqué, Azim. Comment ça, trop compliqué ? Ah, écoutez, je vais vous montrer vite fait. Encore un follower et après 150 followers sur Twitch, exactement. Il y a ça de mal qu'on est à un follower. Peut-être ce soir, on verra. Alors, je vais lancer l'appli Remarkable de base. Je vais vous montrer mon écran. Bureau 1. On discute, hein. Et après, on part en Teamflex. De toute façon, ils sont pas encore prêts, normalement. Je regarde quand même, il y a la notif qui est partie, ça c'est sur mon Discord. Ouais, ils sont pas encore prêts, il y a Crêpe qui est prêt. Donc ça c'est, vous voyez, c'est leur logiciel de base, désolé c'est un peu blanc. Et sur la Remarkable, du coup je peux avoir une page, je vais écrire, je vais montrer là, j'ai mis un T. Et je vais faire, moi je suis dans les starting blocks aussi. Ouais mais de toute façon je pense vers 21h on va lancer non, un truc comme ça. Je vais lancer du coup le live beta. Donc là, je lance live beta, connecting to live beta. Normalement, j'ai un truc qui va arriver là, voilà, accept. Voilà, et voilà. Donc là, vous voyez à l'écran ce que moi, je vais dessiner. Alors, Remarkable, hein, si vous nous écoutez, hein, bien sûr. On a vendu les mérites de cette tablette. Mais alors, par contre, ce logiciel-là, regardez. Donc j'ai ma tablette, ok. Je vais écrire dessus. Donc là, déjà, il faudrait que je sélectionne le crayon. Pour écrire, vous prenez le crayon. Ça fonctionne beaucoup mieux que quand on prend la gomme, d'accord. Je prends ma tablette, d'accord, parce que je suis content, et j'écris. Donc là, je lève pas le crayon du papier, enfin de la tablette. Rien ne se passe à l'écran. Rien ne se passe. Je lève, ça apparaît. Mais en quelle année sommes-nous? Pourquoi ils ont pas fait un truc live? En quelle année sommes-nous? Je vous le demande. Je vais créer une nouvelle page. Je crée une nouvelle page. Le logiciel. Le logiciel, j'ai une nouvelle page là, elle est blanche. Les gens ne voient pas ce que je vois sur ma tablette, c'est faux. Vous nous mentez. J'écris dessus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne marche pas. On est scribble, yo. Vous pouvez avoir la même gueule maintenant que les cracks là, ça pourrait meilleur. Cette arabesque. Voilà. Yes, t'inquiète, t'as le temps, pro tips, dessin. Donc du coup, moi, quand j'avais testé ça, j'étais en mode, bah écoute, ok, c'est de la bêta. On ne va pas l'utiliser, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas bien du tout. Hop, c'est de la bêta. Mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire. Je dégage cette merde. En plus, c'est très très blanc, mais bon, ça, on n'y pourra pas grand chose. Attendez, Hop, voilà, j'ai mis mon retour quand même. Mais, Rolfi, qui est ici présent dans le chat, nous a envoyé un lien tout à l'heure d'un petit logiciel. Trouvable sur GitHub, d'ailleurs je vais vous linker le lien. Je vais juste le récupérer sur le Discord, attendez, excusez-moi. Bien entendu, dans le channel Les Devs du Dimanche de chez Briquette, hein, pas de mon Discord à moi. Vous avez les deux Discord où je suis présent en faisant point d'exclamation Discord si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le lien, copiez le lien pour ceux que ça intéresse. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément une Remarkable sous la main là, mais voilà. Voilà, qui a Remarkable ici, voilà. Effectivement, je sais que tout le monde n'a pas forcément ça sous la main, hein. Mais si jamais ça vous intéresse, voilà, vous l'avez. Il faut qu'ils prennent le truc open source et ça fonctionne mieux, histoire de ne pas perdre de temps de dev. Exactement. Donc je vais lancer le truc. Alors, il y a juste un mot de passe. Alors, est-ce que vous allez le voir? En vrai, c'est pas très grave parce que... Ok, vous allez pas le voir en plus. C'est un mot de passe, mais sur mon réseau privé. Donc à moins que vous habitiez à côté de chez moi, que vous êtes sur mon même réseau internet, je veux dire wifi, mais... internet et que vous ayez mon mot de passe, vous pouvez peut-être effectivement voir ce que ma Remarkable va afficher. Et là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et en fait, on a un screen mirroring, comme les gens aiment bien l'appeler, qui est juste... Alors, il est pas ultra... Encore un truc en Python, ouais. C'est encore blanc. Mais par contre, quand je commence à écrire... Merci. Merci, si j'ai fait une nouvelle page, voilà, et ça fonctionne très très bien, je fais une nouvelle page, et ça fonctionne très très bien, on voit même un petit point rouge
là où il y a mon crayon si je n'appuie pas. Allô, les gens de Remarkable. Si des gens, pas de votre boîte, ils ont réussi à faire ça, c'est que vous êtes capable de faire ça quand même. C'est votre produit, messieurs, dames. C'est marqué dessus, Remarkable. C'est pas marqué là parce que c'est la coque. Mais c'est marqué dessus. Voilà, voilà. Donc, trop content. Pourquoi ? Parce que, eh ben, si jamais on fait des stream dev, etc., etc., je pourrais vous refaire des magnifiques schémas en faisant genre... voilà, ça c'est le front. Alors vous verrez ma magnifique écriture, en plus je suis gaucher. On fera bien entendu du React, hein, parce que quoi faire d'autre en front qui communique avec un back, bien entendu. On pourra écrire back comme ça, bien entendu en Node.js, parce que je sais pas pourquoi les gens font encore du Java. Qui communiquera avec, bien sûr, une base de données en 3D qu'on... Bon, par tout hasard, on prendra MongoDB, encore une fois. Voilà, hop, qui communique comme ça, etc., etc. Voilà, et on pourra faire des trucs dans le genre. Ça se voit que tu es gaucher, ouais, j'écris très 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 mal. C'est des stagiaires qui ont fait le soft, mais c'est clair. C'est giga fluide en plus. C'est trop bien. Je suis trop content. Alors, il y a une petite différence. Il y a une petite latence, mais qui n'est pas très grave. Parce qu'en fait, la fluidité est là. C'est juste qu'il y a une petite latence que quand j'écris. Pardon. Moi, si je dis, je vais vous dire quand est-ce que je vais faire A. Et au moment où je relâche le A, je vais relâcher le crayon, d'accord. On y va. A. Alors, je sais même pas si c'est une grande latence, je l'ai même pas vu moi, mais voilà, exactement, un frontiste. Alors, nous, on est full stack. Full stack JS ici, bien sûr. Mes technos préférés étant celles que j'ai un peu notées au final. Donc, on a du Node.js, bien sûr, avec un petit serveur express. Hein. Sachant que j'ai fait, en entreprise, en fait, je fais de l'Angular. Donc, j'ai fait les deux, j'ai fait du React et de l'Angular, mais j'ai plus fait de l'Angular en ce moment, mais je préfère React. Malheureusement, mon travail, c'est de l'Angular en ce moment. Il y a 30 secondes, à peu près, ouais. Donc voilà, donc je suis content parce que, encore une fois, il n'y a pas de câble. Vous voyez, il n'y a aucun câble branché, c'est pas un tour de magie, je peux faire le tour comme ça là. Il n'y a aucun câble branché. Full stack et JS. Ah, je sais que ça fait crier certaines personnes ici, mais oui, full stack JS. Full stack JS, je suis désolé, Rolfi. Il y a peut-être un jour, ils mettront un thème dark sur le logiciel. Parce qu'en fait, vu que c'est que des nuances de gris, il suffit d'inverser la colorimétrie et t'as un fond noir et t'écris en blanc, quoi. Ça serait stylé en vrai. Ça serait stylé, MongoDB. Il y a des développeurs là sur le chat un peu. En fait, je me tâte à... Mais je sais pas si j'aurai le temps de le faire en live, parce qu'on doit faire un petit site là pour le classement, pour la scène quiz. On doit faire un petit site, mais vraiment un truc... un petit truc machin et tout là pour afficher le classement ici. Je me tâte à le faire en live ou pas, on verra. Mais pas du même côté. D'accord. Ouais, moi les pots. Je vais acheter un stream deck pour faire des bruits et tout, ça y est, ça me chauffe trop. Je vais l'acheter, je sais pas combien ça coûte, je crois que ça coûte cher en plus. Ça coûte 200 €. Non, je sais pas combien il coûte le plus grand là, parce qu'on va prendre le plus grand. Hein. Est-ce qu'on regarderait pas ? Est-ce qu'on regarderait pas en vrai ? Pourquoi prendre le plus petit quand on peut prendre le plus grand en vrai, en fait ? Stream deck. Un peu cher quand même. Ça coûte 8 Remarkable. Parce que bon, lui d'accord, il est à... Voilà. 94 € 6 touches, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 6 touches? Tu peux stream avec 6 touches, mais pas 15. Donc il est à 150 à 15 touches. Et il est à... ok, il est pas sur Amazon. Stream Deck Elgato, 32 touches, parce que ça ferait un peu cher, 460 €. Ouais, voilà. On peut le trouver potentiellement à... Sur Elgato, il est à combien? Alcorino, c'est des brunettes. Tu peux dessiner sur le soft et ça dessine sur la tablette. Ah, je vais tester, aucune idée. Alors regarde, acheter maintenant. Voilà. Ah, ça c'est marrant, ça c'est le micro que j'ai, mais je sais pas ce qu'il fait encore là puisque je l'ai acheté. Bon, 250. Rupture de stock. C'est pour ça qu'il est si cher sur Amazon. C'est des revendeurs qui les revendent plus cher. Ils sont malins les mecs. Pas du tout. Bon, on achètera ça quand il sera de nouveau dispo. Je le mettrai là, je pense. Je décalerai un peu mon écran ici, je le mettrai là. Ça sera parfait. Et on pourra faire paf et ça fera pu 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 lu, lu, pu pu. Non. Agathe, mauvais. Est-ce qu'on peut dessiner avec le soft? Non. C'est vraiment... Ah! On peut zoom, on peut rotate, on peut save screenshot. Ce qui est pas mal. Parce que pour rappel, on a quand même fait ça. Hein. Juste pour rappel. Pour ceux qui n'étaient pas forcément là quand on a fait les stream dev la fois dernière. On avait quand même fait une spec. Attention aux yeux. On avait fait une spec architecture en mode paint. Et voilà comment ça s'était passé. En vrai, c'est ok. On avait fait un joli petit paint des familles comme on les aime.
avec avec les différents les différentes technologies qu'on a utilisé et qu'on continuera. Hein. Ce projet, il n'est pas arrêté du tout. C'est juste que vu que je taffe énormément en ce moment, j'avoue que quand je déconne, enfin quand j'arrête le taf, souvent j'ai envie de faire un peu d'autre chose, même si j'adore le dev. Et c'est un plaisir de faire ces stream dev, mais pour me reposer un peu mentalement aussi, ça fait du bien. C'est des specs, ça, ouais. Petite spec technique là. Bien expliqué. Eh, y a petit full stack JS cœur en haut là. Je sais pas si vous le voyez. Eh. On est sur une grosse spec là. Full stack JS Care. Eh, on est sur quelque chose. Et du coup, si on voudra refaire ce genre de schéma, ben on pourra totalement les faire avec la Remarkable. Alors, il faut savoir que la Remarkable. Attendez, je crois que je peux changer l'orientation. Attendez. Comment on fait? Non. Il faut savoir que je peux transformer le texte en. Ce qu'on écrit de manière manuscrite en texte numérique aussi. Et ça, c'est pas mal. Regarde, on va faire un petit test pour ceux qui n'avaient pas forcément bien vu la fois dernière. J'irais all et je dis par exemple bonjour. J'essaie de bien écrire. Comment. Enfin, en fait, non, je devrais essayer de mal écrire, mais bon. Vous allez. Le chat. J'écris ça. J'essaie de l'écrire mal, attendez. J'écris vite. Bonjour. Comment. Vous allez. Le chat. Bien. Alors, bien sûr, il y a un contrôle Z. Et là, on peut le transformer en... Voilà. Vous voyez, du coup. Putain, mais vous voyez, c'est trop bien. Et on peut faire convert to text and send. Et après, on peut l'envoyer si on veut. Bonjour, comment... Eh. Taka, mais carré parce que c'est voulu. Non, regarde. 16/9. Non, elle est carrée sur les... Bah, en fait, ces côtés-là, ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Du coup, elle est carrée quand je veux montrer des trucs, on va dire. Pour pas, vous voyez, pour pas prendre trop de place. Voilà, en gros. Voilà. Même en écrivant mal, t'écris mieux que moi. il a trouvé. Donc voilà, c'est un peu ce que peut faire. Et bien entendu, on a la partie liseuse. Je vais vous montrer ce que je suis en train de lire en ce moment. Et après, on arrêtera de jouer avec nos trucs là. Alors bien sûr, on peut faire des dossiers. Oh, Lux, est-ce que Lux est là? Lux, je t'appelle. Parce que j'ai un dossier gaming. Je l'enverrai le clip au pire. J'ai un dossier gaming. Pourquoi? Parce qu'on a fait un call avec Lux la fois dernière avant de faire un Civilization avec des gens où il m'a donné des tips, des trucs et astuces et j'ai écrit 5 pages. Oui, 5 pages de Civilization tuto Civ Lux. Donc il y a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages et 5 pages. Voilà, bon, la dernière page qui est pas très utile. C'était voilà, je sais pas s'il est là, mais je ferai une petite vidéo Lux. C'était les différentes notes que voilà que tu peux voir. Du coup, c'était magnifique. Hein. On avait vraiment des trucs sympas qui nous ont bien aidé en plus pendant la game. Du coup, voilà. Donc on peut faire des dossiers, etc. Je fais un peu mon vendeur. Hein, et après on dira le prix. Non, pas du tout. Et du coup, j'ai bien entendu mon dossier favorites. On peut faire des favoris. Dedans, j'ai One Piece parce que je suis en train de lire One Piece puisque je n'ai jamais lu. J'ai commencé from tome 1. Voilà. Et je suis au tome. J'ai fini un tome hier, donc du coup j'ai un nouveau tome aujourd'hui. Je suis au tome, que vous allez voir apparaître là. 71. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien avancé dans l'histoire. Je kiffe, c'est trop bien. En fait j'avais déjà lu, mais beaucoup plus jeune, du tome genre 1 à 40. Et je me souvenais plus de tout. Faut que j'apprenne à regarder la caméra, ça va vraiment être un travail qu'il faut que je fasse. Je me souvenais plus de tout, et donc du coup j'ai recommencé du tome 1. Il y a de ça... 3-4 mois cet été, on va dire, à peu près. Et du coup, là, j'ai la Remarkable pour lire dans le lit. C'est juste incroyable. Et la qualité, vous voyez, elle est juste parfaite. Alors après, la Remarkable lit des PDF et des EPUB. Donc, j'ai juste transformé un CBS, parce que c'est ça le format des comics souvent, enfin, ou des mangas, etc. En PDF, tout simplement, avec un petit logiciel gratuit sur Internet, bien sûr. Et du coup, j'ai pu récupérer ça. Voilà. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer, parce qu'après, on va éviter de spoiler, bien sûr. One Piece, on sait jamais, même si ça date un peu, mais on ne sait jamais, je reviens à la page 1 pour ce soir, parce que bon, quand même. Voilà, et bien entendu, quand la Remarkable est en veille, Remarkable is sleeping, c'est exactement ce qui est marqué, Remarkable is sleeping, voilà, on arrête de faire joujou avec la Remarkable, maintenant, hop, pour info, pour ceux qui veulent savoir, ça coûte une 400aine d'euros, voilà, je suis désolé du prix, mais c'est la vie, voilà, c'est la vie. Est-ce qu'ils sont prêts ou pas, les gus, là? Il y a crêpes, il y a rhum, il y a romaine.
Il faut que je lance une fois le jeu avant. Attendez, on va juste lancer une fois le jeu avant pour vérifier que tout fonctionne. Pour vérifier. Tu peux écrire, lire, dessiner et créer. Exactement. Par contre, tu ne peux pas typiquement aller sur Internet. C'est le but. Alors, les connecteurs en Wi-Fi pour envoyer par mail des documents, machin et tout. Mais le but, c'est vraiment, c'est un outil de travail à la base, hein. Ou d'écriture, on va dire. Le but, c'est pas de regarder YouTube sur la Remarkable. Si vous voulez faire ça, achetez un iPad sur lequel vous écrirez sur une vitre. Voilà. Par contre, la sensation d'écriture est vraiment incroyable. C'était le but. Et c'est vraiment incroyable. Alors, est-ce qu'il y a un ODR? En fait, moi, quand je l'ai acheté, ODR off de réduction, si je dis pas de bêtises. Quand je l'ai acheté, Remarkable 2, c'était en pré-vente. Et donc, du coup, je l'ai payé beaucoup moins cher. Vous voyez là, elle est à 400. Ensuite, le crayon coûte 60 euros. Et la comment ça s'appelle? La housse ou la case, je sais pas comment vous voulez l'appeler, coûte une quarantaine d'euros. Donc ça fait monter un peu la facture, mais moi quand je l'ai acheté c'était en pré-vente et du coup la housse et le crayon étaient offerts. Donc j'ai payé 400 euros. Voilà, enfin 399 euros. Voilà, donc je crois pas qu'il y ait de ODR en ce moment. Les folios, voilà, c'est les folios qu'ils appellent ça. Et bien sûr il y a des mines, d'ailleurs j'ai jamais vu les prix des mines. Ah non, c'était 79 euros les bourres. 79 euros le... Alors moi j'ai pris celui-là. Parce qu'en fait celui-là c'est plus un truc où tu mets dedans. Alors que l'autre, vous voyez, c'est magnétique et tu peux soulever. Donc moi j'ai pris celui-là, j'ai payé 20 euros de plus. Mais du coup, j'ai pas payé 79 euros, donc j'ai juste payé 20 euros ma case. Et il y a des mines, puisque en fait, la mine s'use. Donc il y a des mines. Donc voilà, mais ils nous donnent 10 mines de base. 14 euros les 10 mines. Bon, 1,40 euros la mine. Allez, ça va, hein, ceux qui avaient des encres par cœur à l'époque. Hein. TMTC. Hein. TMTC. Hein. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe du coup? Oh putain. Ils sont tous ready, je crois. Ah, ça a discuté. Ouais, c'est très utile. Effectivement, Airdox est prêt. Si Lux toujours ready, c'est bon. C'était pour un ODR que je voulais dire. Mais ODR, c'est ça, hein, c'est offre de réduction. Du coup, non, c'est ça? Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a un ODR? La possibilité de transformer un texte à la main en texte tapé. Ah! Bah oui, justement, on l'a montré tout à l'heure. Ouais, tout à fait. C'est même l'un des atouts. C'est que ça, je crois que ça gère 25 langues. Et ça permet de... Du coup, les 25 langues sont traduisibles en... OCR, pardon. Ah, c'est OCR, ça s'appelle... Ah oui, d'accord, ok. C'est truc recognition, je sais pas quoi. Mais oui, du coup, oui. C'est l'un des buts, justement. Et du coup, bah, on l'a fait en live juste avant. Tu peux regarder un petit peu en arrière, si tu veux. Le but, c'est... voilà, effectivement, t'écris et ça le transforme en texte. Et c'est compris. Et je trouve que ça marche très, très bien. Reconnaissance optique de caractère, voilà, exactement. Je trouve que ça marche très, très bien. On a écrit deux phrases tout à l'heure. Une un peu rapidement et l'autre, machin, exactement la même phrase. Il a reconnu tout pareil. Tu l'as acheté où, la Remarkable? Je l'ai acheté sur le site Remarkable, tout simplement. Je l'ai acheté ici. Parce qu'il y avait l'offre, justement, de lancement, en fait. Donc, je l'ai acheté directement sur leur site. Voilà. Let's go. Je vais juste... Je vois plus mes chaînes suivies. Oh, jure. Ah, mais j'espère que Twitch va pas bugger. Twitch bug? Bah, écoutez, si Twitch bug, peut-être qu'on verra pas vos messages. Si je vous lis pas... Normalement, je lis à peu près tous les messages. Si je lis pas, c'est que Twitch bug et je n'ai pas vu le message. Mais moi, ça a l'air d'aller, Lux. Moi, ça a l'air d'aller. Bon, on va lancer League of Legends. On va se remettre. Bah, non, c'est bon, je suis comme ça. Je lance League of Legends. Je lance juste une custom en 2 secondes pour revérifier l'interface si on est bon. Juste en 2 secondes et après on part. Alors, c'est un peu un petit stream test parce que d'habitude je stream tout seul. Je stream très très souvent tout seul puisque j'aime bien aussi stream tout seul pour avoir une. Ok, le streamer 2 secondes max. Tiens, Nintendo Switch. Oui, j'ai la Switch, tout à fait. J'ai la Switch et la PS5. Juste, donc du coup, je disais. D'habitude, j'ai l'habitude. Je stream tout seul. Ce qui est très pratique pour pouvoir communiquer avec le chat, bien sûr, parce que quand on est tout seul, bah voilà. t'as combien de voitures? Bon, ah, dans le garage, là, je dois en avoir une petite... ouais, une petite 4N. Pas du tout. Et du coup, il me fait trop rire. Et donc, du coup, là, vu qu'on va être en... Déjà, on va être en game de LOL. En ce moment, je fais des jeux solo. Donc forcément, les jeux solo, j'ai un magnifique bouton qui est ici sur la manette de PlayStation 5 qui met en pause tous les jeux. Ou presque, sauf Demon's Souls. Demon's Souls, ça triche un peu. Dans lequel de garage? Celui de l'aile droite, parce qu'il y a le garage de l'aile gauche aussi. Et du coup, c'est les motos. C'est les motos. Et il y a un peu aussi les tanks et les trucs comme ça. Et du coup, donc c'est assez facile de lire le chat et de communiquer. Là, on va être en game de LOL. Donc déjà, il va falloir se focus sur le last hit, blablabla. Je joue mid, normalement, à moins que Romain me prenne ma place. On verra. Peut-être que j'aurai top ou ADC. Mais surtout, on va être 5 en même temps dans le vocal. Mais j'ai bien entendu une touche pour me mute. Et pour vous parler, donc j'essaierai de vous lire un maximum, mais j'aurai pas autant de réactivité que je peux avoir d'habitude. Donc
De toute façon, vous le verrez bien demain, par exemple. Ce sera un stream plus conventionnel, on va dire. Et puis, si ça vous plaît, si je vois que je gère bien, on refera des streamlots, puisque c'est l'un de mes jeux quand même préférés. Et c'est sûrement le jeu auquel j'ai le plus joué. C'est même pas sûrement, c'est sûr, à 200% en fait. Sauf que moi, je joue since 2011 et pas since 2018. Et donc, du coup, j'ai un peu perdu parce que j'ai fait des longues pauses dans le jeu. Donc, j'ai un peu perdu en niveau, hein. Alors attends, je me crée une petite game vite fait, juste on va vérifier les settings et après je rejoins les potes, ok? Alors normalement le LOL client il est là, F2. Le client s'affiche. Rager sur LOL, supérieur à manger des fleurs dans Horizon. Ah ouais, c'est effectivement un peu différent. Le client s'affiche là? Ouais, il s'affiche là le client. Non, c'est ça que je voulais afficher. Le client s'affiche. On va prendre par exemple, je sais pas, au pif, hein. Oups. Oups. Juste, je vérifie 2 secondes ça. Comme ça on voit si tout fonctionne bien. Et si tout fonctionne bien, eh ben je rejoins les autres en vocal et je pense qu'on partira, il est 21h. Je vérifie juste si les scènes c'est bon et puis voilà. Ah Camille, j'ai une question, je suis en train de jouer à LOL, quelqu'un sait si la purge fonctionne sur l'outil de Mordekaiser? Ah bah les experts League of Legends, si vous pouvez répondre. Est-ce que la purge, le cleanse, fonctionne sur l'outil de Mordekaiser? Je sais que la QSS le fait, mais la purge je ne suis pas sûr. Ah Camille, oui. Voilà, Romain qui, bien entendu, a la réponse. Alors normalement si je fais F3, on est en jeu. Magnifique, j'ai toujours mes raccourcis, toujours mes raccourcis. Et on va voir si la cam est ok. Bah voilà, la cam est ok. C'était un oui. Oui, oui, oui. Du coup, on est bon, hein. On va partir comme ça, ça me va, hein. Le son du jeu est un peu fort, non? Attendez, je vais couper la musique. Le son du jeu est pas un peu fort, là? Non, parce que bon, faut pas juste... Tu joues à The Last of Us Part 2. Alors en fait, on n'a pas fait The Last of Us 1. Mais on l'a en gratuit parce qu'on a acheté une PS5. Donc du coup on va faire le 1 et on va faire le 2 quand on aura le temps. Mais oui, c'est prévu. C'est prévu du coup d'avoir des petits let's play là-dessus. Bon, on entend bien le son, mais je vais baisser un petit peu, mais ça ira. Allez, je quitte. On va aller revoir les, on va aller voir les potes. Ah quand un stream Warzone. Oulala. Oulala, Warzone. Ouais, Warzone, ouais, 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 ouais. Non, en vrai, je suis pas très shooter en fait. Je suis très nul. En vrai, non, j'ai genre 300. J'ai combien d'heures? Je dois avoir. 150-200 heures sur Counter-Strike Global Offensive. Je vais vous dire ça. Mais j'avoue que les shooters, c'est pas forcément mon style de jeu préféré, on va dire. Et encore moins les shooters où quand j'arrive, je me fais tuer, je meurs, j'attends et après je peux rejouer. Et je... En gros, les BR shooters, j'ai un peu fait de Fortnite à la sortie. Mais typiquement, j'ai pas du tout touché à PUBG, j'ai pas du tout touché à Agent Z1. J'ai testé hein, Warzone avec un pote qui m'a dit vas-y, viens, on va faire Warzone. J'ai fait 2 heures et j'ai arrêté. Parce que ça m'a un peu saoulé. Voilà, voilà. J'ai combien d'heures sur CS? Attendez, je regarde juste ça parce que bon, c'est quand même un peu intéressant. J'ai 167 heures. Donc je suis pas non plus zéro. Mais voilà, c'est pas mon style de jeu préféré. Je préfère faire une petite game de LOL par exemple que faire une petite game de Warzone. Warzone. Allez, je vais rejoindre les potes. Du coup, attendez, je vais tester mon bouton pour mute. Ok, mon bouton pour mute fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Et je vais mettre mon retour de live ici. Voilà, comme ça, je vais voir quand est-ce que je serai mute et quand est-ce que je serai pas mute. Ils sont déjà tous là. Ils sont déjà tous là. On va aller rejoindre ce casque. Ah oui, mais du coup, là, vous voyez bien le casque, bien sûr. On est invité. Je vais vous montrer le client quand même. Alors, on a un super overlay pour le client. On est vraiment en top qualité. Écoutez, on va les rejoindre. On va leur dire bonjour. Et c'est parti, bien sûr. Je vous lis. Je suis avec vous. Vous me dites s'ils sont trop forts en vocal? Normalement, on a stream avec Airdox, donc ça devrait aller, mais si jamais, je les baisse un peu, ok? Il n'y a pas de souci, ils sont sur un flux séparé sur mon voice meter, donc je peux les baisser très facilement ou les monter très facilement. Et s'il y en a un, on entend un peu moins, pareil. Allez, je les rejoins. Bonjour, les gars. Ouais, bonsoir. Hey, on l'appelle la monocouille. Et quoi? Ah non, ouais, non, ouais, j'ai rien dit. Ouais, ouais, ah, c'est bon, non, ici. Quand on parle du loup. Quand on parle du loup, il a dit. Alors, non, pas du tout. Ouais. Mais les parties génitales vont très très bien. Mais merci de vous en soucier. Putain, des barres. Voilà, ça va être comme ça toute la soirée. Hein. Erdogan, bon, vous connaissez, c'est un peu skin avec. C'est un peu fort, peut-être. Bah, c'est Flash qui s'en va, donc c'est full. Ouais, ils sont un peu forts, ils sont un peu forts. Je vais les baisser. Où est Flash? Où est Flash? Ah oui, il nous faudrait Flash. Il relance le jeu. Je me fais attendre. Et en fait, il est déjà parti. Non mais le mec crée le groupe et après il bug. C'est ça.
Il m'appelle okay. Et tout en mode ah bah c'est bon, on est prêt, bah on est prêt mes couilles hein. Ah, let's go. Oh, on a une line-up en plus ce soir. On parle beaucoup de couilles ce soir là. Ah là là, on parle beaucoup de couilles ce soir. Vous me dites le son s'ils sont un peu trop faibles, mais normalement on n'est pas trop mal du coup, Bon du coup je suis en live hein, donc du coup des fois je me mute très vite off pour parler avec les gens du chat là. Il y a 2-3 personnes qui nous regardent. Ne se saille. Mais je suis là. 2-3 personnes. Je vous entendrai à chaque fois en tout cas. Donc même si je suis mute, je vous entends, faites attention parce que bon, quand on parle de monocouille. c'est vrai. Mais qui continue. Alcor. Je dirais tout à votre. Ah, j'avais le live d'Alcor là, j'ai cru que. Enfin, du coup, ça s'affiche au milieu, son client, et j'ai cru que j'étais mid, genre. J'ai essayé de changer mon poste sur le live d'Alcor en fait. Ah oui, il y a le client en gros, hein, en effet. Hein. En effet. Hein. Erdox, c'est un con. Erdox, il pète des. Moi, je rigole trop avec Erdox. Je pensais que tu avais mis ton pseudo book, c'est un con. Comment ça, j'avais mis mon pseudo? Je pensais pas. C'est-à-dire Tu pensais pas. Et c'est mardi. Je vais relancer. Ah, bien sûr, la classique. Hein. Mid first. Thanks. Voilà, hop, c'est à l'ancienne, bien sûr. Hop, pick order. What? Alors, on aime bien commencer les petites games en se trollant dans le chat à l'ancienne. Pour ceux qui ne connaissaient pas, à l'époque, on pouvait pas choisir sa line avant de commencer une game. Hop là, il y a ses bad. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est quelque chose. Pour aujourd'hui ou c'est pour plus tard hein. C'était quelque chose. Non, pour plus tard, je crois. Pour plus tard, ok. Et du coup, on disait dans le chat, okay, okay. Post en premier. J'ai vu les on était là, machin first. C'est cool. Et c'était un peu la jungle. Ou 15 time is relative. Wow, time is relative. Ouais, mais enfin, ça a été up, mais après, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vrai que vous le saviez peut-être. Erdox qui est en train de parler, je vais vous mettre l'overlay peut-être. Tu as transformé en Mega Gnar. Il faut que j'enlève la musique. Et t'as plus ton passif du Z. Erdox qui est en train de parler là, c'est un main Gnar, genre il a plus d'un million de points sur Gnar. Je sais pas ce que c'est Gnar. C'est un truc, t'es gentil. Oh, on est gentil quand même avec le petit Erdox. Ah, d'accord. Il nous a pas juste fait galérer sur des énigmes sur We Were Here pendant 10 ans. Non. Sérieux, c'est lui ça. Oui. Il aimerait bien. Mais le passif de Gnar, c'est juste de se transformer déjà de base. Ah oui. Et le passif du Z de Gnar, c'est en gros, c'est comme une les marques de Vayne. Je les ai un peu baissé encore, un tout petit peu. Je trouve leur voix un peu trop forte par rapport à. Ah bah voilà. Ta marque après 3 coups. Bah justement, je viens de les baisser un peu, je peux rebaisser un poil. En fonction des PV max. J'ai rebaissé un poil. Vous me dites. Eh ouais! Ah oui. Est-ce que vous voulez voir Gnar AP en plus là? Et Aliona et Orm? Attends, parce que la dernière fois que t'as sorti Gnar AP, c'était une catastrophe. Non, en vrai, les gars. Si vous prenez. Ah ouais, mais non. Et là, mais ça va? Si je parle en même temps que lui? Il a pris. C'était catastrophe! Catastrophique! La dernière fois, t'as dit les gars. Mec, le but c'est de se faire plaisir. Le but c'est de se faire plaisir avant tout. C'est ça le jeu vidéo. C'est vrai ce que tu dis. La dernière fois qu'il a dit allez, les gars, il a pris ferme à top, les gars. On s'en souvient mais Luc, t'as pas un temps quand tu gagnes. Encore un peu, mais je pense genre Erdox seulement pour l'instant. Ah oui, j'ai baissé juste Erdox du coup. En vrai, t'as raison, il parle fort. Ouais, vas-y, enfin, plus fort que. Parce que Crêpe, par exemple, il parle pas très fort. J'espère qu'il me le laisse. Bah oui. Voilà. J'avais dit à Crêpe de me le pique, là j'ai un mauvais pressentiment. C'est dur, les petits live à 5 là, on est chaud. C'est bon. Il est là, ce pique. Oh, c'est Victor. Jure, j'ai Agiku en face de moi. Qu'est-ce que. Bah. Je prends Xeras quand même, hein. Ops. Ah oui, alors, bien sûr, on prend la Magic Resist. On est sur un petit. Petit Victor des familles. Victor, c'est fort en vrai. Hein. Victor, c'est fort, mais nous, on va jouer chill. Pff. Moi, je farm. J'attaque de loin avec Xeras. Il voulait prendre Kane, il sait pas quoi pick, tu vois. Et après, je mets des. Je mets des snipes au loin et je tue les gens. C'est comme ça que je jouais. Là, je pense que c'est bien. Tant mieux, parfait. En plus, je peux me les augmenter pour moi. Parce que c'est encore une fois une piste séparée. Ça, c'est un réel plaisir. Juste, je suis obligé de tourner la tête à chaque fois. Si je tourne la tête là, c'est que je regarde mes configs. Hein. C'est pas que. Effectivement, la caméra est là. Bonjour à tous. Ok, c'est parti. Non, pas ça. On prend ça. Eh, let's go. On veut que des wins ce soir hein, pour Flash. Wep. Des bases, j'étais pas trop censé être là, mais. Enfin, c'est vrai si, plus ou moins. Ah, il t'a demandé Flash hier. Ouais, mais j'avais répondu à voir.
Non, c'est pas moi Alcor cette fois. Voilà. On va voir s'il va faire un pentacle comme toi la semaine dernière. Léona Jungle. Je crois qu'ils ont pas swap. Oh non. Oh les runes. Oh la tristesse. Ouais, c'est... Attendez, je vous dis ce qu'on a en face. Plat 3 pour Graves. Il enchaîne les games avec nous. Il se tape Lucian Jungle into. Ouais. Argent 1 pour Miss Fortune. Gold 4 pour Victor. Oh, ça commence tranquille ce soir. Gold 2 ouais, pour Léona. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont oublié de swap. Ils ont oublié de swap. Oui, oui, c'est ce ouais, ouais. Ça fait une demi-heure qu'on le dit. Ouais, ouais, crêpe, ils ont oublié de swap. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 ouais. Par contre, attention quand même à un truc, c'est qu'elle a un rush phasique et elle va full gank en fait. Donc, ouais, elle va gank, gank, gank. Ça flash, c'est voulu. Hein. Ça va. Level 2, elle arrive à, avec flash E sur une lane. Je vous après, et sur papier, ils sont vraiment moins forts que d'habitude. Il hein. Y a aucun diamant, c'est du. Il y a l'eau plate, gold et argent. Hein. Donc bon. On va se faire retourner. Alcor, j'ai une idée. Attention. Oui. Alcor, j'ai une idée. Est-ce Dis-moi. Que dans la soirée. Oui. Tu ferais pas un pronostic sur ton chat? Oh ah. Putain, faut que je fasse un prono de si on gagne. Et je mets tous mes alcoins sur ma victoire. Oh, attends, on fait un Medjay? On fait un Medjay ou pas? On fait la course au Medjay. La course au Medjay. Ok, pas cette game, parce que cette game, on va la stomp. Je mets tous mes points et je parie tous mes alcoins sur ma victoire. Oh là 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 là, ok, ok, on va faire ça, on va faire ça. La game d'après, on fait ça. La game d'après, on fait ça, ça va être exceptionnel. La course au Medjay, le premier qui a Red Dead Redemption 2, The Last of Us, Assassin's Creed, Uncharted, God of War, Call of, Star Wars Squadron, Horizon. Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses sur PlayStation 5. Merci Eva pour la scène, hein, du coup. C'est grâce à toi que je l'ai vu hein, et que j'ai changé. Hein. On fait quoi, un invite ou quoi? Non. Non. Petite tapette. Petite tapette. Non mais là en fait, ils vont en fait non mais ils vont full warder en fait alors que moi sinon j'ai free invade donc OK. D'ailleurs faut moi que je sers à quelque chose ce soir. Oh ça va bah, t'inquiète. Non vraiment pas. Ils vont juste warder en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais Erdogs il est fou. Hein. Ah mais il faut pas invade. Non, mais lui c'est invade. C'est Anakin qui écoute pas les ordres de d'Obi-Wan. Parce que là vous ruinez mon start s'il me voit en fait. Oh il y a oh j'arrive. J'arrive. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ils sont tous là. Je suis prêt à flash au cas où. J'arrive, hein. Bon, j'ai perdu ma ward du coup. Ils partent. Oh, remonte, va top, ouais. Quoi, c'est on top, ouais, c'est ça. Donc, c'est Ron Weasley, c'est quoi ça? Ok. Mais what the fuck? Il a flash? Oh, il a plus de vie? Bien sûr, je vais péter la gueule là. Bon, moi je me focus. Le Graves est en train de start solo là. Ouais, c'est... Désolé si à un moment j'oublie de me mute et que je parle à mon chat. Ah oui, c'est Léona, c'est vrai. T'as besoin d'aide ou quoi? J'ai oublié. Vas-y, je suis full push là. J'ai raté deux creeps. Mais lui aussi. Non, il en a raté qu'un. Oh, j'ai raté trois creeps. Oh, c'est terrible. Oh, hein. La scène. Non, c'est bon. La scène est bonne. Attention à ne pas int l'early avec Léona. Ouais, faut juste jouer safe les premiers levels quoi. Ah ouais, c'est ça. Je rappelle. Et la comète, ça touche. Ok. Mais là, ils sont désespérés en fait parce qu'ils ont int leur champion select donc ils sont. Ils sont désespérés. J'ai raté à peu près 5 creeps, mais ça va. Ça va. Mais la pression! T'as pas 1m50, 0 creep. C'est trop ça. 1m50, MDR, F, you can't talk. Aïe. Ouais, là son ignore. Oh, si j'avais un Ignite. Hein. Il a quoi comme sort d'invocateur? Il a une TP. Je troll. 10 à 7. En vrai, il troll aussi. Hein. Je sais pas où est Léona, elle est peut-être là. Ok. Merde. J'étais trop loin. Ah non, elle est sûrement bleu. Tu t'as besoin d'aide ou pas? J'arrive. Non, c'est bon, je suis pas une. On peut la circle là. J'ai mon stun. Elle va flash. Elle flash. J'arrive là. Ouais, non, c'est bon, non. J'ai mis un bon petit poke à. Tu es là. Hein. Ouais, c'est bon, flash. J'ai mis un bon petit poke à l'autre là. Là-dessus. Je suis perdu un peu d'XP.
Concentre-toi, ma gueule. Ah, c'est dur là. Si j'ai le droit. Oui. Chouchou. Ok, Léona qui passe mid. Léona. Ouais, bah sur le carré. Léona, ouais, qui va bot. Putain, je troll sur mes creeps, c'est un truc de fou. Après, je vais peut-être aller la stopper en vrai. La buck. Je vais prendre la pression en plus parce que lui, il dort. Ouais, vas-y. Prends tout. Je vais la stop. Je sais pas si elle aura le temps de finir. Fuck. Voilà, elle vient de le faire. Attention, Léona ici. Oh merde, j'ai raté le Q-click. Elle est repartie chez elle. Par contre, lui mid là, il est déçu là. Ok. Ah non. Oh, j'ai trollé. Oh, j'ai... Oh. Ah, je l'ai dégâts que t'as pris. Ah, j'ai pris le rebond. Oh les gars, je prends aucun last hit. Et c'est même pas parce que je lis le chat. Fais gaffe à pas me prendre une Léona là. Ouais. Léona, elle a plus de flash, elle est moins dangereuse quand même. Hein, mais... Léona, elle est bot side, non ? Elle était bot side, mais. Là, elle arrivait, mais... Ouais. Après là, je pense que. Elle peut être n'importe où là. Il y a le Drake. Est-ce qu'on avait fait un ennemi ou un gros creep ? Ouais, mais... Elle est level 3. Max. Il va back le. Le Victor là. Ouais, Victor qui a back TP. Je vais pouvoir avoir l'avantage de la TP peut-être. Elle a refait ses camps là ou pas? Ok, ça se passe, ça se passe. Faut que je me. Bon, je me refocus un peu sur les creeps. J'ai envie de vous lire et tout et c'est trop chaud. Ah! Let's go. Flash. Elle doit être dans son top side, elle est là je pense, Léona. Je me prépare avec un Dark Seal. Je m'entraîne pour cette game avec mon Dark Seal. Après j'ai un Ignite. Hein. Et c'est pourquoi Kema lose ses games. Oh wait. Non mais c'est vraiment dur en vrai, c'est vraiment dur. En plus j'ai envie de parler en même temps, j'ai pas envie de les déconcentrer. J'ai envie tellement de dire ce que je fais. En vrai en solo queue, quand on fera de la solo queue, je full parle en game. Oh, j'ai raté le gros. Oh, dur. Ouais, bah la même. Oh là là. La même aussi. Ah, pixel PV. SS. Oh, la crash, non ? Faites gaffe, hein, le Victor. Ok, il a ward. Il a ward dans la bot side, le Victor. Je sais pas si c'est dans la river ou si c'est plus haut. En tout cas, il a ward. Il est 6. Je vais aller faire le carap bot. Tu veux que je prenne la prio ? J'aimerais bien que tu poses une arme ici, s'il te plaît, Alcor. Genre. Ok. Toi, il m'a agressé là. C'est bizarre, il fait aucune agression depuis tout à l'heure. Attends, je push et je vais ward. J'ai même une pink. Ouais, j'ai toujours pas d'infos sur la Léona. C'est parti. Mais elle est pas bot side, je pense pas. Après, il y a son bleu qui respawn. Oh, il y a Graves. Il vient de rewarder, il faut m'aider là. Ouais. J'arrive. Ouais, je me fais follow. C'est bon. J'enlève la pink. Merde. Et c'est pas une. Termine, il pour rien. Il y a tout dodge. Il y a Victor qui arrive. Je viens. Non, c'est bon. Je suis là. J'ai un. De l'autre côté du mur, on pouvait mettre un tunnel et y aller ensemble. Ah oui. Genre là comme ça. Ouais, MF est mort. Faut pas la hit, elle a un flash. Elle a un flash ou pas? Graze enlève la pink. Bien joué. Ouais. C'est pas grave, on va faire le Drake. Ouais, j'arrive. Elle est où Léona? Level 6, hein, donc. Putain, je sais pas. Probablement là en vrai, mais. Ouais, voilà. Il y aura tous les creeps. Ouais, elle est bot. On va pas prendre le Drake. Ah, oh, je le poke pas du tout. Oh, le Graves mid. Je suis là. Il a flash, j'ai flash. J'ai mon ult en follow-up et mes Q spell. Ah, je suis un peu loin. Tente le snipe, Alcor. Oui. Je vais essayer de le snipe aussi. Ah, dommage. Je peux lui mettre un Q, j'ai mis un Q, il est low. T'as un Victor là.
T'as un free victor ici, hein. Ah non, il est là. Allez, faut pas essayer de pas. Ah, dommage. C'est vrai qu'on a le combo Ezreal. Ça va être marrant, ça. Ok, on a pris le kill là-dessus, on est bien. J'ai juste pas de farm. J'ai une sur le stun, du coup, c'était fine. Fais gaffe, j'ai back. Oh merde, putain, j'ai back. Oh non, je suis pas mort en vrai, mais. Pas mort. Ah putain, j'ai rien. On a acheté là. Oh putain, 40 HP. T'as récupéré quoi là, de là-bas? Il y a un truc qui t'a suivi. Alors faut savoir que Lux c'est le meilleur de l'équipe, hein. Il est trop fort en jungle. Il y a Crep qui carry bot lane. En plus quand il est avec Flash, parce que Flash est trop fort. Et avec Ardox on fait des trucs. Mais tout le monde est trop fort en fait. Avec Ardox on fait des trucs. Ouais ouais. De toute façon il y a Victor ici. Victor là. Il faut que je tape un, il faut que je tape un raid là. Enfin, Victor là. Pour avoir ma plan de raid. J'ai touché. Est-ce que je peux lui mettre un petit E de loin là? Pas du tout. Victor qui a pris son poke. Oh! Dommage. Ah, nice. Nice. Très bien. Il a quoi, il a flash? Je vais venir. Et non, il a juste couru. Il y a de l'autre sur moi? Non. Il décale? Je peux décaler. Je peux décaler. Ouais. Victor est loin. Victor est loin. Oh. Je vais le rater. Je vais le faire dans le feu. Je vais voir si ça sera. Tu prends. Oh non, dommage. Il y a Victor, si Victor. Il est avant. Il a son ult, hein. Faut pas qu'on se pack. Dès qu'il est là, go in. Ouais. La MF. Je passe par le mur, mais let's go. Putain, j'ai 6 secondes d'ulti. Je suis pas vu, hein. J'ai 6 secondes d'ulti, ça va être chaud. Je prends des formes, hein. Ah, voilà. Ah, pas mal. Je suis pas bien. Oh, merci. Ah, chi. Arrête de faire ça! Mais putain, pourquoi j'ai chargé mon Q-spell? Je suis en troller. Oh, le cadeau. Le je te laisse tous les creeps. Oh, je suis un troller, il a plus de vie. En vrai, je peux TP et ult. Ah non, mais dans 18 secondes. Oh là, j'ai trollé. Oh, j'ai trollé. En plus, j'aurais pu lancer mon Z avant d'être stun. J'avais pas mon flash. Allez, on y retourne. Je vais TP, je pense. Oh, si tu peux le. Oh oui! Oh! Attention, il y a. Ouais, il y a deux personnes. Je TP, flash. Oh! Eh, flash, il est détruit. Outplay massif. J'arrive. Monte par au-dessus. Ah, dommage. Oh, ça touche. Oh, je pensais pas que ça touchait. Oh non. Ah, encore un. Encore un. Oui. Ah! Oh non. Il a un HP! J'arrive, hein. J'arrive maintenant. Vas-y, go, crêpe, j'en ai continue. Ah là! Il a dash, il est ici. Ah, il est là, il est loin maintenant. J'aurais pu me faire en vrai. Xera sur Arbad. Ouais, je fais le tir sur la MF. Elle m'a dash, putain, fais chier. La MF, elle est bot. On répondait pas au taunt de l'adversaire. Elle est bot, c'est rien. On l'a vu. Par contre là, je suis déçu de partir avec si peu de vie. SS le Victor, attention. Et ah, Léona. Léona, et il y a Victor qui est peut-être là. Hein. Les gars, Flux. Oh, je les descends, je pense. Ouais, Victor. Tu peux venir ou il pas a son ult, hein. Ah bah. Ouais, je vous attends. Je suis loin, je suis très très loin, j'ai pas d'ult. Ok, vous avez pas besoin de moi. Ok, bon, d'accord, vous êtes trop fort. Hey, let's go. Je mets un tunnel là. Est-ce que je lui dis YouTube ou pas, Léona? Ouais, non mais. Non, on ne répond pas. On la bienveillance sur League of Legends, ok? La bienveillance sur la faille des invocateurs. Quand les jambes commencent à te sortir ça, par contre. Quand Jésus s'est fait frapper sur la joue gauche, il tend la joue droite. Ah, tu flash qui. Je suis pas sûr qu'on puisse faire un truc. Ouais. J'ai pas d'ulti en fait. Non plus. Mais putain, tous les creeps que je rate, par contre, c'est abusé. Ils arrivent tous les deux, attention. J'ai pas d'ulti, hein. Je veux pas les jouer. Bah, faites gaffe du coup. J'ai pris deux plaques là-dessus, par contre. Je vais prendre mon raid, je vais farm un peu là. Oh, je peux peut-être le snipe ou pas lui?
Sauf s'il commence le Drake, auquel cas j'arrive. Bon, ouais, il m'enlève la vision. Oh. Ok, je reviens bien pour récupérer farm. Attends, j'ai des boucliers là. Le mec va back, hein, il est lourd. Ouais, vas-y. Enfin, elle va back, non, elle est là. Oh non. Ouais, elle est mid-line. Ils sont par là. J'ai un flash. En espérant qu'il ait le temps de charger. Bien, bien, bon, prends la troisième là. Et normalement, on en a deux autres. Allez, charge, charge. Putain. Oh le connard. Non, mais il a chargé à 14-01, genre. Qu'est-ce que c'est là, mais... Oh les rails. Il va me tuer ce con. Ah c'est bon. Le shot que... Lui il meurt. Hein. Je vais te chercher. Oh il l'a pris, il est trop fort. Tu l'as eu en plus mid non? Ouais. Bien joué ça. Bon désolé, je suis un peu focus, c'est tendu. J'adore le jeu. Je panique pour un. Le dragon. Prends le mid et j'arrive. Ok, on a Luden. Il y a la pink hein. T'as vu Erdox? C'était pour toi celle-là. Hein. Oui, elle est propre hein. C'est la tienne celle-là non? Elle est depuis un moment. Oui, oui. Enfin, non, je viens de la mettre. C'est une vraie game de top laner ça, vous êtes tout seul? Je l'ai augmenté un peu parce qu'il parle plus trop fort maintenant. On a Darkseid à 3, j'ai du flash par contre. Tout mon flash. J'ai 3000 gold. Des fois ma touche smite elle marche pas genre. Ah d'accord. Là, j'ai smite encore. Ah d'accord. Mais... Fais gaffe, t'as Grave, tu vas être entouré flash non? Y'a Leona topside. Top side. Bah là, Leona elle est en roue libre là, elle est en 0-4. Mais elle est... Ouais, c'est ça en fait. Mais ils sont ravagés en fait. Hein. Leona mid. Hein. Ouais, Leona mid. Ah, j'ai vu. Merde. Oh, pff. D'accord, voilà, flash. Fais gaffe, il y a du peuple là. Oh, bien joué ça. Ah, il y a un instant de flash. Fuck. What? Ah, mais d'accord. Mais j'ai même pas pu jouer. 0-0-0 Erdox non? Mais bah j'ai 0-0-1. J'ai pas le kill à Lux. Ah oui c'est vrai. Je t'honore mec, je t'honore Erdox, je pense que c'est grâce à toi qu'on a gagné. Ouais je pense que c'est grâce à moi les gars. Putain j'ai rien foutu de la game genre. Et 1-0-1-0 en 15 minutes. J'ai juste farm. Putain. Oh la game. Mais j'ai même pas eu le temps de stacker mon Magi. 27 LP 38 J'ai fait 38 LP moi. J'ai fait 38 mais quoi? Mais je suis loin en même temps. Mais what the fuck par contre 38. Mais c'est pas les matchs de placement pourtant. J'ai fait combien de dégâts Je suis gold de 4. Ouais mais je viens de passer gold de 4. Je mets pause et ça gagne nous dit Romain. Bah ouais. Artstuck. Quoi po 4-4. Ah ah ah. Attends. Oh il est sad lui. Bon le profil. Oh lui il a perdu des games non? Je vais lui mettre try. Enfin, je crois qu'ils ont vraiment oublié de swap hein, parce qu'ils jouent, ils spam Graves. Mais comment le mec peut dire Artstuck Gold 4 alors que t'as 20 games? Ah, c'est ça. Un moment de longueur games, Dan, 15 mines. Ce genre hop. De mec. Ah putain, attendez, j'ai un opening à faire. Je viens de me faire add. Ouais, moi aussi, je lui ai mis. Je l'ai add, je lui ai dit try, we want longer games than 15 minutes. Ouvrir. On a eu Sivir, Tristana et Udyr. Et des essences bleues. Ah, ils étaient très sad. Hein. J'ai un truc là à ouvrir. Le sel des gens. Ah, c'était rigolo. Et c'est avec qui que j'ai fait une game là? C'était avec Crêpe et Naughty, c'est ça? Qui sont partis en full insulte. C'est vrai? Ouais, hier une normale game en plus, une normale game. Ah oui, normale. Oh là 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 là, les gens sont ravagés sur le jeu. Hein. Ouais, ça me donne envie d'arrêter de jouer au jeu des fois. Faut être tranquille sur League of Legends. Vraiment. Moi j'aime bien jouer à 5, parce que du coup on a une bonne ambiance dans l'équipe là, et ça tryhard un peu. Il y a personne qui league partenaire de toute façon là. Et en du live. Coup c'est tranquille. Non, tu peux cracher sur le jeu, vas-y.
Riot Games ne nous regarde pas. Mais c'est pas forcément Riot Games là pour le coup, là c'est vraiment que les gens en fait. Oui, non, mais c'est la commu, c'est la commu. Mais déjà quel est l'intérêt à la Leona de dire you're noob, you're bad Xeras? Ouais, grave. Alors, même si c'était le cas, même si c'était le cas. À moins qu'elle essaye de me descendre psychologiquement pour remonter la game. Peut-être. Ouais. Ah peut-être, oui, peut-être. Peut-être, bah... peut-être. Mais bon, mais quand même. Tactiquement, même c'est ça, pas très beau quoi. Bon. Tactiquement, c'est pas très beau. Leona que j'ai 1v1 dans la jungle, bah. Oui, j'ai vu. Oh là 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 là. Na. Ils ont ban Masaki. On continue. Encore. Ça ban Yasuo avant aussi. Ça ban souvent. Mais j'ai pas eu le temps de tester mon pouvoir strike. Hein. Oh, 7. Alors soit top, soit top, soit support. Soit jungle. Ça flex. Oh, c'est pas une Camille. Pourtant, 7 c'est le premier counter de Camille. Mais... Oh, on n'a pas Fanta pour nous jouer une Camille contre 7. Et là, je prends Karma. Oh non, non. 1-0 1-0 Lux. Allez, la team flex. Point d'exclamation flex dans le chat. Bien, hein. Point d'exclamation flex. Il faudrait que je mette un compteur 1-0. Mais bon. Oh putain. Ça marche pas? Si je refais une game comme ça, quoi, genre. Ah si? Juste où. Ah. Et Moombot, t'es un peu lent. Hein. On fait que ça, bon. What the fuck, le Moombot qui est un peu lent, quoi. Ensuite, FF à. Ah oui, je vais faire un combat de skill shot. Prends Lux, je t'en supplie. T'es content en vrai. Ah oui. Prends Lux, je t'en supplie. Il va prendre Lux. Ah oui, c'est vrai que c'est possible. Oh non, pique, hein. Invocateur 3 là. Oh là là là. Oh non. Oh là là. Oh ah ouais, là là. J'en suis sûr, j'ai ban Graves exprès. C'est qui Nikki là? Quelqu'un du chat? Il m'a ajouté moi aussi. Ah, il t'a ajouté toi aussi? Ça, je vais regarder qui c'est, ça doit être de la game d'avant. Oui, c'est la game d'avant, mais il m'instant cancelled. Ah, c'est la game d'avant. Moi, il m'a ajouté, je pense qu'il a voulu me dire t'es nul. C'est la Leona? Mais non. Ah, c'est la MF. Oui, non, c'est la MF, mais elle disait t'es nul aussi, donc bon. C'est vrai? Ah, j'ai envie de l'ajouter pour dit, savoir ce qu'elle veut dire. À Crêpe, ouais. Bah, moi, comme par hasard, j'ai rien reçu, tu vois. Donc. Le mec, il a fait 0-0-1. Je pense que j'ai été bon, les gars. Moi non plus, bon. la Leona non plus, elle m'a rien dit. Mais gros, mais tu sais, genre pour eux, ils étaient. C'est pour 1v1, non? Ouais, hein, peut-être, en vrai. T'es trop fort, merci, Flash. Peut-être c'est pour un petit 1v1. Tiens-moi. Il faut pas croire, en vrai. Là, j'ai joué, je pense, honnêtement. Après, je suis pas un boss, mais je pense que j'ai joué à. Allez, à 60% de mon niveau, quoi. Bah oui, mais la top lane, elle commence à jouer après. J'ai tout raté, quoi. J'ai tout raté. En vrai, oui. Bref, mais c'était marrant. Mais en fait, et cette team est si forte que j'ai pas besoin de. Là, il est fort, l'Ardox, il a reparlé, il s'est réveillé. Ouais, ou faire une TP. Hop. La team est si forte que j'ai pas besoin de carry. J'ai pas besoin de carry, la team est trop forte. La team est trop forte. J'ai juste TP une fois pour aller en top. T'as pris 30% des crédits de ta lane aussi, c'est exactement ça. D'habitude, ça se passe à peu près mieux. Je pense que je suis pas un trop mauvais farmer, mais là. Sur un plateau. J'ai les doigts froids, ça doit jouer. Excuse de merde. My fingers are cold. Cold. J'ai les doigts froids. Ok. On acceptera après le gars qui nous a invités, on lui demandera ce qui se passe. Avec toute la bienveillance du monde, bien sûr. Allez, c'est parti. Ah, y'a un gars qui a pas ban, tiens. J'ai fait pas ban. Katarina mid. Bah, je vais prendre Syndra du coup plutôt. Ce sera plus efficace. Contre Katarina, je prends Syndra parce que je peux la repousser instantanément avec mon E. Même si je touche pas une boule, ça la repousse et du coup ça cancel son ultimate. Ce qui fait que c'est fort. Après, je vais peut-être. En ce moment, ça se joue un peu AD. Yasuo avec Gnar. Et Syndra, c'est propre. Ouais, Gnar, oui, ouais. Ah bah si, ton press R, mec, ça synergise bien. Oui. Après, faut être réactif, hein. C'est à Crêpe, on parle de Crêpe, là. Ça dépend. Oui, si je mets un ulti bar, mais en plein milieu, il va avoir le temps de réagir, t'inquiète pas. J'avoue. Oh, putain, t'imagines, l'ulti bar à 3, là, ou 4, boum. Ah ouais, là. Oh, Jay, stop. Ah, j'ai pas de skin, putain, il me faut un skin sur ce champion. Et c'est parti. Je joue Syndra aussi actuellement. C'est vrai, Camille, Syndra, c'est mon perso préféré. Même si je spam Xeras en ce moment. Non, en vrai, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est l'un de mes persos préférés. Pensez à récupérer vos skins avec Prime Gaming. Ah, putain, faut que je fasse ça. Je le fais jamais, putain. Je suis un troller.
J'adore Syndra, j'adore Xeras, j'adore Riven. Et je vais mourir. J'adore Fiora. Je les sens. Riven, c'est peut-être le perso que j'ai le plus joué à l'époque. Au moins une fois. Top lane. Qui puisse te die. Mais Syndra, je pense que c'est le perso avec lequel je suis le plus fort. Je pense. Jace. Aujourd'hui, aujourd'hui. Même si je suis pas très fort. Olaf. Olaf. Barbo. Olaf Jungle. Ouais, ah, ils ont une compo. Ah, ils ont une compo un peu squishée quand même là, non? Quoique. Attends, mais t'as pris Malphite, Lux? Ah oui! Malphite! Ah oui, c'est vrai! Ah ouais, voilà, ouais! Je savais pas que tu jouais ce champion. Si, mais attends, mais. Sympa, est-ce que t'as pris ça parce qu'on a un super Yasuo? Bah, en partie, ouais. T'as réfléchi à la compo du coup? Non, mais. J'ai pas le level. Arrive, ouais. Ah non, mais moi j'ai pas le level, toi oui! Voilà. Moi je suis pas ouf, because sup supérieur à mid. Ah non, mid supérieur à sup. Ah non, tu parles de toi peut-être. Tu parles peut-être de toi. Ok. Bah, je sais pas, j'en sais rien. De quoi? Je crois que c'est QAD. Quasiment pas. En fait, j'ai pick Nico. A gagné qui troll looks be like. Ah, le cerveau! Dark Harvest, c'est pas ouf. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. Ouais, non, mais Lux. Alors, on est sur un gold 2 pour le Olaf. Un argent 1 sur le Jhin. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Un plat 4 sur... Il va me ruiner en early, par contre, le Olaf. Il faudrait une cover, là, si vous avez... 4 sur Katarina. Argent 1. Moi, je vais... Moi, je vais cover, là. Plat 1, Jace. Je veux bien des covers en bot. Et gold 2 sur... le dernier que j'ai pas dit, je sais plus qui c'était. Lux. Lux, ouais. Exactement. Excusez-moi. Parti. Il y a bien quelqu'un, là. Oh non, la scène marche pas. Ouais, je sais la scène. Du coup, moi je vais là. Oups. Ah si, c'est bon. Oh, ils sont là. Merci. Attention à la cage de Lux. Ils sont tous en bot? Non, ils sont 3, 4. Tu vas wardé pour le moment. Ouais, ils sont tous en bot, je crois. Du coup. Elle a un Ignite, Katarina, faut que je fasse gaffe, tous les coups je me... Ils ont wardé ou pas? Ils ont wardé là. Là il y a Olaf. Ils sont partis par contre. Voilà, moi je les ai remontés. Hein. Ah, il y a Katarina qui est encore en train d'essayer de faire des trucs. Ah, il y a Lux, attention, il y a Lux, vous voyez Lux? Ils sont là, ils sont là. J'ai pas mon stun, j'ai qu'un Q spell moi. Ah voilà. Ok, ok. Ah, mais là il y a Olaf là. Oh, mais... voilà. Oh, j'esquive tout sans faire exprès. Il y a un gars là, j'esquive tout sans faire exprès. Ah, y'a Jace qui m'a sauté dessus. Ah le bâtard, il m'a proc un œil recut. Ah mais t'es là? Putain, fallait me ping Erdox. Bah en fait, j'ai même pas vu que j'étais là donc. Laissez-le prendre l'aggro, hein, évidemment. Donc Katarina est mid. Par contre, je suis un peu déçu. Au pire, je starterai tout seul. Hein, mais... Après, j'ai mis un peu de dégâts à Olaf. Mais merde, putain, mais je suis un troller, enfin je suis le pire troll. T'as raté Smite? Mais non, mais j'ai flash à la place de Smite. Oh, dur. Enfin, n'importe quoi, désolé. En plus, non mais enfin c'est honteux. On l'avait en plus, il a Smite sur un mauvais timing. Ah, je suis un hunter. Désolé. Ouais. Putain. Elle va vouloir Midnight, hein. Elle va vouloir 2-0 Midnight. Olaf sur un truc comme ça, c'est... Bon, c'est pas grave en vrai, mais... Bah, en vrai, on est perdu. Bah, boss, on a plus de plume, je pense qu'il va abuse. Mais... Non, je pense qu'il va m'abuse moi, je pense, mais... Oui, je pense. Ah, et tant mieux. Tant mieux, en vrai. Moi, si ça me délaye un peu, c'est pas grave. Elle a ward là. Vu que t'as la balle quand c'était noir, elle a plus d'exo. Ok. Elle est dans le buzz, genre. Il a pas fait les golems, je pensais qu'il est frais. Non, il a laissé tes golems, hein. En fait. Il avait plus de vie, hein. Moi, ouais, je vais y aller. Hein. Ça farm sur la mid lane. Ah, si elle vient me battre, je suis content parce qu'il y a plein de creeps. Après, elle a un midlane, faut que je fasse gaffe. Ok. Ouais. Top, il est très très low. Et il est où? J'ai pas de... Enfin, j'ai Inter, donc je suis out de la game, là. Pour le moment. Ok, ok. Dommage. Dommage. De toute façon, de toute façon, vu le temps que je mets pour faire mes camps, là... Merde, j'ai pas à m'avoir, du coup.
Elle est dans le bush. Ah t'es le creep. Dès que j'ai mon win wall, on peut la fight. Je pense. Elle a pas d'exhaust. Ah elle joue peut-être AD la Katarina en vrai. Elle est partie épée longue là. Elle joue AD ouais. Merde, je suis trop con. J'ai pris des runes. Des runes des mers. Pourquoi on voit tout le temps des kata AD là? C'est quoi cette histoire? Il s'est passé quoi? Ah, j'ai pas eu le. Je joue à CC. Ah, y'a Olaf mid. Ok. Ah, j'ai pas stun. Oula! Elle a flash. Oh, prends, hein. Ah. J'ai pas de mana. J'auto, mais. Ah putain. Fuck. Il peut pas te tuer. Ah putain, le cookie, j'aurais peut-être pu prendre un cookie Q-spell. Elle est dans le bush. Ah, j'ai pas pensé au cookie, je suis un troller. Non. En vrai, ça reste worse, je pense. Y'a que le Olaf, il faut le respecter en early, c'est tout. Là, il faut vraiment le respecter par contre. Ah, j'aurais peut-être pu te sauver, putain, je suis un troller. Non, mais moi, j'ai plus de flash parce que j'ai fait n'importe quoi au level 1. Oula, faut que je fasse gaffe là. Oh putain. Parce que là, elle me dash dessus, Amy Knight et je meurs. Je m'en fous, je fous les balles. Ah, j'ai pas ça. C'est parfait. Et en vrai, je vais prendre ça. Hein. Elle fait des dégâts AD du coup. On est d'accord. Je suis gros là d'un coup. Y'a Olaf sur moi. J'arrive. Katarina descend, vous avez vu Kata là. J'ai back, je peux pas venir. Regarde, Olaf est là. Katarina ici, attention hein, Kata. Je peux venir par dessus en vrai. On y va. J'arrive mais par en bas. Ok, j'arrive par en haut. J'arrive par en haut. Je t'ai fait. Ok, je tempo un peu. La Lux first. Nice, Kata. On va dash. Le Q-spell. Ok, elle est slow. Elle a pas de creep derrière. Elle a un creep derrière, elle a flash. Non, c'est moi qui flash. Ah. 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 Ah putain, plus de toi, t'es gagné. Elle est back. Ah oui, non, mais en fait, elle est même pas obligée de back. Elle a des pots. Elle a plus d'ignite. T'aurais pas dû t'aider à plus. Elle a plus d'ignite. Ok. Ouais, elle a plus d'ignite. Après là, je passe si je la tue. Hein. Si elle fait pas gaffe, ah ouais je vais j'ai mis 2 Q-spell déjà. Oula. En fait, je la tue. Oh là, quoique. Oh la dash, bien joué elle. Elle a pas peur. Hein. Oh. Par contre, je vais me prendre un Olaf, non? Il est où l'autre? Il est où? Il est où Olaf? Ah, oh, je vais me prendre un Olaf. J'ai peur de Olaf, je vais reculer. Olaf va peut-être venir me faire chier sur mon raid. Attends, je vais mettre une pink là. Pas que je push. Ah, Olaf et Odrek. Il est là. Il vient. J'ai pas de mana. Non, j'ai pas de mana. Oh putain, je pense. Oh, j'ai trollé. Il est parti. Ah non. Non mais c'est pas grave, je back de toute façon. Olaf ici. Ah j'ai trollé, j'avais pas de mana, mais je suis un débile. Il a freeze. Bah bien joué à moi. Ah c'était 100% win. Je pouvais pas perdre. J'ai pas de mana. Oh je perds tellement d'XP en plus. Pas pire que Romain qui fait pas son item de mana. Hein. Ah j'ai trollé. Est-ce que Alcor va nous faire, parce que là il a fait avant en bras. Non là je pars sur... Je pars sur l'autre truc. J'ai tout entendu. C'était le but. Olaf ici. Ouais bah laisse tomber. Oui non t'inquiète. Ouais laissez lui hein. Y'a le blue. Oh je suis si triste putain. Pourquoi j'ai pas regardé ma mana? Au pire laissez lui le blue hein. Je sais pas s'il va essayer de le faire mais... Ça c'est parce que j'ai plus l'habitude de jouer en vrai. Vraiment. Si je le vois sur le blue, je vais chercher dans putain, ça. J'ai la moitié du 5 moi. Je pense qu'il a back. Ah, SS Kata, hein, je sais pas où elle est l'autre là. Putain, avant elle a 2 kills, j'ai 2 assists. Je suis bien déçu là. Kata est revenu. Elle a un level d'avance. Il me lâche mon bleu. Sympa de sa part.
très sportif. J'aurais pu la tuer tout à l'heure en plus. Putain, j'avais vu que j'ai fait ça en premier là. Bon, je suis obligé de respecter. Hein. Je prends au moins le gros. Ça push normalement. Il manque pas grand chose pour le 6. J'ai pas que spell secret. Ah, y'a Olaf. Y'a Olaf. Ah, j'ai pas du tout la pris au mid. Hein. Là, elle va me détruire. Il a rien à prendre, il a rien à prendre donc je lui laisse. Non, 4, 5. Okay. Ah, y'a 2 kills sur crêpe en vrai. 2 kills sur Pox. Il est mid, il va. Je suis level 6. Hein. Ok, y'a Olaf mid, je sais pas si. Attention, Olaf est mid, je sais pas ce qu'il fait. Prend la wave de son. Je sais pas où est partie Kata par contre, hein. Elle était full life, elle a back. Ah oui, elle est bot. Elle est bot, ouais. Trouvé. Et lui, on le tue ou pas? J'ai. Oh merde. Je sais pas pourquoi tu les as ultis par contre. Ah, oh, le flash. Bah, y'a un Jin 300. Ouais, il a flash. Ouais, mais enfin, j'avais pas mon proton. S'il avait pas flash, je le stunais. Oh, attention, Kata. Ah, y'a, j'ai la Katarina sur moi. J'a... Ouais, mais okay. Recule, recule. Hein. Il prend 200 de dégâts de plus, ouais. Tu vois. Ah, je pense que ton ulti, tu devrais le garder quand il ulti lui. Comme ça, ça le. Katarina, ouais, prochaine target. 400, ouais. 700 gold. Elle a eu un Kata. Je me mets mid sur Kata. Attends, vas-y, il faut que je back là. J'ai mon chapitre perdu. Et, t'inquiète. T'inquiète, t'as une minute. Hein. Oh, elle a pris. Ah oui, elle a pris le doublé. Oh fuck. Ouais. Olaf sur le carap. Je peux venir, mais je pense pas qu'on puisse. Après, on a de quoi la cesser. Ouais, attention, il y a Kata qui décale. Il y a Kata qui décale. Ouais, on a de quoi la cesser la Kata après. Hein. Faut juste qu'on la focus bien en teamfight. Ah oui. Mais il va vraiment bien falloir. La focus, va pas falloir troller quoi. SS. Il a même pas fait le premier Drake, on est à 11 minutes, en vrai on est. Attention hein, je sais il pas où est Kata encore une fois. Fais gaffe top hein, y'a peut-être Katarina. Ça let's go. GG mais y'a peut-être Kata. J'ai fait que je stack mes warp, j'ai pas. Enfin c'est pas un mais, c'est un. Et y'a peut-être Kata. Je vais essayer de faire le. Oh non. Oh j'ai pas envie de le rater celui-là. Okay. Fais gaffe, ils sont bots. Ils ont fait Drake, y'a peut-être Kata avec, ouais, je sais pas trop. Ok, ouais, Kata est revenue, elle a back, elle a juste acheté. Oh putain, la lame du roi. Ah non, c'est bon, lame du roi déchu. Ah, y'a TP top j'ai... derrière toi. En vrai, je pense, lui. Il arrive. Kata m'a agressé. Du coup, je l'ai empêché de bouger. Allez, ferme ta gueule. Il a TP ouais. Flash, incroyable. Ouais. Ah, du coup, j'avais dit que je le mettais sur Kata, mais là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, non, mais là, c'est c'était pour sauver Erdox là. Et puis. Putain, en j'aurais vrai... pas. Par contre, je suis. Si tu, bon, mets la... si tu tapes un peu la tour, Erdox, je viendrai oui. Mettre Herald. Oui, bah, c'est pas mal. Hein. Je suis obligé de la respecter. Pas tout de suite. Faudra peut-être back avant, mais. Oh putain, Olaf. Olaf top. Qu'il a ouais, pinké d'ailleurs le tribush. Check Herald. Par contre, il y a 80 creeps pour la fin. Okay, bon. Il est level 8. Je vais pas avoir le temps de finir. Sous soul, parce que j'ai pas envie de les go in, mais genre. J'ai un peu les go in avec mon. Elle est morte. Ouais, mais. Putain, elle est pas morte. Elle va mettre sa cage et tout. Ouais. Oh, ah, elle a rien. L'Inite qui me tue. Elle va être tendue là, mais. Oh, la cache. Ah, la régène avec je sais pas quoi. Mais... Faut les flash, mais. Ah, je suis dégue. Avec les niveaux d'avance, c'est chaud. Arf. Il est là, il continue genre. Bah c'est un. Et honteux. Bah je t'ai dès que je peux. Hein. Mais il fait ouais, quoi. Je pense il qu'en fait quoi Kraken on pourra les fight. Ah, Kata SS, est... attention Kata elle, mon... elle est peut-être en train de monter Kata. Ouais. Kata arrive. Ok, nice. Tempo. Ah merde. Ouais, ouais. J'ai pas du tout. Je vais trade un peu et régène sur mes heals hein, si on arrive à l'aider. Je vais me faire dive. Y'a Kata ici ou quoi? Ouais, y'a Kata derrière nous. Y'a Kata derrière nous. J'ai vu. Après ouais, elle est loin. Il a plus d'ulti, plus rien. Ouais, c'est pour ça. J'ai pas d'ult. Oh non. Oh oui. Joli. Oh joli. Kata, oh, ouais. J'ai de quoi la stun. J'ai de quoi la stun. Je la laisse dash. Ok, je l'ai pas stun. Ah bah la dash. Attention, elle a pas son ult. Ah si, elle a son ult. Oh non. Oh. Pff. Ah les reset. Ah oh, elle a 7 kills. Elle a pris trop de kills en early. C'est abusé. On la banne pas genre à chaque fois.
on l'oublie. Trop de personnes. Lui, et lui, il prend pas la tour par contre. Hein. Bah, c'est parce que je banne Fizz tout le temps, mais je préfère jouer contre Kata que Fizz. Hein. Mais là, elle a pris double kill bot, elle a pris un kill, je sais plus comment au début. Lui, il est mort, pardon. Oh là, si tu joues aggro, c'est qu'elle fait trop la genre. Ouais, alors en vrai, je vais commencer à push ta way, je pense. Vas-y, push. Ah, la Kata, elle va faire. Elle va piquer, ouais, elle va piquer. Mais on a de quoi, c'est pas perdu. SS mid, attention, SS mid, elle est peut-être partie bot. Ouais, après, c'est qu'elle mount level, elle est level 11, putain, mais plus d'un niveau d'avance quoi. Je back. T'as ton item? Ouais, avec le Kraken. Ok. J'ai commencé à jouer avec Yasuo là en vrai. Lol, merci. Ah, mais oui, j'ai trollé level. Ouais, au début, je suis level 6. Hein. Sans mana aussi. Je vais faire ma jungle un peu là. Elle est revenue. Et quand sur mon prochain ulti, j'arriverai au bot. Après, on peut la tuer, mid. Hein. Elle a pas. Enfin, remarque, elle a pris des mercuries. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a, cette... Il y a 1000 gold sur Kata aussi. C'est trop loin. Ouais, je pense. SS, elle est peut-être montée. Elle est peut-être montée, Ardox. Je sais pas où elle est. Ouais, je. Moi, je suis en troller. Hein. Ok, la ward. Soit la ward, soit. Je sais pas, elle est montée là-haut là. Elle est revenue là. Elle a pris des mercures en vrai. Ah putain, ça fait chier les mercures. Ah, mais là, c'est chelou comment ils jouent là. Kata descend. Oh merde. Oh, t'es dans une sauce flash. Bébé, il t'a fait quoi, c'est grave, hein, on reste. Ah, je peux pas, je vais juste push. Oh, j'aurais dû push direct d'ailleurs. Ouais. Les mecs, ils jouent. J'ai un ulti. Non, mais sur la tête de ma mère, ça va pas, c'est chiant. Je vous jure, mais putain, à cause de ce bug de merde de Mark, du Z, du Dugnar, j'ai pas réussi à le buter, c'est trop chiant. J'ai en vrai, Gorom, flash Gorom. C'est ouf, putain, c'est ouf. Bot il joue trop dès qu'on engage il recule, on n'arrive pas à les atteindre. Je vais vous faire un ulti bot. Putain, casse les couilles. Le truc c'est que j'hésite parce qu'il y a 700 gold sur Kata aussi. Mais bon, je pense que. Un bot sinon. Mais le truc c'est que tu peux doubler bot, va bot hein. Faut pas aller venir bot avant, je pense. Ouais, mais il me les manque les kills de toute façon pour la. De toute façon, ils sont là. Hein. Là, il y a Kata et il y a Lux, on la voit. Je peux pas trop follow Akata parce que dans le bush elle me détruit. Ah ouais, oh putain, y a Olaf. C'est vrai qu'il y a le Drake. En vrai, on peut les fight là. Hein. Ouais. Ok. J'ai stun Kata. Attention Kata, hein. Flash. J'ai pas mon stun. Ok. Salut Fanta. Kata. Oh non. Oh la fosse. Ah, elle va me tuer. Ah, il a tellement de rage, le mec. C'est ça, mais. Je pense qu'il fallait HP ou là. Hein? Ouais, je suis d'accord. Double kill. Oh, 9-2. Ça va être chaud. Putain. Allez, Chucky a eu l'interrupt là? Non. Ah, c'est toi, c'est Alcor. Ok, c'est fine. Ouais, c'est moi. Faut faire de l'antil, ouais. Après, moi je commence à avoir des ultis vachement souvent quand même. Là, je vais finir, mes bots parce que là j'avance pas et je vais faire ça. Game, on a un bien meilleur. Et après, je finirai mon. Attention, Lux. Après, je finirai mon Zonia. C'est pas grave s'ils prennent la tour là. Donc ils la prennent avec les creeps d'ailleurs. En flash. Flash, il a pas de tunnel hein. Non, il me manquait 2 secondes encore. Oula, ça wardait là, il y a Kata en plus qui était sur la décale. Ok, ça sera Lux. Ok, il y a du monde mid là. Lux, en vrai, il faut que je lui mette un truc. Il y a du monde mid, la tour à genre 37 HP, ça va être un peu chaud, ouais, je pense. Non, mais laisse là, hein, sinon. J'arrive, j'ai un ulti, hein, s'il continue. Ouais. Hein. J'ai un flash ulti. Hein. Faut Kata. Hein. Si tu flash ulti, c'est. Ok. MP. Je pensais que j'avais les deux. C'est pas grave. J'ai calqué mon E, attention à la Kata. Enculé, ils sont beaucoup là. Oh non. De toute façon, Jace qui nous arrive. Jace, on l'a vu.
On peut peut-être complètement là. Non, cours, reculer. Ils ont des ressources encore avec la Kata là. Oui, Kata Olaf. Hein. Et Olaf, il est très dangereux aussi. Bon, il y a Kata qui arrive, mec. Ah, je suis obligé de t'abandonner. Moi, je pense que je survis. Ah non, peut-être pas. Ah non. Elle est très très mal. Hein. Elle a 9 kills. Hein. Elle a 9 kills. Oh putain, non. Bon dégâts, ça. Y'a Kata au-dessus. Ah, ils vont sur la T2 top là. 8% de mid. D'accord. Non, je pense pas qu'ils vont Nash. Ah non, putain, je vais mettre là. Qui est ulti top là si. Ulti bard. Elle est level 13, Kata, genre. Oui, Kata, ouais. On a Yasuo à côté. Hein. Oh putain, ils ont Nash. Putain, t'avais raison. Non, c'est un Herald. C'est un Herald. Je te disais, what the fuck. Attends, mais. Je suis à côté, j'ai un ulti. Hein. Ah putain, mais elle a 4 kills elle aussi là. Et des level 2 en plus. On a piqué la Lux. Ça, je vais récupérer mes bots. J'étais en mode le Nash, comment il peut le faire aussi vite tout seul et tout. Mais ouais, du coup c'était l'Herald. Herald c'était plus plaisant. Attention, on voit personne. Oh là ouais. Courage. Je pose mon autre pink là. C'est quoi le Jace là? C'est bizarre. Je sais pas. Non, après, pas... mettre un ult dessus, c'est un peu du hint. Ah, quoi qu'il a 450. Non. Vraiment pas. Putain, mais il a 0-1. Il y a Olaf au-dessus. Hein. Vous l'avez vu, Olaf au-dessus. Ah, ouais, faut essayer de stall la game là en vrai. Donc. Ah, oui, là, faut tempo. Hein. Ouais. Merci. Ah, attends, je vais monter. Ah merde, il me voit. Oh. Il y a Lux qui est là, genre. Oui, les gars. Oh, pfff. Oh vraiment! C'est my bad, j'ai pas Zonia, putain. J'aurais dû Zonia, en vrai c'est ma faute complète là. J'aurais pu Zonia, j'aurais même plus le style step, j'aurais pu le flash. J'ai pas pensé en fait à ce qu'il allait faire ça. Ouais, clairement. Bon après, je me suis fait détruire de si loin. Toi t'as un ulti sur un. Ah, lui il troll. Attention, hein. Elle m'a mis une auto-attaque, elle est quitte. Ah, elle va être dure celle-là. Non, vas-y, prends juste la wave pour le moment. J'ai le bot. Prenez des blue trinkets, évidemment. Ah, trop tard. Ah, putain, la salope. Merde. J'aurais peut-être pas dû aller bot. Ah, les dégâts qu'elle fait. Elle meurt là. Oh non. Ouais, open. Hein. Level 1, ça nous abusait en vrai. Ouais, en vrai, oui. Mais il n'y a pas que ça par contre. Il n'y a pas que ça. D'accord. On va tenter un truc. En vrai, c'est pas mal. Oui. La flash. Oh, joli stun. Putain. Mais je me suis tué par quoi? L'Olaf, non? Bon, elle était dure celle-là, Gamble level 1, ça a mis Lux derrière. Ah oui, je suis mort moi comme une merde parce que j'ai pas vu que j'avais mon ult. J'avais pas de mana pour mon ult, j'étais sûr de moi de la tuer. Il me manquait Pixel. Olaf a start 2-0. J'ai pas d'ulti encore, là je vais l'avoir. Il a fait très 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 mal, il a repris un kill ici. Il m'a mis super low. C'était chaud. Ok, bien joué. Putain, me lag, putain. Ouais, top. Putain, ça slow bien cette merde. Hein. En vrai, les gars, je vais dire en archi débile, mais ils sont fladés. Hein. Il y a juste Lux quoi. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Lux, il y a quand même Kata. Kata, elle fait des dégâts AP quand même là. Elle fait un peu de dégâts AP, mais c'est beaucoup de l'AD. Mais Lux, elle fait mal. Hein.
Donc de toute façon on peut pas faire que armure je pense. Ouais, non, pas non plus. Merde. Oh, je peux pas jouer, je peux pas la jouer, j'ai pas de... Oh non. Ah ouais, la Zonia quoi, sinon elle est morte hein. Ha, il faut attendre. Oh tu go in là. Oh peu importe, je crève, mon bas les couilles, il est mort celle-là. Ça heal. Vas-y, cours. Je te save hein. C'est boire. Ok, j'ai... Ouais, j'avoue, c'est mon jeu. Il est low, hein, le Lushan, là. Le Lushan. Le machin. Elle, elle est en cage. Je peux te follow. 150 gold, vas-y, tente. Ah, bon. Tu sais, au point où on en est... On est que deux, hein. Non, la game est pas loose, hein, donc... C'est pas loose, mais... Si on peut tenter des trucs... Oula. J'ai stun l'autre. Ok, pas mal. Oh non. Ah non, par contre, là... Elle a eu le temps d'ulti alors que tu l'as ult, la tristesse. Ça, non, vrai. Ah, ça m'a tué, j'aurais dû... Oh, ils ont tous les deux 2 HP derrière. J'aurais pu Zonia. Magnifique ultra, là là. Elle a... En plus, elle a le Zonia, l'autre, là. Elle a le Zonia, du coup, elle a tempo. Elle a pris des dégâts de mon ult, mais après, elle a tempo. J'ai bien tapé le Jhin au-dessus. J'ai attendu mes CD pour remettre à chaque fois des coups. Mais j'ai pas pu suivre Erdox, qui est le Gnar, qui allait très très loin. Ah, c'est chaud. Putain, j'ai pas utilisé ma stopwatch. Voilà, de toute façon ils vont finir. Non, ils peuvent pas finir, je pense pas. Non, ils peuvent prendre des inhibs. Ils peuvent le top. Quoique le inhib mid, en vrai, j'ai un ulti. Il y a Lux derrière, attention. Ouais. Je suis mort. Oh putain, je suis cessé, je peux même pas. Putain, je peux même pas Zonia. J'ai pris. Putain, c'est quoi qui est ma route là? Ah, c'est le truc de Jhin. Oh, je joue pas bien. Je joue pas très bien. Ah, c'est pas mal ça. Y'a Kata dedans en plus. La Kata, Kata. C'était pas mal en vrai. Tempo Lux, tu peux. Ouais, je tempo là. Ah, c'est chaud, c'est chaud. J'arrive dans 5 secondes, j'ai mon ult. Parce que je me suis fait instant. Putain. Je suis en 2-8. Jay, c'est en train de push top, c'est ça qui est chiant. Ouais, je vais. Ça sert à rien que je le suive. Peut-être... Fais gaffe, Erdox. Okay. Je peux peut-être sauver ça. Tu oublies ce que je vais être rigolo. Ah, okay, il est carrément allé au-dessus quoi. Ah oui. Oh non. Oh bon, laisse tomber. Cours vite ce con putain. On a rien. Ça va commencer à être compliqué. Ils ont un soul, ils vont avoir le Nash. On a 3 init down. Faudrait les comboter au Nash, mais le problème c'est qu'il faut qu'on défende la base en fait. Ah, puis aller jusque là-bas, ça va être très très dur. Après, sur un enchaînement parfait, on a un stand Kata. Oui. Après, il y a Jace, il est pas en fight aussi hein, depuis tout à l'heure. Hein. Oh, ce qui vaut mieux. Moi, je pense qu'il vaut mieux que j'ulti Jhin et Lux, hein, je rigole pas. Ah non, il faut que j'aille à toi. Faut que je prenne de la. Il faut défendre là. Il faut défendre. Ah, ça, c'est sur ma gueule. Vas-y, ma gueule. Attends, c'est quoi du coup? Touché 430. Ah mais non, putain, j'ai pas vu, monsieur. Oh, regardez pas. Hop. Oh, en vrai, j'ai peut-être bien fait flash. Ouais, ouais. Si tu peux go, je te suis. Hein. Ouais, je vais go, mais... Ah, mais croyard, ça prend la fin.
Ah, j'ai le temps de juste, mais j'ai pas le temps de Zonia. Je sais pas si je te les stun là, Lux, en vrai. Bon, GG. Bon, elle était dur. Elle était dur, on a très mal commencé la game. On était derrière dès le début, on a pas réussi à remonter. Ils ont bien joué, ils ont joué tranquillement, mais sûrement. Et on a fait des erreurs, on est mort trop de fois. Aïe aïe aïe. GG. Bah, on est parti très 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 mal. Boulou. J'ai mis un honneur au pif. Moins 7. Ben, je vais me refaire des maths gold 2 quoi. Ça se fait qu'on fait des scores comme ça et des... Enfin, les LP, ils ont changé un truc là ou quoi, parce que... Moi j'ai perdu moins 11. Hein. Moi j'ai perdu moins 7. On perd rien, on gagne plus 30, c'est... C'est moi. Je suis en plat de 4 quand même, enfin c'est... Vous vous rendez compte qu'on fait plus 12 en solo queue en gold 4 et en plat de 4 on fait plus 27 en flex. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Aucun. Ah c'était dur. Bah allez. Souvent on en perd une dans la soirée, du coup là il n'y a plus que des wins. Bon les gars, ça vous arrive de temps en temps d'en perdre une dans la soirée. Oui. Donc, ouais, c'est une. Après on là, avait quand même dit full win. Là c'est plus que des wins. Ouais, non mais full win, il faut honorer les... C'est toi qui as dit full win. Hein. Il faut honorer les ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, petite défaite de temps en temps, ça part sur 3 victoires derrière et puis voilà. Voilà, c'est ça quoi. Avant, on a troll au début, il prend 2 kills, ça nous met mal. Moi j'ai troll au milieu, je prends 1 kill alors que j'étais sûr de la tuer, j'avais juste pas de mana comme une merde. Et derrière ça snowball et... compliqué. Ils ont les persos pour snowball. Puis voilà, c'est un peu compliqué. On lance ? Il y a Meku qui m'avait demandé si... Ah oui, merde, mais désolé, je pense qu'il faut que je donne le lead parce que... Enfin, je suis désolé. Ouais, tu dors là. Mais non, mais c'est d'habitude, c'est pas moi donc. Mais vous inquiétez pas, je relance. Tu disais quoi sur mes coups? Il disait la dernière fois est-ce que vous avez des champions dans les coffres Extech et pas des fragments de skin? Je viens d'ouvrir 3 coffres, j'ai eu 2 champions. Ah ouais? Attends, moi j'ai des trucs à. Le troll. C'est quoi ça? Ouvrir, c'est quoi ça? J'ouvre. J'ai eu des clés. Et 10 et 150 essence bleue, nice. Les coffres ne me servent plus à rien. C'est de la merde. Walcor, est-ce qu'on fait le pari Medjay là? Mec, c'est le moment, vas-y. C'est parti. Attends, je pense tuer sur internet parce que... Xeras. Écoutez les amis, on va vous faire un bet. Bon, je vous l'explique à vous aussi, vous pouvez participer ceux qui ont des points. On va faire un bet. Qui finira avec le plus haut Medjay entre Alcor, bien sûr, et Flash. Flash qui joue support, hein. Mais Flash qui est très très fort. C'est juste parti. Si à égalité, on fait quoi si à égalité? Si à égalité, c'est le support qui gagne. C'est Alcor qui gagne. Si à égalité, c'est Alcor qui gagnera puisque c'est lui le streamer. Donc voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ouais, clairement bien. Yo Lenny. Alors attendez, je vous prépare ça. Commencez la prédiction. Donnez un nom. Alors, on va donner un nom. Qui va gagner le défi Medjay? Hop, réponse A. Alcor, parce que c'est A. Réponse B. Flash. Je vous laisse. On va laisser quoi 2 minutes. Let's go, et c'est parti. Donnez-moi le pari. Les amis, salut Lenny du coup qui vient d'arriver. On est avec à 5 personnes là sur le vocal en train de faire du League of Legends pour la dernière de Flash. Petit défi pour ceux qui ont des points de chaîne. Alors, bon Lenny, tu dois pas en avoir beaucoup puisque t'es là depuis pas longtemps, mais merci à toi de repasser parce que t'es là hier et avant-hier. Et on est du coup sur le défi, vous pouvez prédire qui rush. Alors vous pouvez prédire, vous pouvez changer le montant. Oh putain, je me tape Leona, Leblanc. Belle cause, gars. Il est où le pari? Le pari est dans le chat du coup. Vous pouvez changer le montant, vous pouvez ne pas mettre que 10. En bas vous changez, vous pouvez mettre 10 000, non, ou 10 000. Je vais rentrer dans votre jeu, je vais partir sur Vega. Hein. Ah, il peut hein. Ça serait trollesque. Oh, il a fait ça putain. Allez, TP Vega. Mettez des points, hein. Mettez des points. Moi je miserais sur moi perso.
Tu vas jouer avec qui? Vous le faites en premier item, on va le faire au plus vite dans la game. Non, 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 ah non, je joue pas aussi, je veux dire, je joue pour le... On va le faire au plus vite. Oh putain, ils ont Mastery, Vayne. Oh là là là. Le blanc. Oh là, mais les gars, mais là, c'est fini, hein. La compo en face. Là, c'est fini, hein. Là, parce que votre règle de... ouais, je sais pas quoi, là... Mais moi, je joue Medjay de base, de toute façon, c'est pas très grave. Ah, mais toi, t'as pris Veigar du coup. Ah non, mais moi, je joue pas à leur jeu. Je parlais pour le pari. Donc, c'est en fin de game, celui le plus haut. Et si on est à égalité, c'est Alcor qui gagne. On va se faire détruire. Enfin. Si on est à égalité, c'est Alcor qui gagne, ok. J'ai mis 1000 sur toi, tu as intérêt à pas de main. T'inquiète, Akami, je vais tryhard comme jamais. Je vais tryhard comme jamais. Mais non, mais. Et c'est parti, les gars, on tryhard comme jamais. Hein. Je viens de all-in dans toi. Merci, Lenny. Ça, all-in. Moi, j'ai Akami et Lenny qui sont avec moi. Voilà. Après, c'est Ken, j'ai pas dit que j'allais pas faire de Medjay, tu vois. Mais la dernière fois j'ai joué on a fait une botlane où j'avais Veigar et on a stomp avec Flash, hein. Vayne Janna, il a pris 20 causes. Il coûte cher, hein. J'ai pas intérêt de perdre. Oh là là. Allez, mais... oh, il y a 15k. Il y a 15k en contre. Ah non, il y a 16k sur Flash. j'ai mis 11 500. Et 7k sur Alcor. Il vous reste très peu de temps pour jouer. J'ai mis 5k sur toi, Alcor, hein. 5k. Nice. Merci Lenny, t'inquiète, la phrase effectivement dans toi. Vous avez compris. Ok, bah écoute, moi j'ai fait un pari sur Akami où t'as misé 10 et moi j'ai misé 1000, hein, donc. Mais j'ai gagné bien sûr. Ah, mais, ouais, mais les 11 500, je les ai stack en combien de temps chez toi? Ouais, j'avoue. 11 000 t'as mis, mais putain. Y a combien? Il y a 15k et j'ai genre 66% des votes pour Alcor. Du coup, en gros, je récupère 10k. Si, Alcor, si tu wins cette game, je récupère 15k. Non, tu fais x3 de ta mise. En gros, moi, il y a un x3 de ma mise. Ça, je fais x3 ma mise. Et il y a un x1,47 pour la mise de Flash. C'est ça, j'ai 5k. Donc, je récupère 15 000. Donc, tu vas gank mid, quoi. Tu l'éclates, s'il te plaît. Quand j'ai mon sonore. On invade ou pas? Fais-le maintenant, what the fuck, fais-le. Ah, tu crois? Trop tard. Mais gros, j'ai ma cage, hein. Ouais, je me casse, hein. Non, il a pas fait. Oh les gars. Non, mais lui, il est support. Oui, c'est vrai. Je veux gagner des points. Avant tout, quoi. Non, mais j'ai envie de gagner ma lane tranquillement. Mais tu sais que la Vayne, elle joue pas, hein, elle est de game. Ni la Leblanc. Ils vont se faire one shot. Ah bah, ils ont comment pourrir la game, c'est clair. Comment boire la game? Alors la fin dernière qu'on a fait ça, c'était très 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 drôle. Mais après, on avait un peu stomp la game, on avait fait durer la game. C'était avec Akami et AJQ, on avait fait durer la game 50 minutes alors qu'on avait gagné minute 15. C'était trop drôle et on a gagné, bien sûr. Ah, vous voulez peut-être pas me pull là? C'est peut-être mieux si vous me poulez pas. Eh, t'as touché? Je sais pas. Ah non, mais t'as touché les corbins. Ah non, mais non, y'a pas de corbins encore. Vous préférez me pull ou pas là, la botlane? Non, non. Et l'esprit d'équipe? Ah là, ça va, full KS, hein. Full KS. Non, mais vous j'annonce full KS dans cette game à l'ultimate 2. Si vous avez rien à faire, mais sinon vous pouvez aller bot. Full KS. Tout seul. Ah, il y a des points en jeu. Moi, j'aurais misé sur le midlaner en vrai. Je vais être obligé de voler le bleu de luxe pour gagner mon pari. C'est le pire truc. C'est quoi, c'est Mastery Jungle? Ouais, sinon, je vais le forcer à se mettre son bleu, ça serait dommage. Non, ouais. Ah, j'ai raté un creep. Tu joues quel champion? Bah du coup moi je suis plutôt midlaner. Donc du coup je joue Xeras, je joue Syndra. Je joue en fait c'est tout. je joue pas beaucoup. J'ai beaucoup joué avant au jeu et en ce moment je joue beaucoup moins. Mais j'aime bien le jeu en équipe surtout. En solo queue ça m'a un peu lassé, mais je pense que je vais en refaire un peu en live quand même avec la nouvelle saison là, ça me réhype un petit peu, on va dire. Le meilleur grade que j'ai eu dans ma vie c'est Diamant 4 en genre saison 5. Donc oui, c'était il y a un moment. Et voilà, mais j'ai beaucoup joué top laner aussi. Beaucoup. J'ai pris ma cage là. Et voilà, dans l'idéal. Ouais. Dans l'idée. J'aime bien top et ADC en plus. Mais je préfère mid. Non, faut que je fasse gaffe quand j'ai pas mon stun parce que si elle me rush, j'ai vraiment aucun moyen de répliquer. Okay, j'ai mon stun. Elle a un Ignite, faut que je fasse gaffe, faut pas que je le troll. On va jouer vraiment défensivement. Peut-être perdre un peu de creep, mais c'est pas très grave. Ok, elle essaye de jouer aggro.
J'ai les creeps pas loin, faudrait que je reste pas loin des creeps là. Elle va me dash. Ok, non. Là, elle va s'arrêter pour auto. Ok, dommage. Oh non, j'ai pas pris le canon. En vrai, ça va. Personne va le focus. Ok, on a dodge. C'était pas mal. En vrai, beau dodge. On prend les creeps, let's go. Je joue une droite single. Ah, ma série là. J'arrive, j'arrive. Le débrouille. Ah oui. Celui-là. On le tape, hein. On le tape. C'est pas mal, single, non, c'est pas mal. SS mid. Elle arrive. Je perds beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de moi? Ah merde. J'ai pas décal, les amis. Oh non. Oh non. La barrière est pas partie, je pense. Allez, viens me faire chier là, vraiment. Non. Oh, ça non plus, hein. Oh, j'ai pas trop l'idée qu'elle me tue. J'arrive. Je cours, mais je sais pas si on les a là. Je cours vite. Lui là, sur le slow. Oh oui. J'ai plus de mana, putain. Cookie. Ouais. Ouais, il est... nice. T'as le raid. Le carap de mort là. Oh non. Oh putain. Le carap pater, il m'a poussé. Pourquoi j'ai flash? On est... Après je sais pas si je joue bien mon champion. Ouais, bon ouais, ça avec le temps tu le verras, hein. Avec le temps. Et stun avec Omega. Tué directement. Elle a pris un kill du coup. Il s'avance un peu là. Merde. Il s'avance ou pas? Ouais, il va TP. Attends, il va TP. Il va TP sur la wave. Est-ce qu'elle a une knight là, le blanc? Sur cette wave là, ouais. Elle a une... Là, du coup. Ouais, tiens le freeze, on le tue. Vous savez si elle a Unite le blanc ou pas? Merde. On va dire que non. Oui, je crois qu'elle a Unite. Je crois. Ouais. Elle a pris sûr, quoi je crois. Elle a pris un Darcy's et un Tom Bampi. Il est revenu à pied vraiment le Wukong, mais ouais. Il est au courant de tout ce qu'il perd, genre. Ça. Il freeze un petit peu. Attention à Leblanc, est re-SS. Ouais, mais continue de freeze, hein. De toute façon maintenant j'ai perdu du temps donc j'attends. Attention ouais. À Leblanc, attention les Leblanc, si elle snowball ça va être chiant. Ok, elle est là. Elle a plus beaucoup de mana déjà. Ok. Je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a trollé là. Faut que je la push. Pour la forcer à utiliser ses sorts. Merde, j'ai voulu la toucher mais... Elle est là. Ah oui. Voilà, oh putain, j'aime tellement avec ces gros là. Merde. Il y a ma souris, je pense. Ça décale encore. Attention. Ah, ouais, ouais. Ça décale. Ok, la ward est. J'ai touché. Non, pas ward, mais bon, tu peux continuer à freeze. Oui, je pensais pas qu'il aurait un autre dash encore. Ah, il avait un dash sur les creeps, en fait, c'est pas le même dash. Ouais. Il a le dash de son invisibilité. Ou... Ouais. Encore, mais je suis trop perdu. On sait où il est. Elle était bot. Non. j'ai pas de points avec mon Darcy's encore. Il est caché. Comme la Katarina à la game d'avant. Oh mec, je suis en total freeze là. C'est où? Je vais faire ça. Il peut pas avancer. Il a 22 creep le Wukong. Ouais, j'ai vu. Merde, je suis trop con. J'ai voulu pas écrire, j'ai pas réussi. Pas wardé. Le pink est ça, tiens. Ah bah. J'ai une cage dans le là, y'a Yi sur moi. J'arrive là, mais. Ah, c'est bon, je suis safe. Il a le red buff, il régène, il va juste enlever ma pink, mais j'ai enlevé sa pink à lui. Je pense qu'on va se faire hard engage. Pas vu. Mais si vous engage. Je vais pas ma cage, je l'ai dans 10. La veine. À la Janna, du coup. Ok. Ah, oui. Mais non, lui, il était mort. Ma cage dans 2. Tu crois? Je suis pas sûr. Avec la régène, là hein. Je peux rien faire. Avec la régène, je suis vraiment pas sûr. Ouais. J'avais pas de Z, ni rien. Faut mettre lui, genre. Bah, y'a I. Une Z. Peut-être, en vrai. Hein. Je suis plus l'habitude du jeu. Mais avec son Z, je me suis dit, il va juste full régène et. Je vais tout claquer pour rien. J'ai hâte maintenant. Il a son ulti. J'aimerais bien reward. Si il m'attend là, je suis mort. Mais bon. Je suis pas loin en vrai. Oh merde. Ouais, je suis pas bien. Ouais, je peux pas t'aider par contre.
Bon, j'aurais mis des dégâts. Ah, fais chier, putain. Pourquoi je vais maintenant là? Je suis trop con. Pour l'instant, Medjay, c'est le blanc qui gagne. C'est le blanc qui gagne. C'est le blanc qui gagne, putain, j'ai envie. Qu'est-ce qu'il fout là, Flash? Je viens de freestyle mid lane. Je suis un allié fair play. Ah ouais, je vais TP. Non, ouais, non, je vais pas TP. Oula, attention, Yi, sur toi. Je peux ult en vrai. Bâtard. Oh là là. Comment il l'a eu? Bon, bien joué en vrai. Mais du coup, il a 3, putain. Ah, il est 3 à aller chercher là, genre le Yi. Il va un peu trop loin quand même. En vrai, c'était un bon move, genre j'ai dit bâtard parce qu'on est en pleine compète. SS de la Leblanc, mais la back. Mais merde. Cette équerre un peu. Elle était propre. Ça a pas touché ça. T'as vu un peu ce Q? faudrait pas push en vrai. Dans la c'est Crêpe qui va gagner le défi Medjay en fait. Ah, Crêpe il est pas dans le challenge. Y'a Leblanc là? Il est dans le challenge, il est dans la game, mais il est pas dans le challenge oui. Du chat quoi. Dans le challenge du chat, oui, bien sûr. Ouais, pour l'instant, je l'ai pas fait mon Medjay, il apprend un peu, genre. J'ai pas envie. Ah, ok. Oula, pourquoi elle joue agressif comme ça? C'est fait. T'as ton ulti? Ok. Allez, ferme-la. Non, pas encore. Bien, c'était en vrai. Touché. J'ai vu le faire son malin, c'était sûr. Je vais être un putain de support dans la game, ça y est, je le sens. Je crois qu'elle veut jouer agressive, mais... Let's go! Il est là, attention. Master, il est là? Ok. Ouais, attention. Je vais aller faire ça vient sur moi. Ah merde. Je suis safe. Je suis là. J'ai pas de CD, mais... Bon, le I, il peut rien me faire, de toute façon. Qu'est-ce qu'il fait? Il est con, quoi? Je sais pas, il troll. Comme d'hab, il troll. Oh non! T'as go? Il est où Yi? Ah, il a régène. Oh merde, il est sur moi. Non, c'est bon. En propre. Attention, il tue ici. Ah putain! Oh, Flash! Aide-moi! J'ai pas de Medjay! Merci, Flash. Oh non, mais vas-y, stun-le! Il te tue s'il te tue, hein. Il te tue, hein. Putain. Non, il l'a pris! Bien joué. J'ai un ulti pour vos covers. J'ai un ulti si vous voulez. J'ai le tout pas. Vas-y. Attends, j'ai un E peut-être avant. Ah putain. Ah, non, mais... Ça aurait servi à rien, je pense. Hein. Non, je peux voir. Ah la double buff là. Allez, on va dans 300 gold. Sans moi. Voilà. Voilà. Si tu m'avais donné le buff, on n'en serait pas là. Elle a flash hein, pour avoir le double buff. Elle t'aurait flash. Hein. Mais du coup, faut aller la punir là. Non. J'ai peut-être du back. 2-1, j'ai que des assists. Elle est tuée au bot là. Elle m'a flash in. Elle m'a flash in night, mais elle m'a pas tué. Ouais, je vous attends, back. Oui. Elle a plus de heal parce qu'elle avait heal sur moi. Moi j'ai pas d'ulti par contre, mais. Moi je l'ai. Ok, Sora. Oh, j'ai pas eu connect, tu vois. Ok. Ah, ouais, non, mais c'est. En même temps, je suis. Ah ouais, si j'aurais pu attendre, ouais. Attends, c'est pinky là ou pas? Non mais je vais revenir. Je vais revenir plus proprement. J'ai 6 secondes. Là je back. Ça me fait trop là, elle descend. Attention, ici. Bah j'ai un Herald à ce moment là. J'arrive, attention tu l'as vu. Je suis là. Ok, elle est là. Pas la bonne, ouais. Mais t'es fait sur. Moi. Lol, j'ai touché. Bien joué. Ouais, vous t'as touché, ouais. C'est ma ok, bien joué ça. Oui. J'allais dire, what the fuck. On prend la tour en mid là. Oh, tu... Faut quand même que je te fasse gagner le défi. La mec, je te jure, elle a quoi? 5-7, 5-7, les amis. Par contre, là, on va prendre l'agro, non? Y'a moyen. Ouais, moi, c'est pas grave. Le Drake. Vas-y, Crêpe, on va l'avoir, cette tour, elle va l'avoir.
Oh putain, ils vont l'avoir. Oh, tristesse d'un homme. Elle a failli mourir. Ah, je te jure qu'elle a failli mourir. Si elle avait pas des mercures, elle était. Je back. Y'a le Drake, les gars. Y'a le Drake. Ouais. Moi aussi, je vais. Ils ont le premier en plus. En fait, j'ai envie de back quand j'aurai mon Luden, genre. Ah, mais ils vont aller au Drake. T'as vu, Ardox, c'est toi, hard un peu, elle est pour toi. Je mets les chances de mon côté. Putain, de Yi qui est encore là. Ah, je suis mort. Ouais, là, par contre, t'aurais dû back, hein, vraiment. Ouais, j'aurais dû back. La wave, là, c'était trop. C'est quand on fait là. Un bon play, en général, il faut tempo, back, se replacer, etc. Ah, je fais de la merde. Ils sont, ils partent au Drake. Parce que là, on leur... Bah oui, tu peux pas le contester, malheureusement, je pense. Un peu, hein. Ah bon ouais, bah, j'arrive, mais... Le blanc a de la vie, hein. Ah ouais. Ah, mais c'est my bad en vrai. Bon, lui il meurt. Wow, les dégâts. Ou alors il flash. Ouais. Attention au-dessus. Hein. Attention au-dessus. Doublé ennemi. Non, mais ouais, une fois qu'il les avait finis là, faut y aller. Bon, c'est marrant. Votre équipe a détruit une tourelle. J'ai ma TP. Yardox qui prend le premier tour. Ouais. Je vais rester, j'ai ma TP. Hein. Ok, je reste. Mm-hmm. Les Dark. Y'a le blanc qui arrive, y'a le blanc qui arrive top. Non, c'est bon, elle est là. Ok, tu vois, c'est bleu. Pas bleu. De toute façon, y'a Mastery qui va arriver sur toi, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Il va arriver. On a tout, on va. Putain, j'ai tué le. Y'a le carab. Y'a Yi sur moi, mais je suis safe, Bah, on... non, mais par contre, on les tue. Je peux le bait. Ouais, il est descendu, je crois. Oh. Y'a Ardox, à côté. Ouais, ils vont venir, je pense. Hein. Je pense qu'il va t'arriver à fond dessus de là, mais vas-y, continue de bait. Je pense qu'elle va back. S'il vient. Bon, on prend la toile. Ouais, là, j'arrive. Hein. Pêcher, pêcher. Oh, ça touche. Attention, Yi bot side. Hein. Ça j'arrive, side. Ok, Yi mid, On a forcé ultivate. Fais gaffe, elle fait mal, Là, j'arrive, là. Ça là, descend. Si, j'ai une cage. Les ennemis de. Oh non. Bon, les dégâts, c'est n'importe quoi. La veille n'a tout pas. Enfin, elle a même ça. J'ai pas mon ult. Oh merde. Oh. Attends, j'ai la pomme. Tu peux pas TP bot, Erdos? Ah, il est mort, hein. Non, il est pas besoin. Les mecs, les dégâts, c'est tout. Le one shot. Il va venir, hein. Il est à combien là? Putain, mais il est à 10. Je troll aussi. Je vais back. Faire mes boots. Oh les gars, mais. Oh là. Je outfarm le top laner, mais vraiment du ouf. Hein. Ok. Après, ça sera mes Jai. Je te demande un peu de mana, toi. Hops. Fais l'Herald. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour le défi. Ne vous inquiétez pas. On est à 1 pour 10. Bon, certes. Le top laner, il est venu bot. Il a pris. Mais ça va aller, ça va aller. Z ulti de ma part, les one shot. Il est content d'être venu quoi. Attention à du coup à Leblanc. SS Leblanc là. Faites gaffe à pas vous faire catch. Elle fait quand même mal, hein. Elle a 4 kills. Bon d'accord, je veux pas te presser mais il y a Leblanc bot. Leblanc bot. Top pardon. Top. Pourquoi je dis bot? Ah ouais, je veux pas te presser mais faut que tu fasses ton Medjay pour moi là quand même. Ouais, t'inquiète, c'est prévu. Oh la flash. Putain la flash out. Tu le stackeras plus vite. Parce que y a Jean Flash qui est déjà à 12. Hein. Rien n'est perdu. On peut push là en vrai. Beaucoup, hein. Non mais t'inquiète, y'a Yi qui va lui faire perdre 10 stacks parce qu'il va le flash in ulti. ça va être fine. Mais. Non mais tout va bien. Prochain back je l'ai là. Non mais en fait genre. Alcor et Flash ils jouent avec moi en fait genre.
Ah non, je suis con. Putain, mais. Non, mais par contre, il y a un grand problème, c'est que si sur end, ça va être terrible. Bah oui, oui, c'est pour ça que je t'ai dit. J'ai mis trop de points en jeu, j'ai mis trop de points en jeu. Après, moi j'ai pas mis de points en jeu. Oh. Non, pas ça, non. Oui, tue-le. Oui. Laissez-moi tranquille. Y a pas de plante. Oh, merde, non, Vayne. Elle m'a flash out, putain. Je suis mort. J'ai stun, j'ai stun. Ah bah, j'arrive. Mais quoi? Mais Vayne, elle me flash in. Enfin, elle me. Mais il prend un kill. Mais. Bon. Mais il me casse tout, hein. Mais putain, j'ai 5 assists. Il a 5 kills. Bon, il a 5 assists aussi. J'ai 5 assists. J'ai le. C'est bon. Merde, pourquoi j'ai racheté une ping? J'en ai déjà 10. Y'a le Drake. Fini. Micro celui-là, je pense. J'avais 4 mi-gueules sur moi, les gars. Putain, je troll. Je prends le bleu. 4000 gold, quoi? 4000 gold? Non, mais ça, c'est du trolling hard, hein. Ah. Bah attends, mais regarde, je fais tout, hein, genre. Je prends les kills. Cette bleu blanc, blanc, elle me fait si peur. Je prends le blue, je prends le carapace. Genre. Okay. Je te fais pas une par mon raid. T'inquiète, t'inquiète. Je connais les. Je l'ai laissé à 60 HP, quoi. De toute façon, ça monte, il y a le blanc qui monte, je crois. Ah, mais oui, t'as hein. Déjà des trolls. Air Dox, MB. Y'a. Bon, le blanc il va te dash dessus, tu vas mourir, mais c'était pas mal. Bon. La flash. C'est Janna qui flash. Ça va une seule fois dans la game, je crois. On va la ça. Non, mais putain, c'est ça. T'as misé toi? Oula! Ouh, c'était pas très gentil ça. T'as misé toi crêpe sur le challenge ou pas? Moi? Ouais. Non, crêpe? Non, non. Non? Mais non, j'ai utilisé tout mon point et quand tu t'es fait spam, j'ai soif. Ah, c'était ouais. Horrible. Mais putain. Bon, assist, en vrai ça va. Allez, ça y est. Y'a un monde où 25-25 égalité, hein. Oh oui, j'ai un ult, hein. Y'a un monde 25-25 égalité, hein. Faut juste pas qu'il surrende, quoi. Tu vois, si sur N maintenant, je mets. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai stun! Mais putain, mais j'en peux plus! Ah ouais! Ah, la kill? Elle a... Ah oui, elle a des dégâts quand même! Elle a 5 kills! Hein. Après, mon stuff est trop. Enfin, j'ai trollé mon stuff aussi! Tractar! Machin là. Non, en fait, je pensais que j'allais partir blue et en fait j'ai eu la forme raid à 9 minutes donc je voulais pas partir. Mais j'avais déjà droit de faire. Ça aurait été bien mieux de partir blue. Là. Bien mieux. Oh merde. J'aurais abandonné même là. Dû attendre en fait. C'est bon. Parce que là je sers à rien genre. Record, j'ai 25. T'as déjà 25? C'est bon, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Mais comment c'est possible? De toute façon il va se faire tuer. Hein. Il va redescendre. Oui, il va se faire tuer, moi je vais plus jamais mourir. Je vais partir sur tank là, plaque du mort, Warmog, gardien, ils sont tous sur nous. Hein. Je suis là. Je gagne des alcools. Je gagne pas des alcools, c'est qui je gagne des alcools. Merde, j'ai troll, j'ai perdu mon stun. Ah, un pixel genre. Ouais. Je vais te laisser un peu le temps de remonter, Alcor, là je ne joue plus la game. Je ne joue plus la game. Je suis en train de farm là, voilà. Je vais aller mid. Y'a Mastery. Oh non, comment je rate ça? Laisse, oh! Ah, toi t'as pas raté. Laissez tanker Vel'Koz un peu là. Mais en plus, Vel'Koz il. Oula! C'est bon, il tank! J'ai pas envie de perdre non plus quoi. Non, mais pas eux! Mais pourquoi il me tue moi? Mais enfin, c'est honteux, en vrai c'est honteux. Hein. Mais j'ai un kill, il en a 7! Y'avait Flash. Non, mais y'avait Flash à 700. Enfin, ils font n'importe quoi. C'est des snipers. Ils sont sur un Discord, ils essayent de me tuer. Ah, ah ouais, par contre. Non mais il faut que je change de stuff, c'est plus possible là-bas. Faut que je change de stuff. Putain, je suis à 2. Non mais je me fais ouais. Oh là, ah oui, oui. Oh, ça touche. Non. Bien joué. Par contre, j'avoue que la hitbox elle était dure hein. Oh, elle va faire mal elle hein. Il y
il l'a acheté celle-là, il l'a acheté. Je revends, je revends avec vous. J'avoue que j'ai quand même assez peur de la lune. Je revends tout, je m'en bats les couilles. J'ai revendu ma Dragtar. Mais putain, mais il a 7, 2, 6 flash. Bon, il a perdu beaucoup de points là, il a perdu 10 stacks. Ça fait mal, 10 stacks. Ouais, je peux avoir la vague, j'ai Rabadon. Tu veux la ouais. Ok, vas-y, vas-y. Vas-y. Je prends XP. Si c'est pour les kills, ça me va. Oh, t'as raté 2 creeps quand même. Oh, j'aurais pas Rabadon. Ah, 3. Dommage. Oh, oui. Par au-dessus si tu veux de l'assist. Ah, mais je pourrais t'as pas t'aider, mec. Non oui, t'as un ah, carap, t'aider. Je pourrais pas t'aider. Putain, qu'est-ce qu'elle branle là? Après, mec, tu vas. Là. Tu vas là tout seul, hein. Mais ouais. Non, mais genre. Mais non, mais en fait, il y avait. Ah, mais non, ok, hein, c'est 20 quoi, tu con. Pour les Medjas, il y a 2-15. Mais tout va bien. Putain. Pourquoi elle serait pas. En fait, quand on a Banshee contre le blanc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, hein. Ah, j'avoue, je fais ma concentration sur l'antenne et après je fais Banshee. Il me faut le Drake là. En vrai, moi je peux l'époque de loin, tempo un peu. Oh, si elle vient. J'ai un flash. Wukong qui est top. Le truc, c'est que Wukong il m'a toujours ult. Ah, ils sont en dessous. Ils ont ward là. Ils ont ward là. Ils t'ont ward. Pas de dewarder. Voilà, elle a rien sa vie. Ah, dommage. On lui a mis des dégâts. Hein. Et on sort encore. On sort là, ils ont okay, la vision là. Ok, ok. Il y a Yi qui est en. Qui est là. Hein. Oh, j'ai oui. Touché la veine. Il faut poker. Attention à veine, j'ai touché veine. Pas veine, machin. Ouais, j'ai mal joué. Mais je suis une merde. Je te suis mec, je te suis. Sad. On pourra jamais là. Je vous push. Putain. Quoi flash. Elle a flash out. De toute façon tous les flashs de Vayne ils sont pour Veigar, enfin pour mais franchement elle est vendue, elle est vendue elle hein. Ouais. J'avais 100% le kill, elle a flash out. Ah, mais je retiens, c'est attends. Eh, mais c'est Kikiriki. C'est qui Kikiriki? Et il est tout le temps sur ton live. Faux back. Mais putain, Kikiriki. Fais gaffe, mid. On est au-dessus. Remonte. Oh, je l'ai stun. Oh, oui. Putain, il prend. Mais putain, je le stun en blind et il prend le kill. Attends, c'est pas grave, Alcor, il va remourir. Il y a un bleu, non? Allez, non, je sais pas si FF, ils vont bientôt FF. Ils vont pas FF, ils ont 8 kills sur. Il y a 8 kills sur le blanc. Sur un assassin. Le blanc ne FFera pas. Le blanc ne FFera pas, elle sera still winning, guys. Still plus, winning. Non plus. Listen to me. I got it. On est à 6-20. Mais putain, 21, mais aussi, il prend tous les kills. Je me bats pour vous les amis. Putain, par contre, j'ai. Un peu plus dur d'ailleurs s'il te plaît. Je. J'arrive. Le truc c'est que j'ai pas de gold, je suis en 1-4-10 mec. Tu passes la seconde là Alcor. Je suis en 1-4-10. C'est pas grave, prends la boîte de vitesse. Le levier, là, on y va. Ah là j'ai trop peur. Hein. Oui mais j'ai pas trop envie de faire le Nash, il risquerait d'FF. Oui. Et non. Attention, on ne meurt pas. Je meurs pas, je meurs pas. Je suis failli, je suis safe. Putain mais il court si vite. Je l'ai touché, il y a un gars au-dessus non. Je pile le tour. J'ai pas de flash en plus, putain, je suis vraiment une chipsounette là. Je vais donner le tapis à le corps. Moi, je suis là, vas-y, viens. Je reste avec le corps. J'ai une escorte, mec, dans cette game.
Attends, c'est trop dangereux que j'aille là. Je vais pas aller là. Garde-la, garde-la, elle. Elle stun. Pas du tout. Eh bah, j'ai pas de zonage, j'ai rien du tout, non, je suis à 10. Je vais faire play flash, je mettrai un stun. Je vais faire semblant de rater mon stun. T'es touché. Elle est repartie. Ah par contre t'es tout seul Lux. Si tu peux reculer, c'est le moment. Non, je recule pas, je ne recule pas. J'ai stun Vayne. Ok, j'aurais dû reculer. J'ai stun Vayne, ouais, ok. J'aurais dû reculer. Je pensais que je pouvais tempo et les stun en fait. Vas-y, vas-y. Putain, pas loin de passer en vrai. Il a plus de flash, il a plus de flash. Par contre, ils vont pas nash là peut-être. Faut pas qu'on meure. Hein. Bon, Erdox, putain, il fait chier à finir la game là. Mais vas-y, mais quel tricheur lui aussi. 25. Il va se faire tuer, il va se faire tuer. Toi, tu focus sur tes stacks, Alcorp, et t'es un diesel. Ah putain, en plus, si j'ai crève qui me farme tous les creeps. Je clear la wave pour lui quoi. Y'a Drake. Je bug, j'ai concentration lointaine. Mais gros, c'est trop chiant ce jeu de merde. Oui, non. J'ai cancel, j'aurais pu le tuer. Bon, j'ai l'assist. Bon, bande, t'es mort. 12. Ah, t'es pas mort. J'aurais pu le tuer, putain, j'ai cancel, j'ai cru qu'il était mort. J'ai instant cancel comme un troller. J'ai lancé mon sort, il a Z. Oh, dommage. Ok, les amis. Un point des scores, 25-12, tout est possible. On rappelle, il meurt, il redescend à 15. Ok. D'accord, on va alors. Non, c'est bon, j'ai Lux, vous pourrez pas FF. Vous pourrez pas FF, on est deux. Après, moi j'ai rien à parier. Hein. Mais je joue pour mes viewers. Bien sûr. Ah oui, merci. Déjà, il y a Camille et Lux là. Ok, il y a Drake. Il faut qu'il meure. S'il meurt, il y a moyen. Déjà qu'on est en train d'int en pariant sur toi, Alcor. C'est clair. Attends, moi j'ai cherché la wave. Ah non, putain, qu'est-ce qu'il fait lui, Trafalgar Law là. Mais lui, je suis sûr, il a misé. Hein. Il le dit pas, mais il a misé. Hein. Non, j'ai pas misé. Discord. Attends, mais pourquoi ils ont pink là-haut là? Attends, j'ai peur. Attention, ne va pas en front lane. Il a fait une banshee ce coup. J'ai pas en front lane. Elle est touchée? Non. Il a beaucoup ici. Laisse flash tanker, de toute façon, c'est son roue, il a une banshee. Hein. Il peut tout tanker. Pourquoi j'ai pas fait de blue trinket? Attends, mais ils le font là. Hein. Non, c'est vrai. Boum, ça touche. Il a plus de flash hein. Ils prennent pas la ward. J'ai écrit nos flash Vel'Koz. Elle tombe pas. Attends, ils y sont ou pas? Ouais mais faut je vais prendre la pink. Et je reviens. Vous voulez pas nash? C'est Banshee, je vais à la flash Vel'Koz. Ah, elle est morte. Ah ouais? Ah oui, elle est morte là. Je la fais reculer, mec. J'ai eu la 6 si tu la tues. Et c'est fait là, elle est là hein. Putain, elle est pas là. C'est pas la bonne. J'ai peur, mec. Non, Vayne! J'ai flash en stack. J'arrive. Je suis là, c'est bon. On a dû se barrer, il y avait Vayne qui est en train d'engage mon poulain Medjay. Ah putain, il a pris le plus. On a ou pas? On peut. Vous avez... Putain, c'est bon, on peut en temps normal, faudrait. Vas-y, Gonash. En temps normal. Faut pas perdre non plus, quoi, ça serait triste. De toute façon, je suis à 14 hein! A bientôt, à une mort de gagner! Ouais, non, mais oui! Eh oui, c'est ça! En fait, c'est ça! Oh, ils viennent hein! On va se faire. Okay, oh, je vous le dis! Il faut finir! Vegar! Ok, reculez, mourrez pas! Tu l'as tué en vrai hein. Ça m'a fait un assist ça. Je reconnais ça, c'est un gars bien ça. J'ai pas eu l'assist en plus. Banshee. Par contre, mais toi t'es à 25. Des salopes, hein. Vous êtes parti comme ah, moi en vrai je peux pas tout temps. On l'a laissé dans le pit. On est resté à deux dans le pit, tu sais. Ouais. Les amis ça se passe. Vas-y Gnar. Vas-y. Je laisse.
Attention à Yi. Elle est stun. J'arrive, j'arrive, Nar, monte au-dessus. Mais il fuit, mais pourquoi il fuit? Il y a un flash out, c'est bien. 22, ne hint pas, t'es à 22. Je hint pas, je hint pas, je hint pas. En 4 secondes, j'arrive, je vais TP. Si vous voulez des kills, je vais TP cage. Ah ouais. Tuez-le! Mais t'as raté le blanc! En vrai, y'a un bounty. On a le même bounty, putain. Mais qu'est-ce qu'il fait, Vegar? Je pense que. Venez. On est là, on est là. On prend ligne, bon. Vegar, il met R et one shot. Attention, Alcor. Alcor. Joue loin, Alcor. Mec, il a 5k en jeu, tu sais. Joue loin. Ouais, Flash, il a plus en vrai. On trappe là? Ouais, je pense que s'il y a égalité, faudra refund hein, parce que sinon. J'suis mort! J'ai une assist. 14, en vrai ça va, je suis toujours bien. Fais chier. Attention, faut qu'il meure. Hein. Oui, il faut qu'il meure, sinon il y a égalité. Il y aura pas égalité, les amis, on va gagner. Ça va être dur, en vrai. Il joue de si loin, putain. Gardez-le là, avec sa bande chou. Tiens, tu veux un bleu aussi là? Ils sont 3 topside. Par contre, ils ont light ou pas? Non, ils ont même pas de light en fait. Ah bon, c'est pour toi. Vu qu'on one shot tout le monde. Bah. 4 en top. Y'a le Drake. Je fais de mon carré moi. Par contre, ils ont 3 Drake. Je vais faire play, je te laissais le bleu. Hein. Ils ont 3 Drake. Premier arrivé, premier servi. Hein. Oh putain. Ouais, il va pas falloir qu'on hit le Drake. Mais par contre, ils défendent rien du tout quoi. Genre. Ils sont partis à 4 en haut là? Ah ça arrive, ça arrive. C'est très bizarre ce qu'ils font. Ça se vend combien ça? Ça se vend pas assez cher. On a plus de Nash là. C'est à nous la bataille for the Magi, ça en est, nous sommes faut, à 14, on vient vrai, de mourir. Il faut trappe là, il faut trapper. Contre 25. Donc il a de l'avance, mais bien entendu il perd 10 points quand il meurt. Donc. Moi je vais rester là. Ouais, il faut trappe là. Clairement. Trapper, moi je trappe avec Lux. Vous pouvez Drake hein. J'avoue, il y a le Drake. On les prend sur la rotage. Ah. Bien salut. Y'a Yi qui arrive. Ah bah de toute façon t'es morte. T'es mort. Il nous laisse le Drake. C'est que le troisième. On va tuer Yi là. Ouais vas-y. Ah ouais, bot. Ok c'est bon vas-y Yi. Je prendre l'inhib non. J'ai mon ult. Il est là. J'ai mon ult hein. Ouais. Ah, il meurt en série. Mais c'est pas grave, il est capé hein. Faut juste que je prenne une assist. Oh là là, les dégâts qu'il met elle. Ouais, c'était bot. Faut back non. Ouais, faut back là. Ah, je l'avais pas vu là lui. En vrai, faudrait back. Moi j'ai. Ah si, j'ai un ulti encore, mais le truc c'est j'ai l'assist, parfait. Vas-y, go. Un peu hein, parce que je peux le laisser survivre. Ah, j'avoue. Mais moi je vais me faire one shot en fait les gars. Ah faut back. Moi j'ai ma Banshee. Ah mais putain. Ah non j'ai pas back. Non back pas mais le truc c'est que moi j'ai pas trop joué là. Faut que l'ulti elle. Allez on la tue. Voilà bien heureux. C'est fast en vrai. Ouais bah c'est un mon coup. Timing il était pixel. Bah là c'est pas mal hein. Oh oui flash. Il a un flash. Pourquoi il va sur Lux? Mais dans Lux quel moment tu vas sur un Kayn en fait? Mais il est ravagé. Laisse. Oh merci. Je suis à 20. Back Lux. Ouais je vais au back. Pour tes points Lux. Non mais pourquoi il allait sur toi? J'en ai aucune idée mec. Les amis nous sommes à 20 sur 25, il suffit qu'on ace, j'ai 3 assists, on a gagné. Ok c'est parti. Non. Et puis il dit loul. Ah exactly, en plus il dit exactly, c'est trop drôle. Ok. It's so bad into your champ. Ah ouais j'avoue. Je croyais que tu disais Lux. Non Lux c'est un joueur, mais mal. Non mais Lux je le dis tout le temps. Elle a heal. Bon dommage, j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider mec. On va Nash. On va Nash.
En plus, le champion Lux, en vrai, je le dis Lux aussi. J'ai un problème avec ça. Putain, il a 937 d'AP l'autre. Il va 1v1 le Mastery. Dommage. Il a flash. Bonnage, hein. En vrai, si tu l'avais tué, je t'aurais laissé volontiers mes 5k points. Et là... Il a flash out. Bah, Nash ou pas du coup, c'est quoi l'histoire? Ouais, on peut Nash. Hein. Bah, le truc c'est que là j'avais un peu peur parce qu'on était 4v. Il y avait une. Ok, la ward ici. Attention, on va pas se faire in quand même. Ah, oui, on peut les fight sinon, je sais pas quand vous voulez. J'avoue, je sais pas. On peut sinon, fight, on attend Gnar. On est one shot donc. Oh, c'est mis dans la merde là, elle. J'ai pas mon ult encore. Ouais. Putain, j'ai pas mon ult. 7, 8, 5, 4, 3, 2. Un. Oh tant pis. Vayne, Vayne. Alerte Vayne. J'ai ma zone dans deux. Elle va dash in. Ah, elle m'a purge. Ah bah dommage, du coup il y a 10 stun. Oh. Putain, il est là. Bien joué. C'est pas fini, c'est pas fini, il m'en manque un. Il m'en manque un, faut pas que je meure par contre. Gonache, 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 gonache. Les animaux. Les animaux. Attends, mais qui DPS sur le Nash là? Moi. Non, mais c'est Flash et. C'est... Mais c'est toi et Flash qui DPS en fait. Ah, vous lui faites ultra mal. Je suis pas sûr, hein. Ah, quoique, si quand même. Il faut un peu de mana. Erdox qui int encore mid là. Je voulais try de terminer pour pas que t'aies des stacks là. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais ne fais pas ça à moi. Zera, si tu veux un H, ça serait drôle. Putain, mais il a 1023 d'AP lui. Ok, je back. En vrai, Alcor, tu vas forcément choper une assist. Oui, c'est obligé. À moi qui surène, c'est obligé. Allez, go. Sinon, c'est que j'ai vraiment trollé. Hein. C'est que je sais pas ce que je fais sur la map, quoi. C'est oh, putain, mais le. Putain, les dégâts que tu fais. En vrai, s'il y avait pas de cap au mid, je serais déjà à 40. Ah oui, non, mais. Ouais, mais. Il y a un cap, hein. Encore une fois, c'est égalité, le streamer gagne. Désolé. Non, ça c'est vache en vrai. On l'a dit, on l'a dit dès le début. C'était dans les termes du contrat. Ça, non. Ah si, c'était dans les termes du contrat. Hein. Non. Non, tu peux pas lui retirer 12 000 alcoons comme ça, il va pas partir comme ça. Mais oui, mais je vais t'en retirer 5 000. Ah sinon, je cancel. Je cancel si égalité. Ah oui, tu cancel. Bah oui. Ok, je cancel si égalité. On a un dragon là. Mais par contre, il va mourir donc ne hinte pas et il va y avoir 15-25. Je hinte pas, Je prends des assists en mettant des Q-spell. Regarde ce Z de merde, ça casse les couilles. Il est si triste, Erdox, avec son champion là. Faut faire gaffe à Vayne par contre en teamfight, les gars. Ouais. Parce qu'elle découpe, hein. Elle a une purge. Oh merde. J'ai un assist, c'est bon, je suis à 25. Il va passer de la game. Vayne. Allez, stun, Oh, l'auto qui prend le kill. Il est pas mort. On est tous à 25, ça se passe comment, les gars? Attention, t'as capté par Jana, le corps. T'es le premier à 25 qui gagne, c'est ça? On est tous à 25. Ah, GG. Non mais c'est le streamer qui gagne, on avait dit. C'est égalité. J'aurais dû mettre un choix égalité. Les mecs qui auraient mis 10 balles là sur égalité. Ça fait 20 minutes que j'ai un Medjay à 25 et j'attends la fin de la game. Oui mais GG Lux. Il y a quand même égalité. Ah là là. Effectivement, ça serait vache de te retirer les points mais là. Non, c'est un cancel. Il y a trop de points en jeu, c'est un cancel. Parce que en vrai, c'était pas close du tout, j'ai failli pas faire 25 quoi. Du coup, ça mérite. Ouais, si tu peux pas les. Bon, sachant qu'il est à 25 depuis 15 minutes, tu peux pas trop lui retirer ses points en fait. Par contre, il m'a volé les kills, hein. Regardez les dégâts, hein. Oui, c'est ça, ouais. Après, il a un peu support aussi, quoi. Oui, ouais. C'est support. Ouais, c'est qui a gagné au bot. On est à égalité. JJ Wellplay deserve win. Oh, c'est gentil ça. You played well. Thank you. On en refait une ? Là, deux, pas mal. Bon, écoutez, on va. On va cancel, hein.
On va cancel, hein. Parce que bon, Lux mérite les points aussi. Hein. Il m'a protégé toute la game. Je l'ai défendu. On va devoir cancel puisque la réponse était qui va gagner Alcor Flash. Personne n'a gagné. Voilà. Ah ouais, non, mais clairement, il y a. Égalité. Égalité, ça veut dire tout simplement que le call est annulé, supprimé et rendre les points. Je vous rends tous les points, les amis. Vous récupérez vos points. Égalité. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un choix égalité. Et là, ça sera Stonks, celui qui met égalité et qui aura égalité. Merci Alcor. Merci à Lux hein, de m'avoir carry toute la game. Il a arrêté d'auto-attaque pour me laisser les kills alors qu'il a Kane. Voilà, c'était super intéressant. Bonsoir, c'est vrai, Romain. Non, puis vrai, je jouais. Ah, il y a Romain qui veut jouer. Marre de WoW. Bah oui, si tu veux. En vrai, moi je peux laisser ma place et je commente. Hein. On commente tous ensemble en live, ça peut être cool ça. R2 qui s'est full mute là. Ouais, il est en live ou pas? Ouais, R2 c'est en live. Ouais. Ah, il est en live. Moi je suis chaud pour commenter. Allez-y les gars, comme ça je vais pouvoir parler avec le chat et tout en plus. Je te laisse ma place, Rome. Hops. Oh, les amis, on part sur un commentary. Oh là 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 là. On part sur un commentary de game. Ça va être exceptionnel. Merci à tous d'avoir suivi. Ouais, merci à tous, hein, les gars. Salut. Ah, ok, d'accord. Merci à tous d'avoir suivi. Là, on fait un petit commentary de game parce que comme ça, on tourne aussi dans le roster un peu de qui joue et qui joue pas. Et j'adore commenter les games. J'adore regarder les games et les commenter, etc. Donc on va faire ça tout simplement. Voilà. C'était bien le. J'ai sué. Hein. J'ai sué pour le truc du Medjayan. Parce que Flash m'a détruit. Hein. Flash m'a vraiment détruit de ouf. Enfin, du coup, on part sur un t'as petit. T'as pas Livinaram ou un truc comme ça? Commentary de game. Oh, on stream. Ouais. Par contre, si vous pouvez me stream les POV, ça serait vraiment bien. Clairement. Ça... C'est déjà fait. C'est déjà fait pour Select, Romain. Romain qui gère. Crêpe qui me stream la POV. On aura aussi Lux. En cas de téléphone, si j'ai du lag, je le coupe. Y'a pas de soucis, Crêpe. Y'a aucun problème. Exagère quand même, mais. Mais limite, choisis la qualité et diminue-la, si tu veux, de base, même limite. Ouais. Mais t'inquiète. J'ai fini mes games, je vais pouvoir regarder. On va tous regarder tous ensemble, ça va être exceptionnel. Alors, on aura plusieurs POV. Alors, moi, j'ai un grand écran. Des fois, j'essaierai de zoomer peut-être sur les POV, là où il se passe des choses. Désolé pour la qualité. Mais voilà. J'ai pas accepté parce qu'on a lancé, il m'a envoyé un DM, il m'a dit fuck you. Qui a dit ça? Je sais pas quoi bonne là. Qui a dit fuck you? Voilà. Ah, ça bonne. En tu fait, pas là, bonne là, on l'a lancé et à ce même moment là, j'ai reçu une invite, genre. Et j'ai pas eu le temps de. Re-AJQO! Re-re-re! J'espère que ça va! Oh, ça va être beau. Qui est-ce qu'on a salé comme ça? J'ai pas forcément tout commenté en espagnol. Enfin, je vais mute de temps en temps quand je vais commenter des trucs pour pas vous embêter non plus trop quoi. Même si je vous embête souvent quand je vous regarde, de toute façon. Oh, allez, je te sors un de mes mains. Oh là là, brome. Ça va, on m'a piqué Victor à la last. C'est mon brome. Mais sinon, c'était cool les 4 games. Bah, tant mieux. Sur la game, je suis passé. On aura fait 2-1. On aura fait 2-1, du coup, ils ont pas lancé encore, mais je vais vous montrer limite les trucs. On aura fait 2. Attends, tu m'as parlé, Flash ? Comment tu vas transférer ton compte en NA ? Non, c'est bon. Ah, je sais pas s'il va transférer. On aura fait 2 wins, une défaite. J'arrête, mais je vais les commenter. Je vais les commenter parce que comme ça on tourne un peu. Il y a Romain qui voulait jouer, en plus il joue mid lane. Du coup, ça tombe pas mal. Et moi j'adore commenter les games. Donc ça me va très bien aussi. Ça va très bien aussi. Vous voyez là, regardez cette petite série de victoires là. En flex, c'est avec eux. Mais ils sont trop forts. J'ai pris mes affaires de volet. Petite défaite, victoire, défaite, défaite. De la victoire. J'ai pris mes baskets là. Donc ça va, on est bien. Partez avec moi. Allez, je vous montre ça. Je vais me mettre au bureau. Petite hache. On va se mettre en. Pas très fort, d'ailleurs, perso. Comme ça, voilà, je vais décaler ça sur le côté, voilà, et j'ai 3 streams, on va faire ça, et on va faire ça, double cast en plus qu'elle looks, on est sur du triple, peut-être quadruple, mais je suis pas sûr qu'AirDox puisse le lancer en même temps que live, parce que AirDox est en live, mais je peux pas le regarder sur son stream, parce qu'il y aura du délai, alors que là j'ai aucun délai. Là, je vais avoir aucun délai, donc ça banner va être vraiment West. Cool. Bah, tu joues le stuff du super. Go finir ma SVT devant ton stream. Nice, la petite SVT. Petite SVT. Tu veux jouer à Attack Speed. Donc, voilà. C'est quoi la compo un peu là? Ouais, c'est les on a de la hache.
On a du Brom, ouais. on a du, après, du Gnar, un flash, Erdogs qui joue tout en Gnar. Je vais peut-être les baisser un poil plus du coup. Juste légèrement en voice. Vu que c'est pas moins intéressant ce qu'ils vont dire, mais hop, voilà, j'ai baissé un poil. Je vous remets, attendez, je remets mon setup. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Harry validé aussi. Maintenant, j'ai le droit de mourir. Oh putain, Romain qui joue Harry. Romain est très très bon sur Harry. En face, il y a du level aussi. Hein. Enfin, il y a du champion chiant. Il y a de la Lux qui one shot. Il y a de la Fiora qui est assez chiant top lane. Même si Gnar, ça devrait aller. En vrai, ça devrait aller. Il y a Skarner. On voit pas souvent. On voit pas souvent. Et du coup, on va voir. Ils vont relancer leur stream, bien sûr. Erdogs, il nous a full mute. Ouais, Erdogs. Erdogs, il a mute. Il parle à son stream, je pense là. Ok. Oups. Si vous pouvez relancer les streams pour ceux qui l'avaient lancé, vous êtes des boss. Puisque ça coupe, bien sûr, à chaque fois. Oh, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Crêpe, n'hésite pas à couper hein, si ça galère. Ouais. Ah, ça recoupe, là, encore. What the fuck. Non, streamy en pause, ouais. Il va revenir. Oh là ouais, là. Parce que je suis en altab. Exceptionnel, ouais, exceptionnel. Fiora, c'est giga casse bien. Fiora, j'adore. J'aime trop jouer Fiora top lane et je trouve ça fort. Et en fait, j'adore la mécanique du Z. Qui est là pour vraiment pour counter en fait tout simplement le contre qui est trop trop bien parce que ouf mes points sont revenus flash les points sont revenus et qui est vraiment presque game breaker si tu le fais au bon moment et en même temps tu peux te faire chier de ouf avec. Imagine tu zèdes le R de Skarner, ce qui est possible hein. T'es content. Tu peux zèdes le R de Skarner là, tu peux tempo un peu les dégâts de la Lux en vrai sur un combo, c'est vraiment pas mal. Ah mais non mais c'est Fiora. Ah non mais c'est Fiora en face. Ah non mais du coup non elle peut pas. Elle peut Z la roue de H. Elle peut Z le bisou de Harry. Il y a moins de trucs sympas à Z pour dans cette compo là. Alors je zoomerai hein, de temps en temps là où il y a des fights. Je zoomerai. Donc là j'ai une overview un peu éloignée pour voir un peu tout ce qui se passe. Je trouve le Z devrait juste ne plus être offensif aussi. Car je trouve le spell est trop broken là. Genre même offensivement ça slow, ça baisse la S. Ouais même offensivement c'est très fort. Bon ça slow, ça stun si tu dois te faire stun. Et ça baisse la S de ouf. Ça baisse avec la S de ouf. Avec le Q de Brom. Ouais. On est parti les amis, okay. On est parti. Bien ouais. Bon courage à tous messieurs dames. Bon courage à vous. Erdogs on est d'accord, t'es en live, tu peux pas lancer un live Discord là. Ça marche, il y a pas de souci. Et attendez, mais dommage. Attendez parce qu'on est presque parti sur un first blood là, genre aramide quoi. Ça part sur une aramide. Hein. Ça stun si tu dois te prendre un CC quelconque. Ouais c'est ça. Donc, même un route. Ah oui même un route, même un flow. Bro, tout à fait. C'est vrai. Dans le bush et on win. C'est vrai. Bro, c'est ah mais il est 23h, merde, je dois bientôt dormir. Oh. On aurait peut-être mieux fait de faire ça en vrai. Bah Camille, écoute, c'est pas grave, tu regarderas soin. En replay c'est moins sympa, mais écoute, on sait que t'es avec nous. Moi ça fait 3 soirs, 2 soirs je dors à 2h du mat à cause d'eux là, je joue avec eux alors que je me lève le matin pour bosser là. Je suis vraiment un troller. Je décale, ma cam elle est bien là. Je vais la décale ici comme ça quand on zoomera. Attendez je vais zoomer, on verra la minimap. Mais on a Brom quand même, enfin on les stun tous une fois. Voilà, je suis en plein écran ou pas là? Voilà, plein écran. Il faut que je les auto un par un. Oh c'est Kali. Je me lève tard, en vrai je me lève à 8h50 donc ça va. Je me lève à 8h50 donc on est ok. Ah je gêne t'as un peu là. Combien de délai ton passif là? Je vais mettre là du coup. Je vais juste changer le titre du stream. Je vais mettre ton marqué, c'est pas 6 secondes, chill stream League of Legends commentary. C'est 4 secondes déjà. Team flex pour delay. Le taper. Excuse. Après, pour le remettre deux fois sur une personne. Ah, excusez-moi, j'ai juste changé ça. On est bon. La chance. Ah ouais. Je me lève tard. Mais je télétravaille. Ah quand même, si j'ai pas 8 heures de sommeil perso, je rame le matin. Ouais, moi aussi d'habitude, je me couche vers 1h grand max, ce qui fait que 8h50 on je suis quasi à mes 8 heures de sommeil. Donc c'est cool. Bon, Lux c'est le bro en Lux c'est trop fort. Lux c'est trop fort en jungle honnêtement. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué personnellement. Il gère vraiment tout en jungle quand il est devant en fait, il se tombe toutes les games quand il est devant. C'est incroyable. Flash est très très fort aussi là avec son Brom. Oh d'ailleurs, l'agression bot lane, le Jhin qui va peut-être prendre le stun, qui prend le stun juste avant l'aggro de la tour, Brom qui prend juste un petit coup de tour mais ça va. Wow, bot lane c'était beau ça. c'était propre. Nouveau statut, ah oui ça a changé. En plus il va courir avec ses 650 DMS en jungle. Ouais, par contre avec Lilia, je l'ai pas tant vu qu'Arik ça, il est très très fort sur Kayn. Sur Kayn c'est un monstre. Avec Lilia ça dépend. C'est moins son main hein. En même temps Kayn c'est son main, il la spam. Du coup on va voir, j'aimerais bien voir une game où il hard win avec Lilia pour voir un peu son potentiel.
Mais oui, ça va galoper. Hein. En fait, il peut être moins actif que Kayn en early game avec Lilia. Vous voyez, regarde là, il a beaucoup moins de vie. Oh, on parle ici, hein, là-haut. Il a beaucoup moins de vie que quand il est avec Kayn. Quand il est avec Kayn, là, à la limite, il peut aller gank, choper le carap, etc., etc. Là, il est très très low. Il est très très low. Ok, bon, on n'aura pas la top lane, du coup, mais vous pouvez aller sur le live d'Airdox. Si vous voulez voir la top lane, que vous êtes plus intéressé, vous pouvez aller sur le live d'Airdox, twitch.tv/Airdox. Si jamais vous aurez la top lane sur son live à lui. Donc désolé, hein, la qualité, ça dépendra de leur flux à eux. On va être un peu pixelisé, on va faire ce qu'on peut. Kayn Blue en ce moment, c'est giga strong. Et là, c'est plus dur de carry, je trouve. Ouais, c'est plus dur, mais en même temps, si t'es devant, on a une agression top lane. L'agression top lane. L'agression top lane, Lilia qui va pouvoir mettre son autre attaque, ça joue tranquillou. Pourquoi il a descendu? Oh, je sais pas, il y a Skarner, je sais pas pourquoi il est remonté, ça va être chaud du coup. Ça va être un peu chaud, ouais, First Blood. Elle est assez low life. En vrai, oh, c'est dommage, il y a le counter aussi. Ok. Ok, ok. Ah, le stun. Oh non. Il s'est fait stun par quoi? Ah, oh, j'ai flash en plus. Oh, c'est honteux, c'est une honte. Attends, tu t'es fait stun par quoi là? Lux? Bah, c'est le Skarner, c'est le Skarner. Ah, ça stun maintenant? Honte à la nation. Ah, ça stun maintenant le Skarner, je savais même pas. Pourquoi je prends ça? What the fuck? Ah, au fait, on repasse enfin chez Orange à Camille. Ah là là, ça donne les infos Orange. Hein. Moi, je suis chez Free, ça marche très bien. Mais Orange, c'est cool. Orange, c'est cool. Ok. Bon, 2-0, c'est un peu chaud. Peut-être que la game va être dure. Hein. En vrai, j'espère que la game soit un full win. On va voir. Peut-être que la game va être dure. Au mid, on voit le petit bisou, ça fight. Oh, top, ça kill. Putain, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, mais non, mais on n'a pas la POV sur le tas. Il a récupéré. Du coup, il a double buff. Le E, ça met une marque, et à la prochaine atout, tu stun. Ah ok, mais ça a changé. Avant, moi, le E de Skarner, je le connais, où ça fait une zone autour de toi. Ça fait une zone autour de toi et ça fait des dégâts. C'était ça avant le... Ah non, ça, c'était le... Ah non, c'était le Q, le E, tu lançais un truc devant. C'était ça, je crois. C'était le Q, le... Bon, bref. Il a été rework, je crois. Ils ont changé un peu ses sorts et tout. Ok, bot, ça fight. Hein. Bot, ça fight, mais le mur de Brom. Hein. Le mur de Brom qui est très, 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 très fort. Oh, le double route, par contre. Pareil, comment ils ont été routés là? Ah oui, c'est la Senna. La Senna qui a mis son store pour router. Ok, ok. Bon, ça va se calmer un petit peu. Le début de game va être un peu plus lent que ce qui va se passer après, normalement. Il y a 3-1. On est sur quelque chose de correct. Le flash-in, il est très agressif, flash. Hein. Il va le stun. Oh, le flash. Ça stun. Le flash-in de H. Il a perdu la vision, mais là, la salve qui tue. Ah, trop fort, le flash. Là, ça auto. Ça enlève un peu de dégâts. Juste avant pour pas prendre. Eh, c'était propre, ce flash-in. Flash, on a tout vu. Hein. On a tout vu. Bon, il a. Hop, là. Aussi. Ah merde, ah oui, c'est vrai qu'ils sont en train de regarder. Le heal qui est lâché. Ils ont vu l'action top de tout à l'heure. Oui, ils ont vu l'action top, ouais, c'était quelque chose. J'ai pas compris pourquoi t'étais remonté d'ailleurs. Tu sais, ta gank et t'es monté dans le bush. On va rester, non? Alors que Fiora est descendu, mais bon, c'est pas très très grave. Ah oui, non mais je pensais qu'elle allait me go moi en fait, c'est pour ça. En tout cas, c'est parti. Ah, top lane, il y a relagression, elle a utilisé son dash. Tu vois, j'ai heal early. Hein. Elle a utilisé son dash, mais c'est bon. C'est bon, wow. C'est tranquille. On a le vocal, Pas... Normalement, on les entend pas très fort comme ça. Ma voix Ignite, passe par-dessus. Peut-être Skarner qui va. Ah non, mais Skarner, je pensais qu'il nous tuerait, tu vois. C'est intéressant. Ils ont repris un kill bot. Donc, bot, il est à 1-0. Donc, c'est pas trop mal. Qui d'autre a le kill? On le voit pas. Ah, ça doit être Gnar. C'est Gnar qui a tué en solo la Fiora. C'est Gnar qui a tué en solo la Fiora tout à l'heure. On n'a pas vu parce qu'on n'a pas la POV top. Malheureusement. Ok, Skarner qui vient de faire le Drake tranquillement. Premier Drake c'est pas très grave. En plus il y a du counter jungle. C'est pas comme si Lux faisait rien. C'est ça qui est trop fort avec Lux. C'est que s'il est pas à un endroit, mais il est ailleurs en train de faire quelque chose. Moi, du coup c'est vraiment vraiment propre. Bon, top elle est low. Hein. Top elle est low. Il va peut-être se passer quelque chose. Top. Bot ça fight aussi. Mais ça va. Elle a pas peur. Ouais, en fait. Elle va voir. Ah dommage. Ah dommage. Elle a récupéré la parade à mon avis là. Elle est 6, attention. Ouais, elle, là. Le slow, ouais. Attendez le. Non. Et Skarner qui arrive. Il faut faire vite. Elle va parade de tout. Il sait que t'es là. Oh, bon, ouais. On skirte par là sinon. T'as pas ult, Lux? Bah non, mais en fait elle va juste parade mon ult. Ah, mais oui, putain, je suis con. Elle corcoche la teamflex. Bon, là on est plus commentateur parce que moi j'ai un niveau débile. Hein. J'ai pas joué depuis tellement longtemps, en fait j'ai fait une grande pause de 3 ans, on va dire. Et j'ai perdu tout mon niveau, encore plus en macro. Au mid on a le move Romain. Romain qui tente, le bisou il est pas passé tout à l'heure. Elle a encore son flash, après il y a Lux qui est pas loin. Bon ok, ça va être chaud. Ah, en plus il a pris le combo. T'es plus fort que moi alors que je traverse depuis 2 ans là. Là j'ai gardé quelques réflexes mécaniques et encore il faut que je joue un peu plus. Mais en macro, beaucoup moins. Le skin de Lux qui est vachement cool. C'est quoi ce skin là? On dirait qu'elle est en pyjama. C'est incroyable. Au botlane, on revoit un peu la petite botlane là.
Ils sont très forts aussi. Hein. La duo Flash et Crêpe, ils sont très très forts et ils s'entendent bien. Par là, du coup, hein. Et ils s'entendent bien, ce qui est très très bien en duo du coup. Parce que forcément, quand tu t'entends bien en duo, bah, tu peux faire des trucs sympas. Fleur spirituelle. Ok. On a l'info mid, attention. Hein. On voit sur la mini carte, hein. il y a le scanner. Le scanner qui est là, l'idéal c'est de fake un peu, de faire perdre de temps, faire genre on n'a pas vu. C'est pas toujours possible. Bot, ça fight. Il y a le wall, hein. Le wall qui est très intéressant. Là, il y a, et ça va kill 100%. Ils ont tenté de split pour aller tuer la Senna. Et Lux qui tue la Senna. GG, ça! Double kill bot! Il y a scanner top. Voilà, on leur communique. On triche un peu parce qu'on peut donner des infos. Hein. On est en live, on peut regarder nous la minimap tout le temps. Mais bon, on s'en fout. Hein. On est en flex, on n'est pas en tournoi. Je sais pas d'ailleurs si on a le droit de faire ça avec un stream Discord comme ça, parce que là je peux complètement donner toutes les infos, je regarde que la minimap et je suis en mode machin est là, machin est là, machin est là, machin est là. Mais bon, là on est en commentary plus qu'en aide. Je me mute pour pas les embêter, parce que vu que je fais que parler, je me mute pour pas les embêter. Il a sûrement fait ma top side. Ça va carry hard bot. Hein. H en plus c'est très très bien. Du coup ça va être bon. Lux il a 1-1-1. En vrai, c'est assez even un peu sur toutes les lanes. Il y a 3-4. Ah, il y a ton raid. Ah, la Fiora qui sera peut-être le problème dans la game. Puisque là, c'est son deuxième kill, je crois. Mais ça va être intéressant. Ils ont. Ouais, il est peut-être sur les rades, on va voir. Ils ont un peu des moyens. À quand les casse des Warriors maintenant pas tout de suite. Mais savoir que moi, à la base, je suivais Chipsenois. Hein. Chipsenois from day one. Hein, parce que moi, je suis depuis très, 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 très longtemps le stream game de 1 et de 2, surtout les compétitions sur League of Legends. J'ai regardé en live la compétition de la saison 1 hein, avec les Fnatic contre les AAA, bien sûr. En live. C'était sur Dailymotion à l'époque, peut-être. Je sais plus sur quoi c'était. À Katowice, je crois, si je dis pas de bêtises. Exceptionnel. Et du coup, forcément, Chipsenois, les boss. Chipsenois, les boss. Ça continue tranquillement. Ça continue tranquillement. C'est bien aussi d'avoir le triple POV, ce qu'ils peuvent pas avoir, enfin ce qu'ils ont pas entre guillemets dans des dans les compètes et tout. Même si on voit pas forcément bien, mais du coup les actions, je peux les zoomer. Par exemple la bot, le scanner qui arrive, il y a un stun qui a été calé, mais Brom qui met le mur, l'ultimate qui est parfait, qui temporise un peu, mais H va quand même mourir, je pense. Il y a le heal flash qui est claqué, il peut pas se mettre devant, il a plus le wall, mais Brom va sûrement survivre. Ça fait un kill, ils vont dépenser beaucoup. Bon. Ouais, c'est ce qu'il dit. Vous voyez, Romain, il vient de call là. Crêpe, il vient de call, il vient de dire il y a flash machin. En vrai, c'est incroyable d'avoir vécu ça. J'avais 8 ans perso à cette époque, c'était exceptionnel. L'ascension des Moscow 5 par exemple avec Diamond et. Je sais plus comment il s'appelle. Ouh, la Fiora qui vient de prendre le kill instantanément. Lux, il pourra pas la tuer. Hein. Elle régène beaucoup trop. Il va quand même mettre l'ulti. Mais ouais, voilà, il va juste un peu dépush la wave. Elle peut même dive. Hein. Elle peut même dive, elle va dive. Ok, il y a le smite qui ralentit. Bien joué le petit smite pour slow là, parce que c'était close. Hein. Oh, en plus elle a pris plein de coups de tour. Oh, il y va. Oh, Lux. Oh, c'était close. Par contre elle régène, mais c'était close. Oh, c'était close. Attendez, je vous ai pas zoomé l'action. Il y a Gnar qui TP. I'm going. Ah, forcément go. Attention le. Tu l'as tué là. Et oui, ça kill, bien joué ça. Vous avez vu Lux comment il a bien joué? Il a mis, elle a un. Alors après elle aurait dû Z un poil plus tôt s'il avait été vraiment forte. Mais Lux a arrêté direct de taper pour pas proc le counter. Franchement, c'était propre. Mon sentiment de nouveauté, de compétition quand ça émergeait, ça devait être quelque chose. Non mais c'était un truc de ouf. Je disais les Moscow 5. C'était des mecs qui innovaient. En fait, c'est eux qui. Au début, c'était des counter jungle. Au début, tout le monde restait. Enfin, je parle ça, c'est saison 2-3. Hein. Tout le monde restait dans sa jungle. Il n'y avait pas vraiment de counter jungle. On traversait pas la rivière pour aller choper les camps des autres. Enfin, c'était des trucs de malade. Et eux, ils faisaient des strats qu'on voyait jamais. Les Moscow 5. Quand il y a les premiers Insect. Avec Litin là. Bon bref, qui sortait, etc. Enfin, c'était de ouf. Les XPK, bien sûr. La XPK qui finit avec Kassadin, Insekui. La XPK qui finit avec Kassadin. Moi, j'ai vu en live cette game de XPK qui finit le Nexus. J'étais là, j'étais. Vas-y, XPK! C'était un truc de fou. C'était un truc de fou qui finit son Nexus avec le Kassadin en reset auto-attaquant, en ultant à travers le Nexus à chaque fois. Au mid, ça va faire mal. Le heal qui est claqué, c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop. Ah non, l'Ignite! C'est elle qui a heal en face. J'ai cru voir un semblant de heal, je sais pas. J'ai fini ma SVT, nice Akemi. Oh, l'ulti, ah bah elle est morte. Oh, dommage. Oh,
le bisou. Ah, il y a Skarner. Je suis un connard. Ah, il vient de le dire. Il vient de le dire, je suis un connard. Il a raté le bisou. Je pensais qu'il était sur toi encore. Et dommage. Elle a bien fait de rester dans sa zone, la Lux. Elle a bien joué. 7-8. Ça peut être intéressant parce que la game est un peu short. Ce qui est plus intéressant au final. Ok, ça va faire dormir. Ça va aller focus Lux pour la dépop avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Ah, la flash out. Elle a flash out, il y a l'ulti Senna. Aïe 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 aïe, il y a l'ulti Senna en plus. Tu viens pas de me dire, elle a plus d'ulti la Lux? C'est la Senna qui a l'ulti. C'est Senna. Ouais, c'est la Senna. Ouais, ouais, c'est la Senna qui a l'ulti. Elle avait un flash par contre. Je vais pouvoir suivre la game. En plus, elle est serrée. Il y a 9-8 du coup. C'est serré, c'est serré. Après, il. Alors, Lux aime pas trop être derrière dans les games. Parce que comme il le dit, et il a raison, il a l'habitude d'être devant. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais il a quand même, bon là il a 100 creep, hein. Il a plus de farm de tout le monde d'ailleurs. Donc on va voir, ça va être intéressant. Mais on est, je dis on parce que je participe aussi. Ils sont forts en comeback aussi. Hein. Si on est un peu derrière, on arrive totalement à comeback. Il y a des games qu'on tryhard jusqu'au bout et on comeback de fou. Et c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Lux est rank quoi, what the fuck? Lux il est plate, je crois. Il est plate, quelque chose comme ça. Ouais, il doit être plate. Je sais pas s'il a atteint le diamant, mais il doit être plate. Mais faut savoir que Lux, il joue depuis pas longtemps, il joue depuis 2 ans à peine. Je crois. Il est tellement fort. En fait, il a une très bonne vision de jeu. Après, il a spam le jeu. Mais il a une très très bonne vision de jeu. Et pour jouer jungler, c'est super important. C'est même le plus important. Bronze 2. Oui, Flash qui écoute. Ah non, qui répond juste, je pense. Il est plate, mais meilleur que la moitié des masters. Il est plate, mais meilleur que nous. Oh, bot, ça kill peut-être. Bot, ça kill. C'est le kill sur la hache. C'est laissé à H. Ça, c'est smart. Ça TP derrière. C'est la Fiora. Ça va sur one shot. Hein. Ça va sur one shot. Attention au pari. Ok, elle va juste courir. Peut-être pas. Auto-attaque. Attention à la régen. Elle a bien pari. Mais du coup, vous avez vu Flash, il a dodge. Hein. Flash, il a sidestep de pari. Oh la roue. Oh, c'était parfait. Mec, c'était parfait ce que vous avez fait, bot. Et joli sidestep Flash du contre. C'était propre. On l'a vu. C'est un truc de fou. J'arriverai jamais à avoir ce côté tryhard, moi j'ai besoin de m'amuser. Mais en fait, nous on tryhard en s'amusant en fait. Ça veut dire que nous, quand on a une game. Oh, ça va kill. Oh putain, c'est la salve qui prend par contre. Au-dessus, il y a des méchants. Putain, il galope. C'est marrant son item. Ultimate de Skarner qui a été utilisé. Et nous on tryhard toujours dans une bonne ambiance, mais on essaie de tryhard. Et quand on remonte les games, mais quel plaisir quand on remonte petit à petit, qu'on voit l'espoir dans les joueurs adverses partir. Quel plaisir c'est. Et quand on gagne, on est trop content. La Lux, normalement. On a trop rigolé, on est trop content. On est en mode yes. C'est trop bien. C'est un peu comme dans Dark Souls, quand tu galères à tuer un boss et que tu finis par le tuer au bout du 50ème essai. T'es trop content. Après, solo c'est plus dur. Solo c'est plus dur aussi. Effectivement, ce que tu disais à Camille, en vrai ça dépend, c'est excitant, je trouve, de vraiment tout donner, mais à plusieurs, effectivement, à plusieurs. Solo c'est beaucoup plus dur. Maintenant, t'as dû le voir, Lolo, c'est fou comment je suis calme et du coup je m'amuse plus. Ouais, moi pareil, hein, au début j'étais un peu plus nerveux, même si j'ai jamais été un gros trash talker. Je parle de ça encore une fois en 2011, hein, donc j'étais beaucoup plus jeune aussi. Mais maintenant, faut juste, voilà. Moi j'ai passé l'âge, j'ai envie de dire. Juste poser, jouer pour s'amuser. Et si trash talk on ignore et on s'en fout en fait. Juste voilà. Et moi j'essaye d'être même bienveillant et d'essayer de raisonner de temps en temps. Mais si je vois qu'il réfléchit. En fait, si je vois qu'il est ouvert et que je peux essayer de le raisonner, j'essaye. Mais sinon, tant pis en fait. Sinon, ça sert à rien d'essayer de raisonner à un mec qui a pas envie d'être raisonné. Ouais. Si je la go in après. Voilà, péter derrière moi bureau. Quoi, bureau en. D'ailleurs, mon bureau en a payé. Ah bah. Moi non, du coup, je mettais pas trop de coups. Moi je suis là, je fais paf comme ça, mais. Mais assez tranquillement. Il y a l'autre qui arrive, je suis là. Hein. Mais... Avant, je tapais le clavier de temps en temps. De quoi, ok, top. Ah, top, il est obligé de fuir. Il y a la parade. Elle a utilisé sa parade, donc elle a pas tout de suite. Putain, j'ai pas. Ok, ça oh kill. Non, ça me en vrai, 1-1. Il y a le Gnar qui arrive. Il a lutte. Oh, flash de Skarner. Oh, je le dis à chaque fois, mais bon. Oui. Oh, Mid. Je sais pas comment je peux pas les réveiller. Oh, Mid, c'était si pas les réveiller. Juste quand ils dorment, il faut pas les réveiller. C'est tout. En fait, faut pas que tu le touches. Il est en train de dire que en fait, quand il dort avec l'ulti de Lilia, il s'endort et dès qu'on le touche, il se réveille. Au bout d'un timing, bien sûr. Et le mieux, c'est que Lux puisse absolument caler son bump qui fait ça, enfin son coup qui fait Naoe. Sauf que là, du coup, Erdox il a mis un Q spell, je pense. Ce qui fait que ça les a réveillés un instant, ils ont pu bouger et du coup ils ont pas pu tout mettre. Par contre, c'est ouf comment je suis le seul débile à jouer Camera Lock. Ah oui, la Camera Lock. Ça c'est compliqué, Camera Lock, c'est compliqué. Moi je joue pas du tout Camera Lock. En plus, avec Victor, je sais pas comment tu fais parce que ton ulti, des fois tu l'as au loin et tout. Même ton rayon un peu, il a une bonne range quoi.
Elle va être dure la game, hein. 14-12, c'est pas gagné. C'est pas gagné, ça va être dur, ça va être dur, mais intéressant. Du coup, il y a Lux qui tape. Oh, Lux qui va la détruire, hein, par contre. Quoi ? Oh, non, quoi ? Oh, c'était si close, Lux. C'est vraiment trop. Ah, y'a Gnar qui tue. Ah, bien joué. Erdox. Erdox qui va double kill. Oh, il dodge la cage. Ah non, il l'a prise. Ah, dommage. Oh, c'est close aussi. Ah, c'est si close. Ah merde, j'aurais dû zoomer, excusez-moi, j'ai pas zoomé. Parce que moi, j'ai un grand écran, donc je le vois assez bien quand même. Pendant ce temps, ça push. Oh là là. Je dis que ça m'énerve si je vois qu'ils font des erreurs, j'ose pas le dire. Quoi ? C'est pour ça que je veux des gens exactement à mon niveau. Ah oui, ouais, mais ça c'est pas toujours facile. Oh ! Attendez, excusez-moi, il se passe des trucs bot là ? Ok, ils vont prendre le Drake tranquillou. Bah genre, je sais pas, j'y arrive bien, mais je peux pas m'en empêcher. Il revient. Si ça me fait vraiment défaut. Ouais, honnêtement, ça te fait défaut, forcément. Aucun pro joue camera log, donc ça veut dire que forcément, pour techniquement, c'est pas bon, on va dire. Mais en même temps, ça dépend au niveau auquel tu joues, tu vois. Jusqu'en gold, plate, même l'odium. À mon avis, tu peux continuer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend ce que tu veux aussi. Il faut pourtant gentiment, mais il le faut. En fait, ça fait au moins un. En fait, dans l'idée, faut toujours être bienveillant. Et si t'as un reproche à faire, c'est pas forcément toujours mauvais. Mais dire genre un truc. But, à la fin, genre but and pay, just try next time ou des trucs comme ça pour pas les frustrer. Pas juste balancer une erreur comme une erreur. Genre en disant, genre si tu balances juste, t'aurais pas dû y aller. Juste comme ça, c'est tout. Il va mal le prendre. Mais si tu dis, t'aurais pas dû y aller, mais t'inquiète, ça le fera la prochaine fois. Ou un truc comme ça, vous voyez, des choses comme ça. Et t'aurais pas dû y aller, ça sert presque à rien, parce que ça se trouve, le mec, bah il le sait, il s'en rend compte. Plus dire, t'aurais pas dû y aller parce qu'il y avait trop de creep. T'aurais pas dû y aller parce que, vous voyez, essayez de donner un argument. Essayez de donner un argument à chaque fois pour que le mec comprenne en fait pourquoi il aurait pas dû faire ça. Et souvent, quand on comprend pourquoi on a fait l'erreur, bah on est plus à même de l'accepter que quand on comprend pas. C'est ça le truc. Bon, ça. Il commence, ouais. On est très fort en team aussi. Et là, quand ils sont regroupés comme ça, on a une bonne communication et ça se passe souvent assez bien. Donc là, ça prend quelques kills sur le Drake, c'est pas mal. Il y a le Skarner qui est assez low life, qui va. Il fait n'importe quoi, il a trollé lui. Alors, par contre, Skarner, il est un peu trollé là. Hein. On leur dit. Et là, boum, on a bien entendu le Jin qui meurt. C'est pas mal, 17-17, ça revient à égalité. Ça revient à égalité, c'est cool. C'est cool. Puis trouver une team, c'est chaud. Si c'est pas des potes, l'ambiance est pas ouf. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai trop. Oh, ça recule. Hein. Ça recule. Excusez-moi, je vous ai pas forcément montré. Ça recule. Moi j'ai trop de la chance avec le stream, avec le serveur de Briquette où on a lancé la team Flex. J'étais là, on a lancé cette équipe, on va dire. Enfin, lancé. On a un peu été les précurseurs de voilà, jouer à LoL sur ce serveur de Discord, etc. Et du coup, c'est trop cool. Et tout le monde est trop sympa. Du coup, c'est trop cool. C'est trop cool. Genre comme Flash a fait avec moi, quand je faisais une erreur, il me le disait tranquille en me disant quoi faire pour corriger. Exactement, c'est exactement ça, GQ. C'est exactement ça. Alors c'est très très dur en solo queue de faire ça, mais de temps en temps on peut. C'est assez dur. J'arrive, mais du coup en team c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Après on a aussi des caractères, un peu tous, là tous ceux qui sont là, on a aussi des caractères un peu tous tryhard, donc ça c'est cool. Mais aussi on sait, on n'est pas genre en mode... Oula, oh, on a un nouveau live. Il y a Lux, Lux est là. Ouais. Attends, il y a Fanta qui live là. Qu'est-ce qu'il fait, Fanta? Skarner. Je sais pas ce qu'il fait, Fanta. Lux aussi, mais du coup, ce que je disais, on a tous un peu cet esprit de. On accepte la critique de une et on le prend pas au premier degré en mode. Ouais, tu me critiques, vas-y, wesh. Vous voyez, on est vraiment en mode. Oh, top, il se passe des trucs. Oh, il a dodge l'ulti de Lux. Par contre, il va quand même mourir, je pense. Ouais, il va quand même mourir, malheureusement. Et alors qu'un Stitch vient d'apparaître sur l'écran. c'est Fanta. Oh, ça kill. Quel BG. N'hésitez pas à le suivre twitch.tv/FantaPep. Putain, par contre, Fanta, tu me fais chier avec ton pseudo de merde là sur. Comment ça s'écrit, FantaPep? Putain, FantaPep. Il y a 3 P à la fin, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je crois que ça allait être sa tête. Je me demandais ce qu'il faisait. Je crois que c'est FantaPep. J'ai tellement de gold sur la phase de jeu là. Va me dire peut-être. Il y a son bleu, hein, il y a son bleu. Ah, n'hésitez pas à aller follow. Attends, je vais vérifier parce que si j'ai pas donné le bon truc, je suis un peu déçu. Attendez, je vais juste vérifier ça. Après, on repart dans la game. Après, on repart dans la game. On prend le bleu, on se barre. Est-ce que j'ai mis le bon truc? Après, beaucoup le connaissent déjà d'ici. Beaucoup le connaissent déjà, bien sûr. J'attends que ça charge le logo. Ok, c'est ça. Excusez-moi, je retourne. Je me remets dans mon setup. Il m'a refait. Là, mais il est excellent avec sa cam. Ça me stresse, sa cam est inversée par rapport à son stream. C'est vrai ? Moi, je la retourne aussi, la cam, hein, pour regarder toujours le jeu. C'est-à-dire que là, je regarde le jeu et vous pensez que je regarde le jeu ? Là, je vous regarde, bien sûr. Et si je suis de l'autre côté, bah, du coup, j'inverse la cam pour regarder le jeu. La petite technique, c'est un peu plus naturel. Il joue actuellement. Je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Là, il joue pas. Hein.
Il joue pas, hein, je sais pas ce qu'il fait. Genaro, en tout cas, il est pas dans la game. Il reste au mid, je vais à Ro, dans 4. Il est pas dans la game. Bon, c'est chaud, 18-21. C'est pas gagné, on va re-rentrer un peu dans la game. On a un peu discuté, mais c'est ça qui est bien aussi. Et je vais boire une goutte d'eau par contre, parce que là. Maro qui part. Ah oui. Non. Oh, Maro qui part, elle est partie. Ah, y'a un mec là. Une petite bouteille d'eau. Et là pourquoi? Bon, il fait son petit show, je sais pas, pour son beau minois. Fais coucou si tu nous entends, Fantin. Ouais, il va vite. Go attendre mon arrow. Je sais même pas s'il est sur le live. J'étais bien, Erdox là. Ouais. Vas-y, alors. Il y a Scanner qui fonce, il va essayer d'ulti. Ok, il a essayé d'ulti Romain. Oh, dommage le bisou. Dommage le bisou, c'est passé close. Il a essayé d'ult, il y a le slip là qui s'est passé. C'est moi qui l'ai ulti. C'est pas mal ce qui se passe. C'est pas mal du tout ce qui se passe, c'est pas mal du tout ce qui se passe. C'est GG ça, le double kill de Romain bien sûr. Ça continue, le quadra. Oh, dommage. Ah, le bisou qui est pas passé, le flash in. Et le flash in pour finir bien sûr. Il y a Fureur en dessous. Fureur en dessous, oh dommage, le bisou c'était close. Il aurait dû attendre, il y avait le slow, il aurait dû avancer et slow un petit peu. Faites le drag avant de partir. Mais c'était propre. On n'a pas vu hein, si on a eu un bisou. H avec moi sur le match. Les autres. S'il a eu un bisou, s'il a fait un coucou. On n'a pas vu s'il a eu un bisou. Ah, c'est shot. S'il a fait un petit coup. Ah, mais par contre. Il m'a trollé la cam. Attendez, bah, je vais remettre ma cam en bas à droite, tant pis. En vrai, on peut faire les deux, oui, on peut. Oups. En vrai, c'est pas très important ma tête. Je vous ai remis la cam un peu en bas à droite, on voit un peu moins Romain, mais c'est pas très grave. À moins que je puisse le réorienter. Ardox, faut que tu viennes. Non, je peux pas les bouger. Faut que quelqu'un vienne. Ah ouais. Ah, mais je peux faire arrêter de le regarder, non? Attendez. Tiens, je pensais pas qu'il viendrait instant là. Ouais, je crois. Activer la vidéo. Mais 3 pour le Nash, c'était trop. 3 pour le Drake, c'était trop. Ouais, ouais. Non, je peux pas, je crois. Pas vu que... Ouais, non, mais Ardox, il était. C'est pas très grave en vrai, c'est pas très grave, il est là, il est beau. En tant qu'il s'auto-papouille. Ils font 4. Il me tue. Il me tue. 3 pour le Drake, c'était trop. Ok, alors. Ils peuvent pas trop le faire. Ils ont tenté Nash, bon, ils ont tué Gnar, ils vont revenir sur le Nash. Ça va être chaud en vrai là. Il s'est passé un truc. Ah non, il y a Lilia. Ah, il est au-dessus, Lux. Donc c'est au-dessus. Donc c'est là. Donc ça flash in. Est-ce qu'ils vont le cancel? Ils ont pas la vision. Merde. Putain, il manque rien pour la vision. J'ai plus l'ulti. Ok, ça donne la vision, ça, parfait. Il y a la vision, il y a la ping qui est placée, ça c'est très 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 bien. Largement le temps. C'est très 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 bien. Ok. Oui, ça se passe dans le chat. Ça traverse un peu, hein. Mais c'est tranquille. C'est tranquille. Ok, là c'est bien parce que le Nashor prend des dégâts. Ça go in. Ok, flash est mort, c'est chiant parce que du coup il y a plus le. Il y a plus smite. J'avais un peu oublié la luxe, genre. Il y a plus smite. Aïe aïe aïe. Ok, bon, ça va redonner une game série du coup. Ça va donner une game série du coup parce que. Bah, parce que ça revient à 22-25. Il y a le Nashor qui tombe, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bah, du coup, j'ai envie d'une team pour flex aussi, mais trop compliqué à mon Halo de trouver des gens avec qui je m'entends. Bah, ouais, c'est chaud. Après, tu peux venir de temps en temps avec nous, tu sais. De temps en temps, tu vois, il y a. Alors, on n'a pas tous le même niveau. Je pense qu'il y a deux teams. Il y a deux types de niveaux, on va dire, chez nous. Pas pour critiquer, hein, mais tu vois, des fois, il y a Braki qui passe avec Eva qui est peut-être un peu moins forte que. Mais en même temps, Luke, c'est trop fort, ouais, etc., etc. Enfin, voilà. Et du coup, ça peut être très sympa aussi. Hein, sur le Discord de Briquette, je pense. Ça peut être très, très sympa. Il y a RS qui joue. RS, c'est pas mauvais. Puis même si nous on n'est pas, enfin je dis nous, si ceux qui ont l'habitude de jouer ensemble ne sont pas forcément toujours là, juste on joue avec, enfin moi la fin dernière j'ai fait une game avec toi et à JKO par exemple, tu vois, et c'était trop cool, j'ai kiffé, c'était trop drôle et il y avait Flash, c'était trop trop drôle. Moi j'aimerais bien pouvoir jouer, mais Riot veut pas faire de version sous Linux, ça c'est chiant j'avoue, ça c'est chiant. Genre on se met à 10, on fait deux équipes fixes. Quoi? Je suis trop... après moi j'aime pas trop les équipes fixes. Oh putain, attendez, qu'est-ce qui se passe, Romain là? Romain est pas. Oh! 1900! T'as pris un coup à 1900, Romain, je crois. Mais gros, son fantôme il est apparu à mon 4, genre. What the fuck? Il a pris un coup à 1900, quoi. Je suis par rapport à vous, sans me dénigrer, juste parce que c'est vrai. Mais pas par rapport à tout le monde sur le Discord, je pense. Pas par rapport à tout le monde sur le Discord. Oui, là sur la game là, effectivement, la game est pas haut niveau, mais d'un niveau correct, on va dire. D'ailleurs, ils sont plus haut niveau que moi. Attendez, Lux, il va. Oui, je t'entends. Oui, oui, Fanta. 3, 3, 3. Oh, attendez. Oh, l'ulti de. L'ulti de. Oh, Flash. Ton ulti. T'es tellement parfait. Il a fait même 4 personnes. Bah, GG. Tu disais, Fanta? Ah, il m'a. T'as vu le MP que je t'ai envoyé ou pas? Ah non, j'ai pas lu. Ah non, mais moi j'ai regardé le tweet et j'ai pas été sélectionné et toi non plus. Désolé. Ah, oui, ok. J'ai regardé ton pseudo. J'ai regardé le mail et j'ai vu que j'avais pas été. Ouais, j'ai regardé le tweet. On va faire du headshot quand même. La tristesse.
pour info, on s'est inscrit au Game Pass Challenge avec un pote. Et Fanta lui aussi avec un pote. Et c'était aujourd'hui les résultats, mais on n'a pas été pris. C'était son objet, le Perceptor, le moins 1999. Pouah là là. Ouais, moi je parle d'une team vraiment fixe pour travailler un peu. Ouais, mais ça c'est. Oula, attendez, il y a Fiora là. Il y a Fiora qui a fait un carnage. Attends, il y a la Fiora. Le bisou qui fait du bien. Ah, pardon, le bisou en même temps que le stun, c'est dommage. J'ai le scanner qui court très 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 vite. Ah, il a ulti Romain. Il a bien joué l'ulti Romain. Ah, mais par contre, il y a l'ulti, parfait. Ils peuvent peut-être la tuer. Oh, dommage, le bisou qui ne passe pas. C'est close. Il faut back. Hein. Il faut back. Putain, ça dégoûte. Il faut back. Ok, c'est tranquille. Romain joue pas assez souvent pour tryhard. Oui, Romain, il joue de temps en temps. Mais après, il y en a, il joue. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ça a rekill, hein? Ça a requis, hein. Après, ouais, c'est chaud de trouver 5 personnes tout le temps fixe, etc. Ça, c'est sûr. Même nous, hein, on tourne, etc. Après, moi, j'adore commenter, donc ça me gêne pas. Mais voilà, quoi. Moi, je veux bien être là pour remplir des fois. Si je veux pas que je sois dedans, sinon après, c'est vrai, c'est chaud. Quoi? J'ai pas tout compris à JQ, mais tu vois, un soir, on est que 4. Après, on le dit, hein, souvent, quand on est que 4. Après, c'est. En ce moment, ça joue tous les soirs. En ce moment, on joue tous les soirs. Du coup, c'est un peu chaud. Parce que du coup, tout le monde est là, on est bien motivé. Mais des fois, il y a des soirs, on était juste 4 et puis voilà quoi. Ah, Camille, t'as essayé de chercher des gens sur L2P? Je connais pas L2P. Pour enlever leur ping. Gold. Ah non. C'est incroyable. Du coup, on a remis la cam. Je peux acheter IE là. La cam. Tu es trop haut niveau par rapport à moi quand même si on fait une team de Silver. Ouais, faut le faire. Après, mec. Mec, je dis mec à Camille. Après, tu vois, Flash, il a atteint le diamant. Moi là je suis gold, tu vois. Bon, en solo queue j'ai peut-être un niveau peut-être un peu plus haut, c'est juste que je joue pas. Mais tu vois, nous aussi, il y a des écarts de niveau de fou. Et c'est pas pour autant qu'on galère, tu vois, et on s'amuse bien quoi. On s'amuse bien. Par contre, là ça va être intéressant le flash, le smite. Ok, le smite qui a été très bien fait par Lux, il rate très rarement. Et Scanner qui va mourir, il rate très rarement les smites. Bien joué le smite, c'était propre. Bah, j'ai un redandit, c'est un redandit. Non, go back. Il y a la redandit, c'est Romain. Romain a pris cher. Il y a un Medjay à 25, Rizé. Oui. Oh, le Medjay 25, propre sur Romain. Perso, ce serait mieux quand j'aurai mon PC fixe dimanche pour venir avec vous et tryhard. Ouais, bah carrément. Et c'est pour ça que je te dis que pourrais venir pour remplir. Ouais, voilà, mais même. Enfin, après, moi j'ai pas assez joué avec toi, tu vois, mais tu vois, enfin nous on tourne, tu vois, là, même moi je suis prêt à te laisser ma place si on est 6, tu vois, enfin genre de temps en temps. D'accord, en stream, comment t'arrives, le cinéma. Ah, mais exactement, attends, on lui crée son contenu. Exactement, exactement. En fait, c'est le truc de Solaric pour chercher des gens de ton Hello. Ah, ok, c'est pas mal, Rofi, merci pour le lien. T'as bien fait. C'est parce qu'ils ont que des squishies. T'as tel qui a pop qui nous a fait mourir de dire ah merde, je sais pas. Mais oui, c'était exceptionnel, Fanta. On a vu ta tête arriver. T'étais là avec ton petit truc Stitch. C'était exceptionnel. C'est en jouant qu'on apprendra à jouer ensemble. Ça, c'est sûr. Après, moi, en plus, là, je fais pas beaucoup de LoL. Parce que les streams, je stream souvent des jeux solo parce que je kiffe et c'est plus facile pour moi à stream. Après, là, on est 10, hein, donc du coup, c'est que ça vous plaît aussi. Hein. Mais après, bon, vous êtes tous là aussi, hein, là, du Discord de Briquette. C'est la famille, là. Oh, ça attaque. Elle a bien parade. Vous voyez, elle a parade le bisou. C'était excellent. Par contre, le scanner a pris cher. Il a du flash out. Mais en attendant, Gnar a pris cher. Ouais, du coup, scanner a pu s'enfuir, mais pas Gnar. Mais en même temps, c'est ok parce que les dégâts sont pas sur Gnar chez nous. Le Brom qui a pu tempo avec le wall, mais bon, il l'abandonne. Il n'y a rien à prendre. Normalement, il n'y a pas le Nashor. Ils ont trade Drake tout à l'heure. Donc, ça devrait aller. Faut juste back et pas se faire catch. Parce que ça court très vite. Hein. Le Skarner, ça court très très vite, faut faire attention, mais ça devrait aller. J'ai toujours mon ulti, mais là je pouvais pas utiliser. C'est cool pour le follow. Ah, j'ai cru qu'il y a follow, les gens. Merci, je vais voir. Bah, de rien. On a mis ton lien, du coup, Fanta, quand t'es arrivé sur en vidéo pour montrer ce bel homme et mettre ta chaîne, bien sûr. Hop là. Bon, même si Ajiko te connaissait d'avant, je suppose. Clairement. C'est même pas je suppose, c'est sûr. Go partir en duo quand t'arrives sur la prochaine game. Je sais pas s'ils vont continuer en vrai, hein. Mais s'ils continuent, je suis chaud. Hein. On va voir s'ils continuent, je suis pas sûr. Oh, Lux qui a tenté. Qui a tué Lux. Ils dorment tous. Hein. Ils dorment tous, mais il y a plus personne. Ça va être chaud. H, elle va forcément. Ouais. Oh, c'est chaud. Hein. Elle est tendue la game. 31-33. 31-33, la game est ultra tendue, les amis. La game est tendue, mais on l'avait dit dès le début, mais c'est super intéressant. Il y a Gnar qui arrive. Non, il va peut-être juste mourir. Hein. Il dash out. Il y a Brom qui arrive. Senna est low. Senna est assez low, mais c'est chaud. Vous allez mourir. Ils vont mourir. Ah, quoique le dash out, le slow. Ah, le stun. Le wall.
Ok, il y a le méga gnar, il y a le flash, mais il va mourir de scanner. Ok, bah c'est pas rentable, surtout si. Oh, il faut pas qu'il meure. Oh, s'il meurt, c'est trop chiant. Il va. Ah, le stun. Il va prendre des waves là. Oh merde, c'est dommage. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'était call dans le vocal. Mais bon, ça se tente, hein, ça se tente de temps en temps. On laisse le il y a 13 kills sur H, va falloir pile H. On laisse l'inhib. Vous avez 13 kills sur, sur Crève, va falloir le pile. Hein. S'ils arrivent à pile H, en plus ils ont Brom, ils ont Lilia, même Gnar, hein, ça peut ne pas go in et juste, en pot. Hein. Ulti en poussant, etc., etc. Alors c'est pas forcément ce qu'on aime faire. Par contre, j'ai pris le pire stream. J'ai pris le stream avec la qualité moi la moins belle pour vous montrer ça. Ah, je crois que c'est la fin de la game malheureusement. C'est pas fini, mais il tank, il y a Crêpe qui meurt. Aïe, 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 il y a Flash qui meurt, il y a Smuklook, ça va être chaud. Ah, je crois que le Nexus va tomber. Ils vont peut-être pouvoir tuer Fiora avant. Non, on voit le regen. Ah, c'est le heal de la Senna. C'est le Nexus qui tombe, malheureusement, contre nous. Le Nexus qui tombe. Ah, c'était close, dommage. Ouais. Ultra mal joué, genre. Ouais, moi je vais me coucher. Hein. Oups. Moi j'arrive plus à sortir de. Plus la soirée avançait, plus c'était critique. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est. En tout cas pour ma part. Hein. Ah, c'était close. On a les dégâts. Pour les dégâts de Lilia par contre. Oh, jure. Ça pique, hein. Ah bah, Lux, hein. Quel level. Ouais. Lux, c'est trop fort. Non, pas du tout, non, par contre. On voit bien que sur la game, c'est Flash qui a été le plus nul, vu que c'est lui qui a fait le moins de Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il quitte la Team Flex, en fait. Il ne part pas du tout au Canada. Il ne part pas du tout au Canada. En vrai, si. Ah, ils sont en jeu. En vrai, si. Ah, mais il y a The Dindas, Project Arrangé et tout, là. Wiz, Rata. Il y a sûrement Aramis aussi. Ça fait, Mais je ne l'ai pas sur... Ça fait contre-soirée, bravo. Je vais vous laisser. Fiora is broken avec les viscérateurs. Fiora ça pique. Hein. Fiora ça pique de ouf. Hein. Ça pique de ouf. Bien joué, là. Bah, en vrai, moi je suis chaud pour continuer de commenter parce que sinon je vais être excité. Mais Fanta il est là donc peut-être qu'il peut remplacer Artox, non? Mais t'es toujours en live là? Ouais, je suis en full commentary sur le live. Hein. La game était. Ouais, c'était pixel. Alors c'était. Un peu dur pour vous la game, mais je t'avouerai que pour le live c'était super intéressant parce qu'il y avait plein de trucs qui se passaient. Du coup, voilà. Vu que je spam vraiment le commentary, je me mute pour pas vous déranger parce que je spam vraiment. Genre, j'arrête pas de parler. J'arrête. De temps en temps, je me démute et je vous dis 2-3 trucs, mais j'arrête vraiment pas de parler. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Fanta? En fait, moi je vais mute le vocal pour écouter le live. Aïe, ah, carrément quoi. Moi je pense que je vais mute tout le monde et je vais parler dans le vocal sauf que j'aurai. T'auras le retour sur le live. Mais il y aura un petit délai quand même. C'est vrai. mais on vous entend, effectivement on vous entend, mais c'est trop intéressant. Je vais couper mon internet. Je vais couper mon internet. Je t'envoie dans le chat d'Alcor quand est-ce que tu dois gank. Donc ceux qui peuvent, n'hésitez pas à me stream la game quand elle sera lancée. Comme ça on a les POV. Merci à vous, vous êtes des boss. Ceux qui peuvent, si vous pouvez pas, n'hésitez pas à ne pas le faire. N'hésitez pas à ne pas le faire. Ça, c'est le code secret pour le gank. Small fight. Ça, c'est le code secret pour le giga. Fiora, sinon je peux. Ah bah, du coup, il y avait Fanta. Ah, mais ouais, je peux pas de toute façon flex avec eux. Je suis silver en flex. Ah, il y a aussi ça en flex? Non, il y a plus ça en flex. Ça a disparu, je crois. Parce que moi, j'étais silver il y a pas longtemps. Je passais gold 4 il y a très peu avec eux. Il y a plus ça. Ils l'ont enlevé. Peut-être que quand t'es à 5, je sais plus, mais en tout cas, c'est sûr, ils l'ont enlevé parce que moi j'étais silver et il y avait crêpes en plate et du coup. Il y a Jinkyo quand on les code du coup. Ah, les Pokémon. Vous savez que moi j'ai quand même un Dracaufeu en Pokémon. Et ça, c'est. Sur le chat là, Twitch. Mais là, y a, en fait, ça c'est dans les émotes de Small Ant. Genre, il y a quelqu'un qui m'a offert un sub, il y a littéralement 100 émotes, genre. Ah ouais? Ah, c'est insane. Genre, ah, parce que moi, c'est pas ça, moi, c'est déverrouillé. C'est vraiment un truc à part, je crois. Par contre, vraiment, ça me termine parce qu'aujourd'hui, genre, j'ai stream, il y avait Alcor et Camille dans mon chat. Ensuite, avec Camille à stream, il y avait moi Alcor dans son chat. Alcor stream, il y a moi et Alcor. Voilà, moi et Camille dans son chat. Non, mais c'est la web TV, hein. Ça me termine, genre. Si
T'imagines, j'ai eu 60 émotes. Faut pique, faut que tu piques. 60 émotes. Ah, c'est propre. 60 émotes. C'est pas un Soda Popin qui a genre qui en a énormément. On est partout. Il y a un site où tu peux voir les émotes de tout le monde. Ah ouais? Putain, c'est propre. On est partout, et oui, on est partout. C'est vrai qu'on s'est un peu baladé hein, en mode organisé. Après, moi, le live de Fanta, j'ai un peu discuté et j'ai beaucoup écouté, mais j'ai pas trop regardé parce que je travaille en même temps. J'ai la chance de coder, et en fait, quand tu codes de temps en temps, tu dois faire des micro-rebuilds, tu dois rafraîchir ta page, et pendant un refresh, t'attends de mettre un petit message viteuf, etc., etc. Donc, du coup, c'est assez facile de pas être trop déconcentré et en même temps participer, même si tu peux pas autant full participer, quoi. On n'est pas en 0-10. Donc, ouais. Kyogre supérieur à All Romain qui balance, bien sûr. Dracofeu, ouais. Mais pas Shiny. Non, il n'est pas Shiny, c'est vrai. Méga Galamé, putain, moi je me suis. C'est une Kepline, en fait. Meilleur Pokémon, hein, bien sûr. Hors ouais, God, là, je sais pas quoi, là. Le remake de Or et Argent, quoi. Il va falloir un apéro, moi. C'est vraiment les bestes. On va s'organiser pour faire nos lives à la suite, c'est clair. Mais là, c'est tombé pixel, hein. C'est tombé pixel quasiment nos lives, hein. Ils se sont presque enchaînés. On n'a pas pu se raid pour le coup parce que je crois qu'on avait arrêté à chaque fois un peu avant. Mais c'était pixel, hein. Moi, supérieur à All. Il est noble. Je suis un Pokémon. Or, Heart Gold, ouais. Heart Gold, c'est vraiment le best. Mega Gardevoir, c'est la best. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais vraiment, Alcor, t'as exactement les mêmes goûts que moi. C'est super. C'est vrai qu'on a pas mal de goûts en commun, c'est un truc de fou. Est-ce que j'ai Mewtwo? Ah, mais j'ai Gardevoir! Katarina, oh putain, fais chier. Heureusement, je peux pas. J'ai Gardevoir pour Rolfi, ça. Bon, elle est pas Omega, mais je sais pas d'où je les sors ces emotes. Je ne joue que bot. Attendez, je vous montre que les Pokémon, tous les Pokémon que j'ai. Mais j'en ai plein. J'en ai tellement. Des Pokémon, ça. Je crois que non. J'ai failli troll Meruine, mais c'est ok. What the fuck, attendez. J'ai tout ça! Ah, mais encore une cata, mais pourquoi on le banne jamais? Mais tellement quoi! T'es né quand? Je suis né en 1994 à JQ. Le 6 octobre. J'ai vu, toi t'es en novembre en plus, on est pas si loin. Hein. Trop la waifu. Trop la waifu avec la garde au foire. Peut-être la même date de naissance. Ah, la même date de naissance, ça serait chaud. Regarde, hein. Avec Briquette. Ah, vous êtes né le même jour? Ah, je me souvenais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un livre de Briquette bientôt et le tien aussi, c'est vrai. Regarde le nom de la section, Alcor. Fais gaffe, il y a un mec. Le nom de la section TSK en face. Comment ça, le nom de la section POC? Le nom de la section 7 novembre, qui? Le nom de la section Flash? Parti. J'ai pas compris. Bah, j'avais pas vu. Oh putain, faut que je lance mon stream, c'est vrai. Ouais, si vous pouvez lancer vos streams, vous êtes vraiment les bestes. C'est bon là, Alcor, ou pas chez moi? Ah, attendez, je vais vous dire, parce que j'ai pas récupéré final, tout le monde. Ouais, crée, franchement, c'est propre. Elle est un peu plus pixelisée que les autres de temps en temps, mais c'est trop bien parce que du coup, ouais, on a une bot. Là, ça y est. C'est bon, moi. Putain. Ouais, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Merci à tous. On a 4 matchmaking. Hein. 4 POV, putain. 4 POV. Incroyable. Merci à vous. Bon, vous êtes. Qui a regardé le matchmaking là? Meilleur. Matchmaking? Ah, j'ai pas regardé. Ils sont chauds? Attends, mais là, il est master là, la Evelyne. Ouais. Quoi? Hein? Evelyne master? Master, c'est. Diamant 4, Master, Silver 4, Gold 3, Gold 4. Bah, ils me mettent des adversaires à mon niveau en jungle, enfin j'ai envie de dire. What the fuck? On a fait que c'est incroyable. On a fait que c'est insane. Je crois pas, putain. Quand tu choisis les modes, mais il dit que sur terre. Mais attends, mais de quoi il me parle, Flash? Après, il est vraiment. Small. Ah, le small, ah, le gars. Je comprends pas de quoi tu me parles. Mais bon. C'est sûr que j'ai Briquette avec qui j'ai Duo Q. Et là, un 7 novembre, wow. Je vais pas m'en remettre. Mais ça trie par sélection. Attends, Flash, il est né 7 novembre là, c'est ça que vous dites? Oh là, c'est la line-up Lux, Romain Flash là, les 3 platines là. C'est quoi cette histoire? Ah, mais moi je suis pixel en ce. Attendez, par contre, on va faire ça. C'est toi qui a fait qu'on est tombé contre un. Bon, du coup, on verra pas bien en bas à droite, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Parce que à la limite, il y a que Evelyne, c'est joueur. Ok, je suis né le 7 novembre 98. Mais putain, t'es né la même année que ma soeur d'ailleurs. Ça, chez moi, ça me dit 7 novembre. Incroyable, c'est fou. Diamant 4. C'est vous? Et les deux autres sont Gold 3. On est parti, j'ai pas du tout regardé la compo. On a quoi? On a Malphite. Et bah bonne chance. Malphite top, je suppose. Vas-y, reste en mode. Ouais, Malphite top. On a le Kane de Lux, il est trop fort sur Kane. Ouais, y'a aucun problème, t'inquiète, y'a pas de soucis. Il va falloir smurfer la game là. De toute façon, on était en 4 POV, là on est en 3, c'est déjà très 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 bien. Bon, on joue contre des Masters alors. Et du coup, on a Orianna, ça joue contre des Masters? Ça joue contre des Masters? Attends.
Ah oui, oui. Attends, déjà, faut que je PL mon Kane. Tu pourras dire, moi j'ai joué contre des masters en EU West. GL HF, guys. Mais ta cam un peu plus au milieu à droite, au pire non. Bah, du coup, je vais. De toute façon, du coup, je vais la mettre là, comme tout à l'heure. C'est le mec qui est comme ça, quand je zoome, je masque presque pas la carte. Donc, on est bon. On est bon. On n'a pas la bot lane, mais c'est pas grave. On a la jungle, on a la top lane. Et on a la mid lane, on n'a pas la bot lane. En vrai, Flash, en D4, il commence à recruter pour les équipes qui vont au World. Oula. Tu dis que tu viens de l'EU aussi. Ah, attends, mais vous. C'est les. Lux qui part en live. FlyQuest, Flash. Lux qui part en live. Attends, je remets mon retour. Ok, c'est bon. On est reparti, hein. Ah merde, j'ai perdu mon retour là. Putain, je suis un petit peu trop là. On est reparti. Du coup, bot, j'ai pas vu. Il joue Jin Senna. Jin Senna bot lane. C'est pas mal. Bon, je vais me glorifier d'une part de Frangipane. Vas-y, Ajikyo. Nous, ça sera jeudi au boulot, là. On va au boulot pour aller faire un tennis. Et en même temps, il y a notre chef qui ramène les galettes. Voilà. Il nous a vu qu'on allait au boulot, parce qu'on est obligé de dire quand on va au boulot, vu qu'il y a le Covid et tout. Et il a vu qu'on est plusieurs à y aller. Et il a dit, bon, bah, vu que vous êtes plusieurs à y aller, je vais venir aussi juste passer vous dire bonjour et ramener des galettes. On est en mode, ah bah, merci. Vive mon taf. Il va ressauter. Vive mon taf. Ah, on a Rengar top. En vrai, c'est pas trop mal avec Malphite parce qu'il va pouvoir le tanker un peu. Donc ça devrait être pas trop mal. Ça. C'est le. Lux qui aurait d'adverse. Hein. Il est totalement en train de faire la jungler à l'adverse. Il fait tout le temps ça. Ça va être un enfer pour les junglers. Je veux jamais jouer contre Lux de ma vie. Jamais. Ça arrivera peut-être un jour, malheureusement, si on fait du 5v5, ça nous est déjà arrivé en custom. D'ailleurs, je l'ai peut-être déjà affronté, mais je veux plus jamais. Hein. Ma gueule. Si je l'ai déjà fait. Et là, il va gank top. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de creepers quand même. Oh, en vrai, on tente. Hein. J'ai plus de mana. Oh, la top lane. En plus, la ward qui est déjà placée. Les gens qui ont pas de mana, là, se dégoûtent à chaque fois. Okay. Il a flash out. Donc, il a flash out tranquillement. Oh, il est resté. Ah, il y a Evelyn qui arrive par contre. Il va flash. Oh, merde, putain, j'ai pas réussi à flasher le mur. Ah, il était close. Là, quel enfer. Ah, il était close. Plus, ah, il était close. Faut que je fasse mon sac et que je dorme, mais j'ai trop la flemme. Le stream est trop bien, là, du coup. S'il te plaît. Vu que je rentre à midi demain, je pourrais me reposer. Donc, go look to stream, ouais, Armenin. Juste pour check si. C'est vrai que moi aussi, je devrais dormir là. Mais j'aime trop. Merci d'être là en plus. J'aime trop. Mais moi, de toute façon, moi, quand je suis tout seul, même sans live, je reste avec eux pour les regarder, en fait. Parce que j'aime trop. J'aime trop commenter. Alors, du coup, je commente un peu moins. Mais je commente dans leur vocal, comme ça je les tease un peu et je leur donne un peu des infos d'ailleurs. Mais c'est trop bien. Oh, par contre, elle va mourir, elle, ça c'est cool. Il y a Rengar au-dessus. Il y a Rengar au-dessus de vous. Ok. Rengar est un quart à life, à peu près. Voilà, faites pas ça. Ah, il y a Katarina. Ouh, ça va être dur. Ok, ils ont pris un kill, mais ils vont. Donne-moi le smite, mais le carab qui me troll. Ah, ça va être très dur. Fois, tu te barrais de fou, genre. Mais tu veux que je fasse quoi? Genre, j'ai pas. Enfin, doublé, on a Katarina. Ah, elle va kill. Ah non, il y a le flash. C'est pas grave. Moi, ça me fait de la forme. Ok. Ça aurait pu être pire, il y a 1-3. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est que la Evelyn, elle est master. Non, elle a 1-0-2. Donc, il va falloir faire gaffe. De toute façon, je dors H24 en cours, donc bon, je dormirai pendant l'histoire comme d'hab. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Je pensais que t'étais bien et tout là. C'est ça qu'il faut. Je sais, en fait, je savais qu'elle allait être là et tout, genre. C'était alors ça nous arrive par contre savais, et c'est peut-être un... tout, en fait on est une équipe assez agressive, c'est-à-dire que bot ils agressent beaucoup, Lux il gank tout le temps, il agresse beaucoup, ce qui fait que vu qu'on joue pas souvent safe mais en même temps ce qui fait que des fois on hard win en 15 minutes et du coup c'est super intéressant, mais en même temps des fois il se passe des moves un peu comme ça parce que là ils ont forcé le fight dans la jungle, ils ont poursuivi etc. ça aurait pu peut-être faire 2 kills à contre 0, on va dire bot ils ont kill je crois, mais du coup ça a fait 2 kills contre rien pour eux. Donc c'est un peu plus chaud. Par contre, bot, ouais. Bot encore. Bot double kill, bien joué ça. Bot double kill, ils sont pas morts en plus. Ce qui fait que du coup c'est un peu à double tranchant, mais en même temps c'est très intéressant. Parce que ça fait progresser sur des petits fights, on fight très souvent, etc. Mais c'est pas safe, mais en même temps, voilà. C'est un peu notre style de jeu. Le prof, il nous met H24 des DVD dans le noir. Donc comment tu veux rester vif, putain, j'avoue. Mais on remercie pour le gaming. Ah oui, JQ, il a. Le boost frangipane est déjà passé. Attention à la fève. Ok, du coup ça continue. Bon, du coup il y a 3-3. La botlane a rééquilibré. Le truc c'est ça, c'est que Flash. En fait, le truc c'est que Lux c'est trop fort. Mais s'il est un peu derrière, comme là par exemple, il a 1-2. Je vais passer par le mur, j'ai 15. Mais t'as Flash et Crêpe qui sont aussi trop forts en fait. Il faut m'attendre par contre. Flash et Crêpe, bot, ils sont trop forts. Je peux
venir. Je l'ai croqué pour le coup. Il l'a avalé. C'est pas, nice. Non, non, c'est pas la peine. Nice, nice, ouais. Nice. Vas-y, j'y vais. Ah, ils ont reculé. Je suis pas vu, hein, mais on a le temps en vrai. Attends, ouais. Il attend un peu. Il se méfie. Je sais pas pourquoi il joue safe comme ça, mais. Il se méfie peut-être parce qu'ils ont vu la Oriana mid, je sais pas. Ouais. Peut-être, mais là elle est top, top sa fight. Là, hein. On peut y aller en vrai. Top sa fight, ça va être close. Gringar, il va jump, jump. Ah, il va le tuer. Il va mourir, Fantôme, malheureusement. Ah, c'est chaud. Il y a eu un flash. Bon, ça killera pas, mais ça met un peu de poke. Ça, ça stack la forme chez. Un peu quand même, non. Ça stack la forme chez Lux. Je refais. DVD en cours d'histoire le jeudi. De 8h à 12h, c'était le bonheur. Putain, j'avoue, nous aussi, on avait les DVD. On avait fait quoi, les Apocalypse? Pas Apocalypse. Il y a pas une série sur la guerre, je sais plus c'est quoi, qui est assez connue. Je sais plus. Ouais, putain, vous avez beaucoup parlé. Ouais. Je l'ai quoi J'ai plus d'incisive. Bien dire, évidemment. Pour dormir, oui, c'est cool. Moi, j'aimais trop. Après, moi, j'étais un élève trop studio pour le coup. Je fais le dragon, mais il va y avoir. Moi, j'ai jamais dormi en cours de toute ma vie. Du coup, il faut que vous décaliez au bot si. From la maternelle. Enfin, non, la maternelle, du coup, tu dormais un peu pendant la sieste. Mais from la maternelle, tout la fac. Putain, c'est bien joué mid. Ah, j'ai plus de mana, il a pas l'ulti, mais il a plus de mana. Putain, il a plus de mana. Mais il peut auto. Il a des très fortes auto. Non, je l'ai tué, mais j'ai plus de mana. Ah, dommage. Dommage la mana, Romain. Quel vide joué. Attends, c'est chaud. Orianna, ça bouffe la mana de ouf. Ils ont pris le Drake, ça c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien en triple pof comme ça. Faudrait peut-être que je zoome un peu plus, peut-être des fois. Mais j'aime bien pouvoir voir un peu toute la game en même temps. Là, on entend pas, il est en full. On a vu le premier épisode de Goth en seconde avec ce prof. Quoi What the fuck. Un jour, le dodo en cours m'a dit Diego, arrête de parler. Quoi? On m'a dit Diego, arrête de parler alors que tu dormais? Exceptionnel. On le fuit seulement en cours d'histoire, moi, Alcor. Bon, les cours d'histoire, on peut, j'avoue. Mais attention, Lux, expert en histoire, puisqu'il fait des études de là-dedans. Ah, on va faire attention. Ok, alors, bot sa fight. On le voit pas, mais ça perd de la vie. Ah, on voit. Ah putain, elle joue très bien la Evelyn, elle va prendre double kill là-dessus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, genre. Elle a power 5 un peu 48, elle a 3-0-2. Ouh, ça va être dur. Je suis mute là ou pas? Oui, non, c'est bon. Mute. Ouais, puis maintenant, mais. Ouh, ça va être dur, on va voir. Mais attendez, mais on a 4 lives là. On a 4 lives. Attendez, on a 4 lives. J'ai dit oui. On a 4 lives, j'avais pas vu. Il a remis son live. On l'a pas vu. Je vais décaler ma. Merde. C'est comme ça, on a la bot lane. Je décale un peu ma cam, je la baisse, limite, je la réduis un peu. C'est pas très intéressant, moi. Je suis pas très intéressant. 3-0, ok. Après, c'est pas fini. Hein. 3-0-2, ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle va griller de ouf. Bah, je sais pas, hein, mec. Il y a en tout cas des DVD à chaque fois. C'est incroyable. Incroyable, ce prof, un visionnaire. Lux joue Kane. Ouais, il joue Kane. Il perd très rarement avec Kane, d'ailleurs. Il perd très rarement. On l'a mis cher. Avec Kane, donc on va voir. Ils ont perdu celle d'avant. C'est dommage, hein, parce que des fois, on fait vraiment des 3-0. On fait 3 wins en une heure. Et là, du coup, bon, vous voyez les moments où on galère un peu plus. Je vois bien que là. Où on galère un peu plus, mais bon. Moi j'ai trop de problèmes de sommeil, je suis incapable de rester éveillé même si je me force. Mes yeux disent non. Et est-ce que c'est. Après ça dépend, est-ce que tu dors assez déjà la nuit ou pas? Parce que forcément si tu dors pas beaucoup. Moi je sais que si j'enchaîne 3-4 jours où je dors pas beaucoup, les paupières sont lourdes quoi. Après moi j'arrive à. Quand je suis réveillé, souvent je suis bien réveillé et j'arrive à tenir souvent. J'ai beaucoup d'énergie je pense. Le joue blue, red ou un peu des deux. Ah merde, bot c'est. Top, c'est mort, j'ai pas vu. Il adapte en fonction des gens en face. Il m'a dit la fin dernière, s'il y a beaucoup de tanks, etc., il va plutôt jouer red, si je dis pas de bêtises. Et si c'est plutôt des squishies, etc., il va plutôt jouer blue. Si je viens, on meurt tous les deux, je pense. Oh, oh dommage, bon, elle va juste se mettre devant. Elle va juste se mettre devant, ça a failli kill. Et en plus, je peux pas trop les taper. L'espoir est bot, hein. Je pense que l'espoir est bot. Oh, mid, bien joué, Romain, ça, le beau kill. Peut-être F sur toi. Il est full life, hein. Romain aussi, vraiment pas mauvais. Bot, vous voyez, c'est la pressure de fou. Absolument que je dive bot, hein. Il faut ma forme bleue, hein. Ouais, vous voyez, il veut la forme bleue. On peut dive ? Ah oui, on peut. Ah non, pas assez parce que vu que je dors la journée, j'arrive plus à m'endormir le soir, donc c'est un sacré issue exactement. Ouais, c'est ça. Souvent, quand il faut faire ça, le week-end, il faut essayer de se recaler. C'est trop chiant. Mais souvent, le week-end, il faut essayer de se recaler. Oh putain, flash. Oh, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps de toucher pour ulti. Il faut juste que je touche un poil pour pouvoir ulti en fait. Je peux venir encore là ? Ouais, mais je pense qu'il y a l'autre putain. Ouais, elle est derrière moi, Elle est là, Eve et bot. Elle m'a raté. Elle a raté en vrai, c'est pas trop mal hein. C'est pas trop mal parce que Eve elle peut pas one shot au début. Oh oui. Oh bien joué Romain. Allez casse-toi. Oh bien joué, vous avez tellement bien joué, c'était propre. Fait gaffe à 4, hein. Oh, GG, c'était propre. C'était propre. Perso si je fais une nuit giga courte, je me force à pas dormir de la journée, je me couche à 22h. Ouais voilà c'est ça. En fait dans l'idéal, tu te couches à 1h, enfin
Tu fais une nuit ou sinon tu te lèves à 5h mais tu te forces à te lever à 10h, du coup t'es fatigué et tu dors tard le soir quoi. Et tu dors à une heure normale le soir quoi. J'étais voir un médecin du sommeil, j'avais eu des médocs pour reprendre un rythme mais j'ai pas réussi à le tenir. Ah et après faut essayer de le tenir. Je joue autour de Romain. Mais non mais il me faut ma forme bleue en fait, il me faut ma forme bleue. C'est, elle est encore là. Ah si j'ai le rouge maintenant, c'est la game elle est juste finie en fait, je suis plus dans la game. Ah là là, ça. C'est pour ça que je veux forcer au bot, mais vous êtes tout le temps sous leur tourelle. Ça se concentre. Dive, une lulu. Ça se concentre, ça se concentre. Ils disent des infos, hein, ça parle. Il faut discuter dans une équipe, hein. C'est normal. Il faut discuter dans une équipe. Ouais. Lolo, la trolleuse du sommeil. Ils voient leur tour. Ils attendent leur tour. Oh, ça c'est pas mal, ça a été smité. Putain, non. Ah, close, elle a pris shutdown. Elle a pris shutdown. Après, ça prend 2 kills sur Lux, c'est cool. Il a aussi pris un shutdown en plus. Il a pris 400 gros, ça va le remettre un peu. Ça va le remettre un peu, donc c'est cool. Mais moi, ouais, avec la Team Flex, je joue tard le soir. Normalement, là, je devrais aller prendre ma douche et aller me coucher. Mais bon, on s'en fout. Agis comme ça, je suis fatigué la journée, je dors pas quand même. Et le soir, pouf, je suis plus fatigué, je comprends pas. La Camille qui est un peu déréglée. Regarde, c'était pareil quand j'étais en BTS, c'était trop chaud. J'ai 400 là. Ouh, ok, on a Rengar qui est top. Lux qui va essayer de temporiser, il va aller dans le bush. Ah, il aurait dû aller dans le bush. Oh, il a très très mal. Oh là là, bien joué quand t'as outplay l'autre là. Ah, il a flashé. Qu'est-ce qu'il a fait, wesh? Ah, il va peut-être te tuer en vrai. Non, ouais. Oh, dommage. L'ult. Oh, dommage. Et Fanta qui vient prendre le kill. GG. Petite. C'est quoi ça? Petite prime en bonus, 200 gold. Ouais, mais je peux toujours pas jouer top. Hein. Il a quand même. Il a bien joué le gnar. Enfin, il a mal joué parce que quand Lux était sur lui, il aurait dû aller dans le bush pour pouvoir jump instant. Mais là, il a flash dans le bush pour ressauter, c'était pas mal en vrai. Alors, t'as pas fait c'était pas mal, hein. Corps de merde RPZ. Moi je faisais toujours des nuits de 5h30 et genre j'étais H24 fatigué. 5h30 c'est rien en même temps, tout blanc etc. Mais le soir, rebelote, couché à 1h pour me lever à 6h. Et ouais, c'est couché plus tôt, hein. Le corps sont destinés, chelou, bien compris. C'est plus jouable. Faut. C'est ta faute parce que j'avais pas de mana, mais là c'est un Rengar, j'ai fait mal fit. Moi j'aime bien avoir mes 8h de sommeil dans toutes circonstances. Je le fais pas tout le temps. Genre les deux dernières nuits, je l'ai pas forcément fait, mais là cette nuit je vais le faire pendant. Parce que là je pense que ça va être la dernière game. On va voir, même eux ils vont arrêter, je pense après. Ouh, le Ezreal. Le Ezreal qui prend. Bah, il se met devant. Oh oui, bien joué. Oh, bien joué ça. Je suis mort. F-bot, ouais. Ah là, Evelynn. La Evelynn qui va faire très très mal dans la game. Elle est master, on le rappelle. On joue contre des masters. On joue contre des masters quand même. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on joue contre des masters? What the fuck? Il s'est bien escape quand même, Flash, il a réussi à résister. Mais what the fuck? Moi, on me dit souvent que je suis archi blanche, tout le monde croit que je suis malade. Ah bah ça, le manque de sommeil, ça joue, je pense. Ils ont pas de bot lane, en vrai. C'est que sinon, j'aurais pas 8 heures, c'est sûr. Il m'a dit, je suis jaune. Il reste que 6 heures de sommeil. Ah, mais non. Je suis wardé là, genre, il a mis une pink lui. Enfin. Il faut aller vous coucher si vous devez aller vous coucher, les amis. Bien sûr, toi. Ok, allez, on va regarder un peu. Ça va faire le Drake là. On a le premier Drake, donc ils peuvent le laisser. Ils peuvent le laisser tranquillement. Non, mais il est sous sa tour. Ils peuvent le laisser tranquillement, il n'y a pas de souci. C'est Romain qui est bien dans la game. Hein. Romain, il a 3-2. Là, il est assez bien dans la game. Peut-être essayer de tuer la Rengar. De toute façon, moi, il faut que je t'empoie encore 2 minutes le temps que j'ai ma forme là. Evelynn est en train de remonter là. La forme à 16 minutes, genre. C'est 6 ans que ça m'est pas arrivé ça. Ça flash bot. Ah, Evelynn qui va kill. 100%. Ah, quoi que. Ulti. Oh, propre crêpe qui survit. Et top, ça kill. Voilà. Et c'était au cas où. Ça kill. Il attend là, il a besoin de sa forme. Hein. Il a besoin de sa forme, Lux, pour pouvoir être efficace. Ouais, mais du coup, il doit taper. Il veut la bleue et il doit taper des ranges pour ça. Et c'est la bot lane qui était tout le temps sous tour, donc c'était un peu compliqué. Ouh, il a dash in, mais il est fou lui. Il a flash, du coup. Il y en a qui arrivent au-dessus. Il y a quand même la Evelynn. S'ils peuvent tuer la Evelynn, ça peut être vraiment cool. Oh, dommage, Lux Spell, il a peut-être pas mis assez loin. Il avait la range, je pense. Je suis pas sûr en vrai. Il s'est pas mis au fond lui. Oui, bien joué le shutdown. Ouais. Ça c'est propre. Bien joué le shutdown sur la Evelynn. Attention à la Katarina qui va pouvoir reset. Elle pourra rien faire. Oh, elle a pris l'ulti. Ok, en vrai, elle a pas trop de dégâts. Elle a pu reset. Auto-attaque, ça tue. Merci pour la TP. Il a un kill. Putain, Romain, il va être huge dans la game. Romain va être huge dans la game. GG ça. Ah, c'est propre. Ça, je me lève à 9h20. Et c'est court à distance. Ouais, ça va du coup. Avec ma question. Je joue avec la meilleure Caroline. Ça connerre. Le clan de Marianne, ah, les mêmes profs, perfect. Peu cher. Non, ok. La tour, là, je pense. Ils vont peut-être même prendre la tour. J'ai ça c'est cool, ils ont pas pris tour en face aussi, hein. faut pas le négliger. Okay. Alors que je vais acheter bientôt des chocolats. T'as Romain à gérer, j'ai pas le réflexe de profiter du passif d'Oriana et ses autos. Il faut tout le temps auto avec Oriana.
Encore plus quand t'as la boule sur toi quand tu viens de te mettre ton E par exemple. Parce que c'est là où je crois où ça fait encore plus mal. Ah non, ça fait peut-être pas plus mal, mais t'as la résistance. Non, ça doit pas faire plus mal. Ok, là ils ont bien joué, ils pourront pas. Quoi ? Quoi ? Oh la blague ! Oh what ? On a créé quoi aussi sur le live hein ? What the fuck ? Je me suis mis devant toi en plus. Non mais la proto. La proto, je crois. Ouais, c'est la proto belle. Ouais, ouais. C'est la proto belle qui a tué, dommage. Attends, je pense que c'était Rengar. Enfin, genre pour moi, mage égale sort, pas auto MDR. Eh ouais, mais de temps en temps, les petits... encore plus au début. Encore plus au début. Tu vois, level 3 là, quand tu fais un petit fight. En plus, moi je joue beaucoup Syndra par exemple, qui peut se déplacer en même temps auto et en même temps faire ses sorts. Enfin, après, faut faire gaffe à pas cancel les autos non plus, mais. Mais ouais, Evelyne elle va être chiante. Evelyne elle va être chiante, on l'avait dit, bah c'est la master, elle va être un peu chiante, mais bon. Ils peuvent le faire, hein. Enfin, dernière, il y avait genre 4 diamants, un gars normal, enfin genre. Enfin, c'est grave. Enfin, gros, j'ai un timing où je peux pas rien faire sur ma lane, donc du coup, je décale pour voir si y a rien à faire. Bah oui, je peux maintenant qu'ils sont sous tour, mais avant, il y a un timing où je peux rien faire, où j'attends juste sous tour, donc je fais un truc. Push pas ta wave sous tour aussi. Fanta qui s'en veut à lui-même. Fanta qui s'en veut à lui-même. J'arrive. Ça va le faire, ça va le faire. Let's go. Les personnes invisibles ou qui se clonent vraiment les pires. C'est clair. Oula, bot c'est chaud. Bot c'est chaud, mais il y a eu un exhaust, je crois. Senna qui est en vie. Ça va kill. Il y a Kane qui est là. C'est bien joué. Attention à Katarina. Attention à Katarina. On l'a dit. Elle a flash out. Je sais pas pourquoi elle a flash out. Remarque, ça l'a éloigné un peu des autres. Ah, dommage. Kane va peut-être mourir là. Ok, il est mort, mais en même temps, ça kill Orianna. C'est un kill sur Jhin aussi, ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. La game va être serrée. On est parti, à mon avis, on n'a pas fini avant minuit 20. Ouais, facile. Enfin, et encore, je sais pas, on va voir. À mon avis, on est encore pour une durée de 35 minutes, je dirais. On va voir. Après, ça peut basculer. Hein. Ils ont des champions, ça peut aller très très vite. Les Evelynn et les Katarina, ça va faire très 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 mal. Pourquoi ils tag avec un master aussi ? Il est vers le Drake. Bah. Après, on a. Vu qu'on gagne souvent quand même, bon, même si là ce soir c'était pas forcément le cas, on a un MMR qui est cool en flex. Et si en face il a des mates. Après, je crois qu'il y a un diamant en plus en mate. Kata AD, il y a Rengar. Rengar qui va juste mourir. Faut juste que Senna meure pas. Il y a Ezreal qui est revenu, qui a placé un joli Q-spell d'ailleurs. Oh ! Bien joué le petit sniping de Romain, on l'a vu ! Bien joué ça, propre. J'étais pas sur le gameplay de Romain, mais propre. Il sort, on a Fanta. Il y a Fanta au-dessus. Je back un peu, j'arrive à toute berzingue là. Ok, Fanta qui tempo, c'est pas mal, c'est pas mal. Go back, hein, Evelyne va venir. Oh, l'erreur. Ok, c'est pas mal en vrai, c'est pas mal, ça kill gratuitement. Ça kill gratuitement. En fait, il y a Romain qui est huge. Romain est double buff, il est si huge. Romain est très 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 huge là. Et voilà, ça double kill. C'est propre. Merde, j'aurais dû vous mettre en grand. À toute berzingue, à toute berzingue, on en est là. Kata AD, je trouve ça disgusting maintenant. Ils font tout ça, moi je me suis fait une Kata AD tout à l'heure aussi, d'ailleurs ils ont gagné. D'ailleurs, si on perd contre une Kata alors que tout à l'heure on a reperdu contre une Kata. Après la Kata elle fait rien là. Romain est en train de la détruire. Hein. En train de la détruire avec Orianna. C'est avec toi, genre. J'arrive pour le Drake. Même remarque, Diego toujours. Ah, j'avoue, le Atout Berzingue, il est propre. Il est propre. Il est totalement propre. Ah non, non. On est quoi? Un Drake partout. Un Drake partout. On pourrait le jouer là. Là on peut vraiment le jouer hein. En plus. Pour nous, pas, j'ai pas mon passeur. Là si vous protégez Romain un peu en plus, Romain est huge de ouf, un ultime malfit en fait, c'est fort. Si Romain arrive à mettre une ouais. Attendez moi les gars, je fais la base par contre. Flashy. Oh bien joué ça. Flash qui lag un peu. Il y a Evelyne qui est toute seule là. Ça a touché, faut ult Fanta. Ulti out. Il l'a pas. J'étais mute en plus. Pas mute. Je suis là. Je dis faut ult et il l'a pas, je suis un trop là. Il avait pas son ult. Deux secondes. Ok, pour l'instant tout va bien. Ulti 10 secondes pour le malfit. Oh là, si peu d'HP, oh oui. Je suis pas là. Oh ce Q-spell. Bien joué. Fanta, nice. Et voilà, c'est pas mal hein. Merde, je vous mets pas en grand encore une fois, putain, je suis un trolleur. Après, je pense qu'on voit. Peut-être sur le téléphone, vous voyez rien par contre. On dit devant Victor, mais Kata, ça revient aussi pas mal. Même en 0-10. Ouais, mais là, il y a beaucoup de CC, ça va être chaud quand même. Il y a beaucoup de CC. Hein. Je pense que leur jeu va s'accélérer là. Ouais, là, ça y est. Il commence à. Vous voyez, il y avait 14-15, je crois. Il y a 24-15. Donc, ouais, GG Fanta, GG. En plus, j'ai trollé, il m'entendait. J'ai dit faut ult. Il était à 25 secondes de CD sur l'ulti. Quel troller, putain. En vrai, c'était Warder, hein, c'est une Evelyne en face. Quel troll. Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Enfin, ça revient. Non, il est pas mort en vrai. Il a flash. Ah, voilà. Il a flashé. Alors, c'est on a un autre joueur, il s'appelle Flash. Et il y a un sort d'invocateur Flash. Et on a un autre joueur, il s'appelle Lux. Et il y a un perso qui s'appelle Lux. Quatre des Warders là. Bien joué, les gars.
Je suis in sans être dans la game, tu es un génie, c'est trop ça, c'est trop ça. C'est trop trop ça. Ok, il y a Lulu qui vient de ward, tu vas juste faire chier. Katarina elle est level 10 en plus. Hein. Ouais, alors que Romain il est level 12. Qui, là, donc est quasi 13. Ah. Il a raté l'ulti là, il a raté l'ulti. Quasi 13. Il va tuer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer en fait. Boum. 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 Ouais, tu vois l'auto ? Toi tout le temps auto-attaque ? Il a à chaque. Alors, entre chaque rotation de sort, il a mis son attaque. Et c'est important. Désolé. En vrai, celui-là, j'étais pas obligé de. Bon, excusez-moi, par contre, on n'a pas vu l'autre kill. Zéro, hein, mais voilà, c'était pas mal de voir ce gameplay là. C'était pas mal. Ouais, on connaît Char. Il y a la Evelyn qui est. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah oui, c'est perdu. Par contre, il va lui faire un mal, je pense. Quoique, il a de l'armor. Pour l'instant, je le fume en vrai. A priori, mais. Il faut auto. Il va vouloir jumper. En vrai, les creeps, prends les creeps. Vas-y. Allez, bot, attention. Venez, Nash. Trop tard, c'est dommage, c'est dommage. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je trouve ça incroyable. Il y a machine là. 2. Je sais plus du coup. Je sais plus ce qu'on disait. Ah, les auto-attaques. Les auto-attaques. Ouais. Incroyable. En effet. Ça tente Nashor. Ça tente Nashor, mais tout le monde est up en face. Ça, c'est l'école qui peuvent marcher, mais c'est un peu risqué. Ah, bah ok. Evelyn a son bleu. Donc, c'est propre. Et en fait, ils sont pas aware dessus. Ils sont pas aware dessus du tout. Kaita Kori. Ouais, exactement. Bon, c'est propre. Ça, c'est gagné. Du coup, ça va les mettre très très bien. On l'ultimide. Regardez, le Ezreal. Ok, la Katarina. Ça dash, flash ou je sais pas quoi là. Oh, il est là, regarde, il est toujours là. C'était close. Il est vert. Ça galope. Putain, regardez maintenant qu'il a sa forme là. Regardez comment il court. Il est à 9-6. Hein. Il était pas très loin là. Il est à 9-6. Hein. Donc voilà, ça c'est Lux. Roman a plus d'ulti, j'ai plus d'ulti. Ça, c'est Lux, c'est lui qui a le plus de kills de la game, alors qu'il était dans le mal. Elle va sûrement arriver là, l'autre. Elle est plutôt relent. Il est trop fort. Elle est là. Et hop, là, il va re-kill. Oh, ah non. Putain. Oh, l'ulti, pas mal en vrai, ça a touché Ez, je crois. Okay. Ouais, ça va, hein. Ils ont. Bon, il y a le CD, mais. On peut les dive hard. Hein. C'est 64 secondes, l'ulti de Malphite, donc ça va revenir vite. L'ulti de Malphite. Il y a 15 secondes pour l'ulti d'Orianna en plus. Prochaine wave. Hein. J'ai pas grand chose, non. 10 secondes mon ulti. Moi j'ai tout. Hein. Moi j'ai pas mon ulti. Hein. Ça va être beau. Je joue sera aussi forte. Les mecs qui jouent là, ils ont beaucoup joué. Hein. Peut-être c'est Fanta qui a le moins joué, je pense. Mais après, faut jouer. Et tout. Moi j'ai fait des sessions où j'ai joué. J'ai regardé beaucoup de joueurs pro streamer aussi à une époque. Quand je voulais vraiment progresser. Par contre, Lux, ton champion qui dash et qui fait tripler là. Je te rappelle que t'étais mal dans ta game. 16 minutes pour ta forme, Lux. C'est vrai. T'as combien de kills 12 Après, post-form, c'est plus fort, forcément. GG. Kane Bluefeet, c'est fort. Il était pas si en avance que ça. Hein. C'est juste, il est très fort avec. Il sait bien se placer. Il connaît parfaitement son champion. Et ouais, du coup, ouais, j'ai regardé pas mal de streams de joueurs pro. Du coup, ça m'a aidé à progresser. Et j'ai aussi fait pas mal de 1v1 avec des gens qui étaient bons pour progresser mes match-ups. Et après, pas mal de games, bien sûr. À l'époque, hein, quand j'étais pas trop mauvais, j'étais vraiment beaucoup plus fort à l'époque. Je pense. Enfin, j'ai atteint D5 à l'époque. D5. Oh, c'est le Nexus qui tombe pour les adversaires. Bien joué. Alors, vous aviez quand même Evelyn en master en face, hein, donc GG. Hein. On applaudit. Bien joué. Et en plus, elle était bien au début de game. Hein. Donc elle aurait pu. Ouais, elle était 3-0. Ouais. Ouais, elle aurait pu faire. Elle avait 3-0-2, je crois, à un moment. Vous l'avez call. Qui est tilt-proof. Donc GG en vrai. GG. Hein. Par contre, ça bug. À chaque fois, j'ai le live en grand là. Ok, c'est bon. On va voir Lux qui va nous montrer bien sûr les dégâts. Voilà, Kayle, bien entendu. Elle a carry ton exhaust. Hein. Elle a quelques dégâts, là, Evelyn aussi. Voilà, Katarina. Mais Romain, t'as tellement bien joué sur la game. Là, pour le coup, la Evelyn, elle jouait vraiment bien, mais par contre, elle était toute seule dans sa game. Était toute seule. Non, mais en fait, Romain, il a crush la Katarina. Bot, vous avez crush la bot lane. Enfin. Elle est level 10, la Katarina. 2, non, mais 2-7, 1-7, 0-7, en fait. Enfin, ouais. GG, hein. Juste GG. Hein. Bravo à vous. Après, si elle était effectivement Silver 4, c'est normal que. Bon. Heureusement qu'elle l'était pas. C'est le problème de jouer en flex avec un Silver et un Master, quoi. Ah, il y avait un Silver en face. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça le truc. La Kata était Silver, ouais. Ah, bah, elle a dû apprécier sa game. Hein. On voit le Master qui lui dit ouais, t'inquiète, je te ganquerai. Elle était pas main jungle.
Ah, je sais une jet et tout, je crois. Elle est pas Eve. Ah ouais, d'accord. Elle est ADC ? Non, je suis une jet Nami. Elle fait un peu de tout, hein. Ah oui, d'accord. Mais what the fuck ? Quoi ? Classé, du coup ? Vous êtes sûr que... Mais attendez, vous êtes... Hein ? Ah, attendez. Solo queue, je voulais lui. Solo queue. Ah non, mais elle joue que support. Elle est Master 0 LP. Après, comme dirait Croco, Master 0 LP, c'est du silver. Master 0 LP, c'est du silver. Purée, j'ai bien farm les altcoins là. Ah bah ouais, là ça y va les altcoins. Hein. Je me doute. Je me doute. Attendez, mais vous rejouez là ? Non, je pense pas en vrai. Ouais, vaut mieux arrêter, je pense. Là, c'est le moment d'aller se coucher là. Non, parce que s'il joue, je vais. Non, mais moi, je suis honteux depuis tout à l'heure. Donc... J'ai pas réussi à décrocher s'il joue. Mais je pense qu'il faut que j'arrête le live, sinon vous allez tous rester. Non, mais. J'ai récupéré après. Mais... Moi, j'irai peut-être prendre ma douche, etc. etc. Mais je fais plein d'erreurs. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est raisonnable. On est à 3h35 et comme ça, les Akami et Agito qui doivent se lever demain vont aller se coucher là. Master 0 LP, inférieur à Iron Cat, exactement. Exactement. On va attendre voir si il rejoue ou pas. Mais je pense qu'on va 8,2k altcoin, c'est propre. Regarde mon stream, j'ouvre des boîtes. Oh, oh oui. C'est dommage. Oh, on a l'opening. Oh, on a l'opening. Attention, le Masterwork Chest de Romain. C'est parti. 3, 2, 1. Let's go. J'ai déjà ouvert et j'ai déjà gagné un 4. T'as dit quoi, Flash ? Cosmic Lux. Trop bien. Une petite clé. Oh, il y en a encore un ? Encore un coffre. Oh, let's go. Je suis spoil à cause du délai. 525 orange d'essence. Oh, c'est pas mal ça, 525 essence. Oh, la Cosmic Lux, elle est stylée. Il est enfin être top dégâts. Tu veux prendre les deux, les deux ? Propre. J'ai l'ultime de lui, j'ai l'ultime de elle, donc magnifique. Ça, des skins que tu joues pas. En vrai, Lux, tu pourrais le jouer, mid. Ezreal, il est stylé le skin. Hein. Je le prends. C'est vrai qu'il est stylé celui-là. J'avoue. J'en ai pas assez de trucs là. C'est beaucoup cette 1500, non ? C'est ça qui me fait penser à la Evelyne. Ah non. Tu sais qui me fait penser à la Evelyne là ? Vas-y, Flash, il a fait une flex avec le meuf la dernière fois. Hein ? Qui ça ? On est en live, Flash. Flash, on est en live. De toute façon, on n'a rien entendu. Moi, j'ai rien entendu. J'ai rien compris. Mais ok. Ouais. Mais genre, c'était tellement cette situation. On dirait, moi, j'ai tous les skins insane de Lux dans les coffres. C'est vrai, incroyable. Ouais, comment qu'ils gagnent des skins nuls, c'est ça ? Du genre Aurélion. Et Garen Commando, exactement. La fin dernière, Lux, il est un truc de merde aussi. Hein. Ah mais Lux. Mais je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Est-ce que tu peux montrer ton super skin que t'as gagné la fois dernière ? C'est ça. Attends. Ça le demande dans le chat. J'arrive. Ah, la Lux. Vous allez voir. C'est de la merde. Quand t'es dense, elle joue à Beat Saber. Moi j'ai eu ça dernièrement d'ailleurs. Je peux vous montrer aussi. Non parce que vous allez voir. En vrai, il y a pas que le skin que j'ai gagné la dernière fois. Il y a tous les skins de 2020. Du coup. Moi j'ai eu ça. J'ai tout reroll. J'ai eu ça. Ils sont pixels, mes skins. Attends, t'as pas lancé encore. Et moi, si je vous montre les skins que j'ai eu, hein. Vraiment en top. Hein. On va regarder Lux. Je l'ai tenu, ça m'a vraiment. Je l'ai pas int, mais je l'ai pas tenu. Hein. T'es pas mort, quoi. Et voilà mes skins de 2021. Ah, mais à un moment, j'ai pas joué la lane. Le Timo, l'Elfureux, c'est vraiment godlike, quoi. Ouais. Celui-là, il est vraiment godlike. Ouais, mais le Rengar, il finit sa game. Incroyable. La Sage, elle est stylée, par contre, non ? Rengar, hein. Il aurait pu. C'est Joanie en haut à gauche là, elle a l'air pas mal. Après, jouer Archisafe avec un Malfit. Hein, donc bon. Ben Aristocrate, les skins de 2020 sont mieux. Mais... J'avoue, t'as Incognito Biscrank. Ah oui, il y a ça aussi quand même. Ah, toi aussi t'as la Caitlyn Arcade. Moi aussi j'ai chopé la fin dernière. Larry. Larry machin, la pop star. Je l'ai tenu. Après, bon. Ah, il y a du skin. J'ai que ça moi. Ah, t'en as pas tant que ça, en effet. En même temps, tu joues Kane donc. Ouais, mais c'est merci Lux pour ce petit partage. Il nous reste Romain qui a pas beaucoup de skins du tout. Hein. Bien joué. 260 skins. Oh, elle est belle. Oh, t'as putain, j'ai pas de skin de Syndra moi. Ah, je suis que à 198 skins. Oh non, je suis si loin derrière Romain. T'as combien de skins ? 98 ? Non. Romain il en a 270 des skins, c'est écrit. Oh. Et moi j'ai 198 skins. 198 putain. Bah, c'est mon commun. Enfin... C'est moi. Oui, j'avoue que 270 c'est pas mal. Hein.
Là, on a Romain en full screen de 70, c'est vraiment pas mal. Je reroll, quoi. Non, moi, je reroll, mais j'ai eu de la merde. Je reroll. Je reroll, j'ai 76. Mais je peux le montrer au chat, d'accord. C'est 2012 que je joue, donc. 2012. Ah, mais moi, 2011, hein, j'ai que 127 skins. Hein. Voilà. Regarde, d'accord, tu veux que je montre au chat les skins. Quand je jouais à LoL, je jouais à LoL. Mais moi, quand je jouais à LoL, il n'y avait pas les rerolls et les machins et les trucs, là. Vas-y, montre-nous. Oh, Timo! Putain, il y a du Timo. Attends, je vais classer par quoi? Je vais classer par champion. Par champion. Par champion, bon, H. J'ai gagné le SKT1, Psydra. Non, j'ai pas JQ, j'ai pas. Chaîne. Quelques skins de chaîne. Mais what the fuck? Tous les skins de chaîne. Xerath, juste deux. Juste, voilà, les mythiques. C'est pas mal, hein. Putain, mais t'as tellement skins sur certains champions. Quelques skins de Warwick. Mais what the fuck? C'est les champions que j'ai maîtrisé, 7 en vrai, où j'ai plus de skins. Ah, ouais, d'accord, ok. Ziggs aussi. Soigne un seul, Ziggs j'en ai pas mal. La gueule de joueur, Rick. Perd. Coin. Camille. Leona. MF. Draven. Mais y'a. Ah oui, t'as joué Draven toi. C'est mon tour, il m'en manque un de skin, je crois. Oh là là. Ah non, il y en a eu des nouveaux donc ça. C'est tous les skins de Dana sauf le dernier. Aïe 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 aïe. Oh le petit Gnar. En concurrence avec Ardox. Incroyable. Lipmong. Meilleur skin de l'île du jeu en fait. J'avoue, il est stylé lui. Draven, ah Burk. c'est fort Draven. Hop, et là le bébou. Le bébou Timo. Timo. 1, 2, 3, Timo. Enfin, les 5 skins en haut, c'est vraiment les meilleurs skins. Moi, je crois que j'ai l'abeille. L'elfe heureux, histoire de... Je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai. Oh, le beau skin de Gangplank qu'on voit en dessous là. Il est magnifique. pas du tout. Allez, Star Meme. Les skins de Yorick, hein. Il m'en manque. Est-ce qu'il m'en manque? Ah, mais le skin de chat là? What the fuck? T'en manques deux? C'est Miaourik. Non, il y a celui-là aussi qui me manque. Oh, pendant ce temps, Vedindas qui relance une game. Litin supérieur. Lipicine. Ah, Lipicine. J'ai 4 skins sur Yi. Yo! Flash qui est trop chaud. Flash qui a 4 skins sur Yi au passage. Hein. Je pense que c'est pas mal. Mais t'as pas eu dire aussi. Ah non, je sais plus si c'est toi qui. Si tu veux que je monte tous mes skins légendaires. Oh là là. On a de la qualité. Hein. On a de la qualité. Hein. Après, il y a du skin. Mais mec, mais toi aussi, t'as quand même beaucoup. Enfin, 198, c'est quand... ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Écoute, j'ai peut-être mis une petite somme sur la Ligue des Légendes. Ouais, peut-être, ouais. mais je connais des gens qui sont bien pires que moi. Moi, perso, j'ai mis 580 boules, je crois, dans le jeu. Bon, bah voilà. Ça commence à faire. Moi, mais... Ah, quand même. Ouais. Écoute, je vais être à 800 boules sur LoL. Bon. Après ça, j'y joue depuis 2011, Lux aussi. Ah. J'y joue pas depuis 2 ans. Ah, clairement. moi, j'ai mis 20 balles par contre, vraiment. Ah, mais tu vois, l'année, ça fait 58 euros à l'année. Ça fait un jeu par an, quoi. Ah, non, en vrai. bon, est-ce que ça fait des choses par ici ou quoi? J'ai mis 300, moi, j'ai 111 skins propres. Ouais, 50 euros par an. Non, c'est ok. J'ai commencé par commencer. Il pour reste faire plaisir, c'est je vais très pas commencer à barrer. Ouais, voilà, franchement, pour un jeu auquel tu joues tout le temps, ça va, je trouve. Oui. Il y a peut-être une année, en fait, il y a une année où j'ai mis beaucoup. Ah, le E-Raise, le E-Raise ce soir, mais E-Raise, c'est très très bien. T'as bien fait de. Attendez, je vais me réagrandir un peu, peut-être. Moi, très très bien, E-Raise. Ah, je me contrôle Z. Pour acheter 30 clés. Acheter 30 coffres. Hop là. Est-ce qu'il m'entend? Non, il m'entend plus. C'est vrai que, mais il y a des soirées avec un pote, genre. Bah écoutez, du coup, les amis, je vais vous laisser. De capsule, les amis, je reviens, je fais ma petite out trop de live. Parce que là, c'est tellement worse, 20 capsules. C'est, en fait, c'est attendez, je vais les mute. Final, tu perds quand même 20 balles, quoi. Mais d'où ce que t'obtiens? Ouais. Hops. Et voilà, les amis, merci à tous d'avoir suivi. Tu veux pas être jogué? Je pense qu'on va s'arrêter, parce que ça fait 3h43. Et surtout, que je sais pas si vous êtes encore nombreux, je sais pas s'il y a du monde encore ici. Vous êtes 9 encore, c'est incroyable. Faut avouer ton coffre en mode unboxing, j'avoue. Attendez. Attendez, je vais. Ah, il a quitté. Oui, c'est officiel, j'ai mis 933 euros dans mon. Ah, parce que Fanta, t'avais une petite boîte et sur le chat, ça demandait l'unboxing de ta boîte, mais bon, tant pis. Boîte. T'avais un petit coffre, ouais. Ouais. Elle est en Teamflex. Bah, attends, je savais pas. Vas-y, si tu veux. Tu veux connecter. Tu relances si tu veux. Ah oui. Non, j'ai pas envie d'aller voir. Let's go, vas-y. Oh, le coffre. J'ai mis 933 balles dans le jeu. 933, c'est pas mal. Oh, le Jarvan 4, ça fait plaisir, ça. Pas du tout. Let's go. Ah, tu l'avais pas? Ensuite, si, je l'avais. Ah.
Hop, ensuite je vais dans champion. Hop. Hop, là je fais quoi? Hop, je vois. Bah je veux rien acheter. Voilà. Et bah tu quittes le jeu. Merci Fanta. Merci à toi. J'ai vraiment pas envie d'aller voir Romain, genre. Ops. Voilà, voilà, voilà. On a on a le Stonks du champion. Il l'avait pas, donc en vrai. Ah si, il l'avait, pardon. Du coup, ça a désenchanté. Merde, Stonks, un champion. 933ème Stonks. Stonks. Classique, il a pas acheté Victor. Comment ça, monsieur? Ah, ils ont pas forcément tous les champions. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on va. Là, moi, je vais m'arrêter pour le live parce que je vais aller prendre ma douche en vrai et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Ils m'ont invité dans LOL ou quoi? Ils m'ont invité. Romain, il m'a invité. Sur cette game, je vous souhaite une bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi aussi, Loams. On se retrouve demain soir pour du live. Et demain soir, je pense que ça sera du GeoGuessr. Alors, on décale du coup d'un jour de plus Horizon. Parce qu'en fait, on va avoir une petite compétition, comme je vous en ai parlé, avec Lux qui organise ça sur GeoGuessr en 2v2 en Counter-Strike. Et du coup, il faut que je traîne un peu. Et du coup, on fera sûrement ça demain soir, à mon avis. Du coup, ça sera vachement chill et ça sera un peu voilà, blabla si jamais il y en a qui veulent blablater. Et on s'entraînera un peu sur GeoGuessr comme ça. Et comme ça, on sera un peu plus près sur la compète qui se passera la semaine prochaine que je streamerai. Et après, bien sûr, on reprendra les lives sur Horizon dans la foulée. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas restream ce soir parce que là, on est déjà sur 3h45, on va aller se coucher. Donc il me reste plus qu'à. Attendez, mais j'ai même pas mis de musique pour ma petite outro là. Hop là. En vrai, il reste plus qu'à. C'est quoi cette musique de merde? Je change. Attendez, ça charge. Digital Hug. Ah, Digital Hug, c'est pas mal. Look, si c'est. Il vous reste plus qu'à vous. Enfin, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit. Courage pour ceux qui travaillent demain. Profitez pour ceux qui ne travaillent pas demain, bien entendu. Bonne nuit encore, hâte de voir GeoGuessr. Bonne nuit tout le monde, merci à Camille. Merci à Jico. Merci tout le monde d'être passé. Je vais pas tous vous citer parce que vous étiez tout nombreux, mais bon. Bien entendu, tous ceux du serveur de Briquette, je sais que vous êtes tous là, et principalement c'est vous, mais merci aussi aux autres qui sont là très très souvent, merci à vous, je vous souhaite bonne nuit à tous, prenez soin de vous, et à demain, ciao bye! Ah, j'ai même pas regardé s'il y avait quelqu'un à raid. Ta 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 la. Oh, y'a Quixi. Pour ceux qui sont encore là, allez juste dire un petit bonjour à Quixi. Si vous le voulez. Un petit Quixi, ok? Vous lui faites un petit coucou de la part de Alcor. Et c'est son anniv en plus aujourd'hui. Écoutez-moi, c'est l'anniversaire de Quixi. On n'est pas parti. On revient. C'est la fête, c'est parti. Pam pam pam. Pardon, non, juste faites-lui un petit bonjour, un petit joyeux anniversaire. Et il sera super content, merci à tous, désolé, j'avais complètement oublié. Je relance, en plus il y avait la petite musique qui était dans l'ambiance. On est parti, t'es toujours pas sous la douche. Non, on est là. Après je pars sous la douche et je reviens de toute façon, mais j'irai sur le Discord avant de revenir. Faites un petit raid chez Quixi, dites-lui joyeux anniversaire. Et puis si vous l'avez pas follow, lâchez-lui un petit follow bien sûr chez Quixi. On se retrouve à demain, ciao bye. J'ai raté.